Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur CaliVision. Nous sommes en direct avec Johan Charlier aujourd'hui. Je vais vous mettre l'image immédiatement. Bienvenue Johan, est-ce qu'on t'entend Attends, tu, tu m'entends pas. Salut Johan, maintenant tu m'entends. Bienvenue à toi. Sur CaliVision, nous ne t'entendons pas. Hein. Est-ce que tu peux essayer de... Oui, mais c'est normal. C'est normal, tu ne parlais pas, <laughs> tout simplement. Je ne parlais pas. Bonjour, euh, bonjour Yohan. Alors tu es euh, conférencier gesticulé, mais surtout statisticien. Et tu nous disais juste avant qu'on commence, statisticien en fait, c'est même pas vraiment le nom de mon métier. Donc bah, est-ce qu'on peut commencer par ça Du coup, quel est le, le vrai nom de, de ton métier Le temps que je, je mette nos caméras et qu'on nous voit, Voilà, ça va prendre une seconde. Où est le Discord eh ben, euh... voilà. Vas-y, je t'en prie. Pendant, que je, pendant ce temps, je m'en occupe. Ça marche. Eh ben euh, oui. Bah, du coup, moi je m'appelle Yohan Charlier, je suis conférencier. Gesticulant. Gesticulant. C'est ouais. la conférence qui est gesticulée et les conférenciers qui gesticulent. <laughs> Exactement. Et, euh, et donc, dans cette conférence, je me présente effectivement comme, comme statisticien. Et, et nous allons faire tomber un mythe. Si je dis que je suis statisticien, c'est euh, avant tout pour que les gens me comprennent. Mon métier, c'est. Euh, j'ai un métier euh, à côté des conférences qui s'appelle chargé d'études statistiques. Euh, moi, à la base, j'ai une formation de sociologue avec une formation on va dire renforcée en, en statistiques. et donc et donc mon, mon métier c'est de produire et d'analyser des statistiques pour une grande collectivité locale disons ok alors on a déjà une question là que je vois qui est qui est assez assez précise bon à prendre le temps de, de répondre de répondre à tout mais on nous demande si tu sais de euh, si tu a ah déjà entendu. Si tu, peux, si tu peux, nous parler du réseau Sentinelle créé en 1984, développé sous la tutelle conjointe de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Est-ce que ça te dit quelque chose ce réseau Sentinel dont c'est vrai qu'on a pas mal entendu parler ces temps-ci, mais du coup je sais pas euh, si toi tu ça peux nous dire bien. quelque chose. Oui. Est-ce que ça te dit quelque chose euh, euh, Oui, parce que j'ai déjà entendu ça. Mais alors pour le coup, c'est de la veille sanitaire. Du... Oui, c'est, oui, c'est, c'est. Épidémiologiste. Hein. Exactement, oui. Euh, qui font ça, et, euh, et, et bien non. <laughs> oui. Parce que précisons que voilà, tu n'es pas là pour nous parler des chiffres du Covid, tu n'es pas spécialisé dans ces questions-là épidémiologiques. Tu peux nous en parler, évidemment, mais euh, ce n'est pas forcément euh, ta spécialité. Non, effectivement, euh, moi, ma spécialité, ça va être euh, l'éducation, mmh. euh, notamment, euh, la formation professionnelle. Euh, marché de l'emploi, etc. Après, on peut parler Covid, euh, au sens où, euh, comme tout le monde, j'ai reçu euh, les informations euh, de Jean Castex et des différents euh, protagonistes, euh, qui sont politiques, médecins, euh, commentateurs. Euh, sur le sujet quoi mais c'est plutôt je vais plutôt euh, moi avoir accès à ma mes recherches euh, et puis mon, mon, mon travail euh, sur euh, on va dire l'utilisation des chiffres et la réception euh, mais effectivement euh, en, en, en chiffres de santé euh, je suis désolé euh, c'est vrai que j'ai pas mis mettre euh, pas mis mettre trop mmh. on va rester sur ton sur ton domaine euh, Johan mais c'est c'est euh, <laughs> Saïd nous dit euh, il se trouve que ce réseau n'a pas les mêmes chiffres que nous donne le gouvernement, c'est ce qu'il nous dit. Ah, d'accord. Donc c'est peut-être ça qui est intéressant. Et j'avais entendu parler de ça, effectivement, euh, du fait qu'il que y avait ce réseau Sentinelle qui n'avait pas exactement les mêmes chiffres que le, que le gouvernement. Et c'est vrai que j'avais pas trop su quoi en faire, du coup, parce que bah, voilà, c'est compliqué, quoi. Comment on obtient les chiffres On va en parler aujourd'hui, d'ailleurs, de, de ça. Hein. Parce qu'il y a les chiffres et il y a comment on construit ces, ces chiffres. C'est ça. Après, moi, ça ne m'étonne pas forcément qu'ils n'aient pas les mêmes <laughs> chiffres que le gouvernement, puisque le gouvernement, euh, des fois, nous sort des chiffres euh, que personne n'a. Mmh. Euh, parce qu'en l'occurrence, euh, ni des sites, euh, on va dire, moins institutionnels que euh, le réseau Sentinel. Comme Covid Tracker, par exemple, hein, qui est fait par un, un mec, hein, euh, ne sortent pas les mêmes chiffres non plus que nous sort le gouvernement. Donc, mmh. euh, en fait, j'ai envie de dire, malheureusement, euh, ça ne m'étonne pas vraiment. Euh, ça, plus rien ne nous étonne hein, dans mmh. ce grand balai des chiffres, euh, notamment, euh, notamment sur le Covid. Quoi. Mmh. Alors on va, on va en parler, on va prendre le temps, on va parler d'économie, on va parler ben, des, des chiffres en général, de l'utilisation qui est faite de ces chiffres. Et c'est vrai qu'on est bombardé toute la journée quand on regarde les médias par des chiffres, des pourcentages, euh, des voilà des pourcentages de hausse, de baisse. Il euh, y a tout un tas en fait de, de choses qui sont utilisées et on a l'impression que très souvent c'est dans un but non pas de nous informer mais plus d'orienter notre pensée, d'orienter notre jugement euh, quand on nous dit euh, voilà il y a une augmentation de 80 on doit s'inquiéter. Euh, bon, sauf si c'est une augmentation du bonheur, auquel cas on devrait s'en réjouir. Mais en tout cas, si on nous dit qu'il y a une augmentation de 80%, on va tout de suite se dire voilà, il y a, il y a quelque chose qui se passe. 80%, c'est énorme. Mais en fait, euh, d'où vient ce chiffre initialement Est-ce que c'est 80% d'augmentation par rapport à hier, par rapport au mois dernier, par rapport à l'année dernière C'est qu'un exemple, hein il y en a des milliers d'autres, mais voilà, c'est qu'un exemple d'un chiffre qu'on va nous donner qui va faire un effet. Mais derrière, on ne va pas vraiment se poser la question de qu'est-ce que ça représente, ce, ce chiffre-là c'est ça. Et, euh, et euh, 80%, euh, oui, d'accord, d'augmentation, mais par exemple, euh, alors 80% d'augmentation du SMIC, c'est super cool. 80% d'augmentation d'un euro, euh, au final, tu as un euro et ans, vois. Mmh. Donc, <laughs> c'est euh, aussi de quoi on part, effectivement. Euh, moi, je suis toujours très méfiant euh, et j'encourage, hein, euh, notamment dans la conférence, j'ai à, à, à être méfiant avec, avec, avec ces constructions-là, ces constructions euh, une moyenne. Euh, une évolution, il faut toujours avoir effectivement tous les paramètres. Euh, un, un truc aussi con qu'une moyenne, euh, voilà, si, 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 si tu prends une pièce avec 100 personnes et, et tu fais rentrer Bernard Arnault dedans, eh ben, tout le monde en moyenne est, euh, est milliardaire. Mmh. Euh, voilà, alors que, euh, alors que voilà. Ah, Alors que pas du tout. Une évolution. Alors que pas du tout. Oui. <laughs> il y en a qu'un <laughs> qu qui est milliardaire, mais en moyenne, effectivement. Et en moyenne, voilà. Et donc oui. une évolution, effectivement, euh, tu effectivement, bah, as raison, par rapport à, 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 à quelle date, euh, quels étaient les chiffres initiaux. Moi, c'est un truc euh, qui m'avait fait bondir il euh, y, a, y, a, y a peu de temps euh, sur les, la, les chiffres de la croissance. Les mmh. chiffres de la croissance sont toujours exprimés. C'est plus 1%, c'est plus 2%. Oui. L'an dernier, on a fait moins 9, je crois, un truc comme ça et, euh, et euh, je, je parlais avec des, avec des avec des collègues et on disait tiens tu vas voir euh, l'année prochaine euh, tout le monde va faire des bons sur bfm tv sur les plateaux télé les euh, les, euh, les, les commentateurs économiques euh, vont dire attendez c'est magnifique on va faire plus 5% cette année on n'avait jamais vu ça et mm. qu'est qu ce qui se passe l'autre fois je voyais c'était c'était du amen je crois euh, le celui qui dîne dans le resto pas celui qui a fait des <laughs> Euh, comme il dit, c'est la même famille, je qui, crois. Qui disait, oui, oui, c'est la même famille en plus. Et qui disait, alors, ah bah si, c'est super, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu autant de chiffres. Un, un, un chiffre de croissance comme ça, oui, mais. oui. Par mais, rapport donc, à quoi C'est ça, par rapport à quoi Donc, commenter. Euh, pff, moi, ce qui m'ennuie, euh, si tu veux, dans bon, effectivement cette euh, cette. Euh, Hégémonie euh, des chiffres, des courbes, des statistiques, euh, des graphiques, des camemberts, on en a énoyé, euh, quoi. Et surtout, euh, c'est commenté parce que c'est facile si tu veux de commenter un truc comme ça sur un, sur un plateau de chaîne info. Ils ont besoin de ils ont besoin de, 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 de produire de, de la discussion et donc ils vont commenter des trucs comme ça. Alors que euh, ouais, c'est une règle, euh, c'est une règle, une règle, un peu une règle d'or quoi de de, de ne jamais commenter euh, un chiffre sans savoir trop euh, comment il a été euh, il a été construit mmh. c'est pour ça que je ne pourrais pas trop parler de sentinelle je, je, je suis désolé parce que c'est je ne oui. sais pas trop comment ils ont construit le truc donc il faudrait voir comment eux travaillent et qu'est-ce qu qui fait que leurs chiffres sont différents euh, de, de ceux du gouvernement et donc euh, voilà rentrer vraiment dans la la déconstruction, et comme tu le dis, on, on, par, on parle beaucoup de chiffres, enfin on parle que de ça, en fait, chaque information est quasiment accolée avec euh, un ou plusieurs chiffres. Euh, moi j'ai fait une école de, de journalisme et on nous disait... Éviter de noyer les gens sous trop de chiffres parce qu'après ils n'en retiennent aucun. Si tu, si tu dis juste un seul chiffre ou un seul nombre, ça va aller. Si tu commences à rentrer dans le détail et à dire plus 80% euh, à 62 milliards,5 milliards et ensuite tu ne retiens aucun chiffre. Euh, donc on nous, on nous disait de centrer autour d'un ou deux chiffres maximum dans une chronique. Sauf que ben, ce chiffre, justement, si on va centrer dessus, euh, peut-être que ce n'est pas forcément extrêmement euh, euh, utile ou extrêmement intelligent de le faire, mais. On nous apprend à ne pas utiliser trop de chiffres, entre guillemets, mais en en utilisant quand même tout le temps. Donc il y a ce truc un peu paradoxal où le but n'est pas forcément de ce que je disais au début, mais n'est pas forcément de trouver l'explication euh, grâce aux chiffres ou d'expliquer de, de, vraiment quelque chose, mais plutôt d'orienter. En fait, ça va, ça va être utilisé par les journalistes, et moi vraiment je l'ai vécu, hein, comme un, un outil pour finalement venir montrer qu'on ça va dans le sens euh, qu'on a et qu'on a envie euh, que ça il l'angle du papier tu vois comme on dit souvent tu as un angle tu vas trouver le chiffre qui va dans le sens de ton angle et il y avait un, un, un exemple très précis que 14 on en parlait aussi avant l'antenne. T'aimes bien 14 enfin voilà, comme ouais, beaucoup, comme beaucoup de gens. <laughs> euh, et et qui disait, euh, qui faisait une analyse de d'un passage sur LCI euh, avec David Pujadas, où ils avaient regardé des chiffres du Covid et où ils avaient comparé des choses qui n'étaient pas comparables du tout, qui n'avaient aucun sens. C'était voilà, c'était grandiose dans la bêtise, dans la médiocrité, mais c'était typiquement ça, tu vois. L'angle c'était de dire les chiffres sont en baisse. Donc on va manipuler les chiffres pour qu'ils baissent. Et c'est effectivement ce qu'ils avaient fait. Et le, les points de repère qu'ils avaient pris n'avaient aucun sens. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette, cette euh, erreur magistrale-là euh, faite en direct avec en plus une statisticienne sur le plateau qui leur disait non mais vous dites n'importe quoi ça qui était absolument grandiose, effectivement, dans ce, dans ce, dans ce grand, grand moment d'effet 14. Si, euh, si, si les gens ne l'ont pas vu, euh, c'est la vidéo qui s'intitule euh, Tuto, c'est le tuto numéro 2 sur les graphiques. C'est sorti il y a 2-3 semaines, un truc comme ça. Effectivement, ce qui, ce qui se passe, c'est que euh, sur LCI, LCI avait préparé euh, un tout un tas d'illustrations, j'ai même pas envie d'appeler ça des graphiques en fait, parce que mmh. c'est euh, un travail de graphiste, effectivement. Euh, mais c'était plus des, des dessins d'illustration. Euh, et donc, euh, effectivement, il y, y, y avait des courbes, ils avaient pris les courbes des morts par jour. Euh, et donc, il, il, il montrait, c'est simple, hein, ça fait, euh, fait n'importe quoi, puisque euh, en fonction euh, des jours de la semaine, on ne déclare pas autant de morts que les autres. Typiquement, le lundi, du lundi au vendredi, jour ouvrable, tu déclares euh, beaucoup de morts, mais le, le week-end, ça fait des chutes comme ça. Ce qui s'est passé, c'est que euh, le narratif euh, que le journaliste avait prévu de déployer, son angle, euh, effectivement, c'était sa baisse. Et donc, il avait comparé, si je me souviens bien, euh, un, un mercredi de la semaine d'avant, qui était en plus euh, le jour où il y avait eu le plus de morts, euh, à le dimanche d'après, où, où il n'y avait eu personne. Et le type fait euh, bah, regardez sa baisse, hein, puisqu'il il compare, il compare un plus haut de crête à un plus bas de crête. Hein, C'était absolument incroyable. Et ils avaient prévu ça pour tous les pays. Là, ils disent euh, oui, alors, donc ça, ça se passe. Euh, en Angleterre, ça s'est aussi passé. Regardez en France, mais aussi aux États-Unis. Euh, et là, effectivement, il y a Catherine Hill qui est euh, épidémiologue, statistique, euh, statisticienne. Hein, euh, C'est le métier, quoi, de tracer <laughs> en fait ce genre de courbe. Et, et oui, t'as as dit, mais arrêtez, vous, vous faites absolument n'importe quoi. Personne ne fait ça. Euh, et elle explique qu'en fait, il faut pas, il ne faut pas euh, regarder les. Euh, le nombre de morts par jour, mais euh, la moyenne des 7 jours pour éviter en fait, cet effet euh, euh, bah, des pics et des, des et des creux. Quoi. Et tu Jadas, dans un grand moment de... Euh, dans une grande tentative de garder, si tu veux, la, la maîtrise de, euh, de, bah, de, de son angle, quoi, de son émission, on dit, non mais attendez, euh, attendez on n'a pas fini de montrer nos... On a fini de montrer nos, nos graphiques. Euh, c'était à la limite, ils ne disaient pas bah, « Attendez, le, le Brésil, euh, la suite va peut-être vous étonner. » Mais c'était ça, hein, c'était exactement ça. Non, mais vous allez voir le suivant. Le suivant euh, va, va, va nous donner, donner des raisons, vous verrez. Et en fait, à chaque fois, c'était la même chose. Quoi. Mais oui, parce que qu'est-ce qui s'est passé On a demandé aux graphistes de LCI, à l'équipe, je ne sais pas, comment, je sais pas comment, ils sont, comment ils sont organisés, mais on a demandé à l'équipe de graphistes de LCI de produire euh, ces trucs-là. Euh, ça ne peut pas se changer en direct. Les, les, les mecs étaient coincés dans leur angle. En fait, la bêtise qu'ils ont faite, euh, de, de leur point de vue, c'est d'avoir invité un une spécialiste, quoi. Mmh. Qui était là pour leur montrer que, bah, non, en fait, personne ne fait ça. Personne ne... Voilà, c'est ça, ouais. Oui, là, je vous ai mis les images, du coup... Euh... Alors, on voit juste l'image, du coup, de, de cette courbe, où on voit, ben typiquement, ces pics extrêmement réguliers, qui sont, comme tu l'as dit, du... Euh, au week-end euh, où euh, on ne relève pas les chiffres. Et donc on a comparé ben, le lundi où il y a tous les chiffres du week-end qui arrivent avec un vendredi, euh, euh, alors je ne sais, sais pas si c'est exactement ce, ces jours-là de la semaine, il faudra vérifier, on, on nous parle du 28 janvier, du 1er février, mais du coup... On n'a pas du tout utilisé la bonne manière de regarder ces chiffres-là, mais c'est pas grave. On a une experte qui nous dit « vous dites de la merde », on continue, on force, rouleau compresseur, on avance, et on ne se pose pas la question de « peut-être que si une experte nous dit qu'on fait de la merde, il euh, y a peut-être un problème, peut-être qu'on devrait être en train de revoir nos, nos cartes ». Non, 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 pas du tout. Euh, bah, C'était très impressionnant. Il faut bien imaginer, du coup, toi qui as qu 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 fait du journalisme… Euh... Faut bien imaginer les conditions de production d'une émission mmh. comme ça en fait. Ils sont, ils sont coincés. Ils, ils, ils peuvent pas. Qu'est-ce qu'ils font qu -ce qu feraient sinon Genre euh, le, le monsieur en costume là, qu'est-ce qu'il fait Il lâche son papier puis il s'en va. Euh, il peut pas faire ça. C'est absolument impossible. Ouais. <laughs> sinon, il y a mec qui rentre l'antenne et puis euh, et puis tout le monde rentre chez soi. Et Ça aurait été une belle preuve si d'honnêteté de, 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 mon, de montrer à ce moment-là. Euh, euh, voilà, je, 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 je suis trop euh, naïf et et j'ai trop d'espoir dans l'humanité, mais, euh, mais de, de dire à ce moment-là, voilà, bon, bah, on a fait une erreur, justement, c'est intéressant de, de ben, regarder quelle a été notre erreur, et que de laisser la personne expliquer, au lieu de lui couper la parole et de l'empêcher d'exprimer de, que, que ce qu'elle est en train de dire. quoi. Euh, qui était, euh, voilà. Et ça aurait été un grand moment de télé. Ça aurait été un grand moment. Euh, pour le coup, euh, puisque... Euh... Puisque ouais, euh, les mecs disent Attendez, euh, bon, on a peut-être fait un peu n'importe quoi, euh, ok, expliquez-nous euh, Bim, grand moment de télé, grand moment d'éducation populaire peut-être. <laughs> Ça aurait été impressionnant. Et ils se sont excusés, hein, euh, Défector le, le mentionne, je crois. Hein. Ils se sont excusés sur Twitter. Euh, le journaliste d'ailleurs qui est, qui, est, qui est sur l'image, là, il s'est excusé, il fait eh oui, effectivement, on n'aurait pas dû prendre ce truc-là mais euh, regardez, même si on prend la moyenne euh, des 7 jours, euh, en fait, ça change rien à ce qu'on voulait dire avant. Mmh. Mais ce qui s'est passé, c'est que <laughs> il y a des, des, des tweetos un peu taquins qu'on dit oui, alors, euh, par contre, ce qu'elle vous a dit, la dame, euh, Madame Catherine il ce n'est pas une moyenne des 7 jours, c'est une moyenne des 7 jours glissants. Ils avaient... s'excusent, ils, ils entre guillemets, euh, ils, ils, ils se pointent avec un indicateur qui fait un peu plus sérieux, sauf que c'est n'est toujours pas le bon. Et donc c'est parce que c'est compliqué euh, la statistique et euh, en épidémio, dans le contexte actuel, ça doit l'être encore plus. Ça doit l'être encore plus. Mmh. Et, euh, et, et, mais j'irai euh, regarder, euh, moi de mon côté, ce qui se passe sur le réseau Sentinelle, effectivement, parce que s'ils n'ont pas le, les mêmes chiffres, c'est quand même... Je disais que... M'étonnait pas trop, mais, euh, mais c'est à regarder, puisque par contre, si je me souviens bien, c'est quand même eux qu'on écoute tous les ans euh, pour les modélisations des euh, épidémies de gastro et de grippe. Et là, Exactement. personne, là, je veux dire, tout le monde est tout à fait d'accord avec ces gens-là. Ils disent c'est euh, les références. Quoi. Donc mmh. Si c'est les références en grippe, je vois pas pourquoi ce serait différent pour le Covid. Oui. Ouais, alors je ne sais pas, peut-être que, bon, là, c'est une pure spéculation de ma part, mais peut-être qu'ils regardent pas uniquement les, les résultats des tests, mais plutôt de ce qui sort des hôpitaux, parce qu'on sait qu'il y a quand même de nombreux tests qui sont, euh, qui sont pas, euh, enfin, qui sont des faux positifs ou des faux négatifs, donc qui n'ont pas les, les bons résultats. Donc forcément, si on intègre ça dans les chiffres, c'est compliqué. Donc peut-être qu'ils ont plus de prudence par rapport à ces chiffres-là. Je, je ne sais pas du tout, honnêtement. Mais on avait regardé euh, ensemble en live, on avait regardé ça euh, avec, euh, parce que des gens nous avaient envoyé ces liens. Et effectivement. Les chiffres n'étaient pas les mêmes, alors ils étaient quand même inquiétants, les chiffres de Sentinelle, il ne faut pas non plus euh, déconner. Oui, oui, non, bien sûr. Mais euh, tu as, as raison, ce que tu dis, c'est que leur, leur rôle habituellement, c'est de s'occuper des, des épidémies de grippe et de gastro et de, de créer des cartes où ils montrent voilà, comment ça s'est répandu sur le territoire, où est-ce que c'est fort, etc. Donc, euh, et là-dessus, c'est vrai qu'on ne les remet pas en question. On ne remet pas en question leurs chiffres sur, sur la grippe notamment. Mais, il est peut-être même possible eux se basent sur euh, les études des eaux usées ou quelque chose comme ça. Hmm. Euh, dont on a oui. pu entendre euh, récemment que c'était quelque chose de super intéressant pour, euh, pour le suivi euh, du Covid. Euh... Ouais et du coup de... c'est <laughs> clair que ça n'a rien à voir avec le fait de, de regarder des tests euh, les résultats des tests quoi quand on regarde les eaux usées c'est une autre façon de calculer euh, le, la contagion et la, voilà, la contamination. Et là on est on est au cœur, on est au cœur du sujet. Euh selon la manière de calculer ça paraît qu'on dit comme ça mais on n'aura pas le même résultat mmh. sauf que on, on, on est tellement dans un, dans un dans ce que j'appelle j'ai envie d'appeler un, un, un fétiche quoi, un fétichisme du chiffre. Que, euh, on, se rend, on, on se rend plus trop compte que il euh, y a des petites euh, des petites variations dans la façon de calculer, dans la façon de dire les choses. Et, euh, mais comme on comme on va utiliser euh, les mêmes mots pour les commenter, euh, ça, ça, ça invisibilise vachement les, ces, ces différences-là. Effectivement, effectivement, euh, on, on, on a pu parler de euh, pour le Covid de, de taux d'incidence. Sans jamais définir trop ce que c'était, oui. euh, ou de taux de mortalité. Et, 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 et tu, tu, quand tu parlais tout à l'heure du fait de noyer les gens sous les chiffres et au final euh, on n'en retient aucun, euh, tu as l'impression que, euh, que, que, que à multiplier euh, ces types d'indicateurs, comme, comme on appelle ça, euh, dans le cadre de, dans le cadre de la, la la, la pandémie euh, Covid, enfin en tout cas la justification des mesures politiques euh, en temps de Covid, euh, en fait on ne retient plus rien, on ne les écoute pas. Tu as, 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 as une question aux, aux gens qui n'ont rien. Vous, vous, vous avez déjà regardé sans bailler une conférence de presse de Castex en entier, Castex-Sévéran, c'est impossible, il y, a, il, y a, il y a trop de trucs. C'est impossible. On ne retient, retient rien, on ne retient pas grand chose en tout cas. Euh, et euh, et, et Comment dire ça, ça Ça vient légitimer quelque part une défiance qu'on a aussi. C'est l'impression qu'ils sont en train de nous, nous la faire à l'envers. Ça part peut-être d'un bon sentiment, je crois pas trop, de, de transparence totale, etc. Oui. Mais, euh, mais, mais en fait, tu as juste, là, en sortant de là, tu as juste l'impression qu'ils nous l'ont mise à l'envers. Donc, <laughs> c'est. Alors, t'en en as parlé sur ta chaîne justement de, des chiffres de, de Castex. Est-ce qu'on peut, euh, est qu peut en dire un mot puisqu'on parle des ces fameuses conférences, effectivement, qui sont des, des challenges euh, « Essaye de ne pas t'endormir », qui sont très dures, très très dures. Mais euh, il ouais, y a aussi des petites manipes sur les chiffres, sur les graphiques, la manière de présenter les choses. Est-ce que tu peux nous, nous en parler un petit peu euh, Ouais, donc, du coup, sur euh, je me suis intéressé euh, récemment, ça a été le point de départ, en moins un petit peu, de la série de vidéos que je sors en, en ce moment euh, sur YouTube, que j'appelle « Parlons chiffres ». Euh, j'étais devant une conférence de Castex, je luttais pour ne pas roupiller, euh, et là, il se passe quelque chose, ce qui se passe que euh, euh, je vois des graphiques qui sont mais, totalement, mais, totalement pétés, euh, c'est-à-dire il y a des problèmes d'échelle, euh, <laughs> c'est-à-dire que le, le, euh, on, a, on avait euh, tiens, bah, on avait à peu près le même, euh, le même graphique que là, le nombre de nouveaux cas... Euh, par jour. Alors lui, il avait pris le bon indicateur de Catherine Hill. Hein. Il, il, il... Castex nous montrait la, le nombre de morts en moyenne par semaine. Euh... Et, euh, et je me rends compte que l'écart entre 0 et 10 000, entre 10 et 20 000, n'est pas le même. Et parce que euh, ce qui s'est passé, c'est que j'avais vu peu de temps avant la vraie courbe et je me dis, elle est vachement aplatie, la courbe que, que Jeannot il est en train de nous montrer là. Et euh, par la suite. Euh, il s'est trouvé que euh, effectivement, ils avaient, euh, c'est sorti un peu le lendemain un peu partout sur, sur internet, euh, que les mecs avaient juste écrasé, euh, genre physiquement, tu vois, t'sais, t'sais, euh, écrasé euh, l'image pour donner une espèce d'impression de, euh, de, bah de que ça va en fait, c'est pas si pire. C'était grave, mais, mais pas autant que ce que les, les Cassandres pouvaient, <laughs> pouvaient, pouvaient raconter. Et, et donc, on a commencé à, à gratter ça, avec les gens avec qui je bosse pour, pour parler en chiffres. Et, et on a trouvé euh, des trucs... Des... Soit des erreurs. J'ai envie d'être charitable. Le coup de l'échelle, je pense que c'est une erreur. Mais des, 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 des façons de présenter les graphiques. Les mecs n'avaient pas trafiqué les chiffres, si tu veux. C'est juste une manière de présenter les choses qui allait constamment dans le sens de la communication politique du gouvernement. Après, euh, euh, fallait pas s'attendre à autre chose de leur part. Euh, mais euh, mais bon as, voilà ça redouble la sensation de se faire salement prendre pour un imbécile d'autant plus qu'on apprend dans Mediapart, pas plus tard qu'en début de semaine que castex il a pas trafiqué uniquement les graphiques euh, qu'il avait montré euh, à la populace, mais qu'il avait euh, trafiqué les graphiques, qu'il avait également montré euh, en conseil des ministres et aux élus, euh, aux députés de la majorité. C'est un, un article de Mediapart. Euh, non, qui, qui, qui montre en plus euh, comme ils sont comme ils sont balèzes, ils ont récupéré les documents qui, qui, qui montre un graphique effectivement des, euh, de, de l'impact des variants variants anglais euh, notamment sur, sur l'épidémie et euh, donc où ça part en, en exponentielle euh, si le variant anglais devient majoritaire par exemple les nombre de contaminations partent en exponentiel et tu vois sur ce petit graphique euh, que euh, qu Castex en, en fait, a demandé à ses équipes de tracer une courbe en pointillé, qui n'est pas dans la légende, qui est nulle part, et il a présenté ça en disant « Non mais ça c'est l'hypothèse la plus privilégiée de projection du variant anglais, parce qu'on ne pense pas qu'il soit aussi dangereux que ça, et que ça, ça partira pas, euh, le nombre de contaminations ne partiront pas en exponentielle, mais plutôt en ligne droite, comme ça en linéaire, seulement Mediapart ». Euh, on retrouve le médecin qui avait fait les projections à la base, et le mec dit « ça vient pas de moi, en fait. » Ce graphique a été, a été trafiqué, après que je l'ai remis en main propre, en plus, à Castex. Donc, euh, donc euh, voilà, toutes ces, tous ces arrangements avec la réalité, disons, euh, font, font, font mal, moi, me... En tant que citoyen et en tant que professionnel, on va dire des graphiques et de la stat, euh, me font euh, quand même euh, très très mal euh, au fondement, on va dire, mmh. puisque, puisque je, je moi je crois, je crois quand même assez fermement, euh, enfin je crois, c'est pas une croyance, et je sais que la science sociale est intéressante et qu'elle s'appuie quand même euh, vachement sur, euh, sur les statistiques et, euh, et quand on voit des gouniafiers comme ça euh, manipuler euh, des trucs, ben ça, ça ça porte un coup, on va dire à, à, à toute une profession quoi. Et puis puis à, à la notion de vérité peut-être encore plus important. Oui, et surtout dans une période de crise où euh, on l'a vu depuis un an, plus le gouvernement fait ce genre de petites manip, ce genre de mensonges sur les masques, sur les tests, sur euh, bon tout un tas de choses. On l'a vu et revu, on en a parlé des, des milliers de fois. Euh, bah en fait, ça détruit la confiance entre les gens et, le, et les politiques. Donc, euh, c'est grave à tellement à tellement de niveaux euh, que, effectivement, c'est catastrophique. Et on nous cite finkerview dans le chat. Effectivement, euh, je crois que finkerview euh, a fait une émission spéciale où ils sont revenus euh, longuement là-dessus euh, dans une interview. Je vais vous retrouver le lien. Je, je vous mettrai ça en lien. Tu l'as vu Non, je. J'avoue que je l'ai pas vu. J'avoue que je, 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 je ne suis pas euh, trop à Thinkerview. C'est dans une de leurs toutes dernières. Vous me... Je vous mettrai le lien. Oui, c'est long. Hein. Ah surtout celle-là est très longue, elle dure 2 h euh, 40 Bon, ouais. aujourd'hui, on va faire une émission de plus de 3 heures donc euh, on va pas Oui, on va mais pas les non fers, plus, euh... pas pareil que la c'est <laughs> celle de, de Renaud Piarou qui était venu en plus il y, y a moins de deux mois à Thinkerview et qui a répété en partie la même chose. Donc, c'est vrai que moi, ça m'a pas mal. Enfin, euh, c'est pas que ça m'a ennuyé, mais c'est juste que j'avais déjà l'impression d'avoir entendu tout ça dans la première émission. Donc, euh, bon. Mais je vous mets le lien, en tout cas, de l'émission euh, avec Roland Piarou, <laughs> qui, euh, qui, donc, a parlé lui aussi de, de ça, de cette, euh, cette petite arnaque statistique de notre gouvernement. Je vous mets le ouais, lien dans le, ouais. dans le chat. Je vois quelqu'un effectivement dans le chat qui euh, qu'il qu ne croit pas qu'il y ait des erreurs dans les graphiques, mais qu'ils savent que c'est que, en gros, le, le gouvernement connaît l'importance de la diffusion de ces graphiques-là, donc qu'elles sont mmh. très, très calculées au final, ces erreurs. Euh, au, au vu des conneries qu'il y a dans, euh, dans les graphiques, c'est des inversions de date, c'est euh, le, le, juste le, le drapeau français. Euh, qui Est à l'envers, mmh. euh, je, je pense qu'il y a quand même des boulettes et qu'ils ont fait ça dans, euh, dans, 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 dans l'impréparation, ce qui est complètement dingue, hein, euh, puisqu'il s'agit quand même d'un gouvernement d'un pays euh, voilà, euh, et que c'est toutes les semaines. Donc, je veux dire, les mecs, ils ont, ils ont le temps de produire euh, les trucs. Donc, je, 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 <laughs> je ne sous estimerai pas l'amateurisme quand même mmh. euh, des gars. Il euh, y a de la manipulation, ça c'est clair, c'est certain, de toute façon, euh, toute communication politique à ce niveau-là. Euh, je pense, s'appuie euh, forcément là-dessus. Mais, euh, mais, mais, mais il faut pas euh, sous-estimer l'amateurisme hein, euh, de ces gars-là. Mmh. Oui, ça, voilà. <laughs> les... Oui, c'est sûr qu'on les a vus euh, mentir euh, de, à de nombreuses reprises depuis le début de cette crise, et on sait qu'il y a un mélange d'amateurisme, de cynisme, de, de tout ça. Et il y a quelque chose d'intéressant, parce que souvent les, les complotistes, et on en a on en aura sans doute dans le chat si on n'en a pas déjà, euh, disent, euh, ils mentent sur les chiffres, en fait les chiffres sont beaucoup moins élevés et euh, on nous ment, on nous rajoute des morts et des cas euh, en faisant passer des choses qui ne le sont pas pour euh, donner l'impression que la crise est grave alors qu'elle ne l'est pas. En fait j'ai l'impression que c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt qu'ils essayent de faire croire que cette crise est maîtrisée alors qu'en fait pas du tout. Euh, comment toi tu le perçois bah, Exactement pareil, c'est pour ça que, euh, que, que, que j'ai du... du mal à... Comprendre euh, comment euh, ces logiques euh, complotistes, vas-y on va mettre euh, plein de guillemets. Oui, avec des guillemets. Je vois oui, ouais. aller vite Personne et, ouais. et, et, et je sais très bien à quel point euh, ce terme est utilisé par ouais, pour, oui. quand pour disqualifier les, la parole. Mais euh, mais euh, et puis bah, j'ai paumé ce que je voulais dire. <laughs> mais oui, sur, sur du coup le, le fait que certains euh, ont l'impression que le, les, le gouvernement manipule les chiffres, mais dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'il rajoute des morts, il rajoute des malades pour nous donner l'impression que c'est grave et que, et que ça justifie en fait toutes ces mesures euh, terribles de confinement, de, de couvre-feu, etc. Alors, alors que tu as raison, et comme tu le disais, effectivement, nous on les voit tous les jeudis essayer de batailler pour dire que non, ils maîtrisent le truc. Hein. Mmh. Donc c'est... il y a, y, a, y a une. Une distinction assez forte, effectivement, entre euh, la, la défiance qui est assez légitime hein, sur les chiffres euh, qu'on qu nous présente. Il faut, il faut, il faut euh, douter, il faut douter correctement avec quelques outils. Mais, euh, mais euh, je n'arrive pas à, à, à piger, euh, effectivement. Euh, on nous dit non, il n'y a, a, a pas beaucoup de morts, etc. Si tu euh, reprends euh, le nombre de, de, de morts en pourcents, 100 000 morts sur 67 millions de Français, effectivement, tu peux te dire que ce n'est pas énorme. Euh, par exemple, si tu prends le taux d'incidence, euh, qui est un indicateur clé euh, qu on, qu on, dont, que le gouvernement utilise euh, pour justifier, notamment euh, à l'époque où le confinement était territorialisé, il disait au-dessus de 200, crac, euh, on, on, ferme, on ferme le département. Euh, ça voulait dire quoi au-dessus de 200 Ça voulait dire 200 cas pour. 1 million d'habitants. quand tu refais la, la petite euh, la petite division pour ramener euh, en, en pourcent, bah ça fait pas baiser. quoi. Effectivement, donc tu peux te dire euh, assez de manière en toute bonne foi qu'en fait ce bah, c'est pas c'est pas très grave en fait. Sauf que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu euh, un truc euh, qui emportait 100 000, 100 000 personnes comme ça. C'est la même bataille avec, euh, avec la surmortalité. J'ai reçu pas mal de... de um... De mails, euh, de, de gens qui me demandaient si je pouvais regarder les chiffres de, dits de la surmortalité. Il y a eu beaucoup de débats là-dessus, euh, à la fois euh, dans les chercheurs de, de véritude, euh, mais aussi dans les institutions. Hein, L'INSEE euh, s'est beaucoup pris la tête. Ils ont publié un papier euh, euh, en début d'année, c'est fin janvier, je crois, euh, où ils essayent de regarder. Euh, Combien euh, vraiment de, de, de morts en plus par rapport à l'an dernier sont imputables au Covid euh, C'est-à-dire que même les statisticiens professionnels, l'INSEE, alors on, on va se mettre d'accord, eux c'est des vrais pros. Moi je suis euh, euh, <laughs> à l'aise avec ce genre de truc, mais j'ai pas le bagage scientifique de ces gars-là tu vois, à l'INSEE. Et même eux ne sont pas d'accord entre eux, si tu veux, sur le nombre de morts. Euh, Évitable, pas évitable, dû au Covid, etc. Et il euh, y a des gens qui en profitent. J'ai vu un gars, euh, c'est pas pour faire du, du clash, hein, mais j'ai vu un gars sur, sur YouTube, euh, je vais même pas dire le nom, euh, euh, comme ça on évitera. Tu peux, tu ça. peux, hein. si tu as envie, on peut, on peut en parler. Si c'est des gens qui s'affichent sur YouTube et qui parlent publiquement sur YouTube, moi ça pose pas de problème de, de les citer. Et pareil sur le mot complotiste, il y a des gens qui se revendiquent complotistes. Alors moi j'accuserais pas des gens qui ne se revendiquent pas de l'être. Après il faut voir ce qu'ils racontent. Mais il euh, y a des gens qui se revendiquent, des Silvano Trotta, des Jean Jacques Crèvecoeur, qui disent nous sommes complotistes parce qu'on nous qualifie comme ça et nous l'assumons, nous le sommes. Donc euh, ces gens-là, moi j'ai pas de, j'ai aucun remords à les qualifier de complotistes vu qu'ils se ouais, qualifient eux-mêmes. Voilà. Non, d'ailleurs en, en fait j'essaye de de m'astreindre un langage, euh, voilà, pour moi, ceux que j'appelle complotistes, c'est ces gars-là, effectivement, mmh. c'est les trotats. C'est pareil, c'est complètement. Euh, c'est les professeurs joyeux, c'est euh, le délicieux Casas Novas, c'est les gars qui profitent de ça, euh, effectivement. Euh, les autres sont des... Des, des croyants. Gens qui, des, des gens qui les suivent, en fait, c'est des victimes, en fait. Hein. Voilà, hein, Casas euh, il a fait des victimes, quoi. Mmh. Et, <laughs> et voilà, donc c'est ouais, ces gens-là que j'appellerais... Hein j'appellerais complotiste, oui, les tas les, les de deux ponts. Enfin, mmh. Ce serait intéressant de faire un truc sur eux d'ailleurs. Mais bon. On en parle souvent ici. Mais oui, mais oui, oui j'ai entendu deux, trois en live. <laughs> Et du coup, tu, tu voulais citer sans le citer quelqu'un qui, qui, qui utilisait ces chiffres de manière sur la surmortalité qui les utilisait de manière un petit peu... Euh... Ouais, c'est un, un youtubeur qui touche un qui touche un peu sa bille, hein, notamment en, en, en chiffres, en calculs, en Excel en fait, hein, euh, <laughs> en tableur Excel. Effectivement, il, il, il a fait la, la même démarche que moi j'ai pu faire, par exemple, sur, sur les chiffres de la délinquance euh, récemment. Euh, en fait, il va récupérer toutes les données de mortalité. C'est un truc qui est très très simple hein, à récupérer. Vous allez sur data.gouv.fr, et euh, l'INSEE dépose euh, presque... Euh, jour par jour, en fait, le nombre de décès, etc. Et il se livre des trésors de calculs, si tu veux, pour essayer de montrer qu'il n'y a pas de surmortalité euh, due au Covid, ou que c'est peanuts, que c'est négligeable, ou mmh. euh, il, il, il finit en fait, euh, par dire la seule surmortalité vraiment importante qu'on voit, c'est les vieux. C'est genre les plus de 75 ans. Et les boomers. Et ce qui, ce, qui, ce, qui trans, ce qui transpire un peu de son discours, c'est. Et donc, on s'en fout. Mmh. Euh, ce que, ce que je, moi, j'ai trouvé dangereux. Euh, voilà. ah oui. mais, mais il développe des trésors d'ingéniosité. Et, et pour le coup, j'étais un peu euh, euh, bras ballant devant ça. Parce que, euh, parce que, bah ouais, le type, le type fait des calculs. Euh, le type te montre, euh, si, euh, scientifiquement, ses calculs sont justes, en plus. Euh, donc. On ne pouvait pas coincer euh, cette personne euh, sur ses calculs. Ils étaient justes. C'est juste que ces euh, présupposés étaient foireux. Euh, Ils il, il, il découpaient euh, par tranches d'âge alors, les tranches d'âge variaient. Il euh, prenait les les, les, les euh, toutes les personnes de moins de 35 ans, donc de 0 à 35, c'est une énorme tranche d'âge. Puis après, il regardait finement les 60, 65, les 70, 75. Et ce qui est malheureux euh, avec ce, 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 ce genre de truc, mais c'est un, un danger inhérent euh, à toute statistique, c'est que euh, c'est fait par des gens. Ce n'est pas, euh... j'ai envie de dire, c'est pas une science exacte, mais euh, c'est. C'est produit dans un contexte avec des, pré avec des, des présupposés. Euh, j'ai les miens hein, quand, quand, quand je fais des statistiques aussi. Hein. Euh, et euh, et tu, 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 peux, tu peux bidouiller euh, et tu peux en arriver à faire cette phrase dont j'ai horreur, mais euh, faire dire ce que tu veux euh, aux statistiques. Mmh. Voilà. Alors moi, en tant que, en tant que professionnel, j'ai quand même longtemps eu euh, horreur de cette phrase. Euh, puisque quand, quand je produis un indicateur, quand, quand, quand je produis un taux de chômage, par exemple, ce qu'il ce ce qui m'arrive de faire, euh, je sais ce que j'ai mis dedans et il y a une définition. C'est comme une statistique, un indicateur, un taux de chômage, un taux de croissance du PIB, c'est comme une recette de cuisine. Euh, c'est comme un gâteau. Euh, et tu fais rentrer des choses très précises dedans. Il y a une définition, il y a une méthode. Et ça veut dire une chose très précise. Et, et pas 50. Euh, voilà, un taux de chômage, c'est le nombre de gens euh, qui n'ont pas travaillé euh, euh, les 30 derniers jours, plus de X. En fait, c'est vachement plus... Euh, complexe ce que nous on met derrière taux de chômage, mais comme nous on met plein de choses derrière, et ben c'est là qu'on en arrive à pouvoir en fait effectivement faire dire ce qu'on veut, puisqu'on est imprécis dans nos commentaires, tout le monde, moi le premier certainement, on est imprécis mais c'est parce que, en fait c'est ultra chiant de pinailler sur les définitions, c'est relou dans un débat t'es perdant quand tu fais ça Sur le chômage par exemple, moi c'est quelque chose qui m'a frappé pendant longtemps effectivement le fait que les chiffres du chômage ce n'est pas en réalité les chiffres des gens qui n'ont pas de travail, qui sera un chiffre différent en fait. C'est le nombre de gens qui sont inscrits à Pôle emploi, qui sont en recherche de travail, qui sont dans la bonne catégorie. Et donc, ça tout de suite, on, ça met comme un. Un tamis un peu, et il y a plein de gens qui ne vont pas être comptabilisés dans ces chiffres parce qu'ils ont lâché l'affaire, parce qu'ils restent chez eux au lieu d'aller chercher un boulot, mais ils sont au chômage concrètement. C'est des gens qui pourraient être actifs et qui ne le sont pas. Pourtant, on ne va pas les compter. Euh, voilà, ils mais exactement. On va pas les compter parce qu'en fait, on, on regarde le chiffre des demandeurs d'emploi, ce qui n'est pas la même chose. Et donc, est-ce qu'on peut s'arrêter un petit peu sur ce chiffre du chômage et, et parler de ça justement, de comment. Et calculer le chiffre du chômage, et peut-être même quel serait un chiffre qui serait plus proche en incluant en fait tous les gens qui sont sans activité, euh, et pas parce qu'ils le désirent, mais parce que juste ils ne trouvent pas de travail et qu'ils ont peut-être même lâché l'affaire depuis deux ans. Voilà, comment, comment on, on présente les chiffres du chômage en France, et quel serait un chiffre un peu plus proche de ce qu'on entend par euh, personne qui chôme, quoi. C'était un sujet qui était euh, beaucoup monté dans, les, euh, dans le débat public euh, euh, quand Hollande était président, quand c'était Myriam El Comrie. Rappelez-vous de cette délicieuse époque, euh, euh, 2014-2015 2016, 2015-2016, ouais, 2014, ouais. ouais. hum. euh, où il eu, euh, y avait eu grosse polémique euh, puisque les chiffres du chômage, en gros, sont donnés en France par trois organismes. Il y a Pôle emploi qui calcule effectivement les chiffres des demandeurs d'emploi. Et comme tu relevais, c est, c est un demandeur d'emploi, on va dire, c'est un chômeur stricto sensu. En fait, c'est un inscrit à Pôle emploi. Okay. Il y a la DARES, qui est le service statistique pardon, du ministère du Travail, qui s'appuie sur l'INSEE, euh, qui calcule, avec des standards internationaux, euh, un chiffre du chômage. Ces chiffres-là sont toujours euh, différents, si tu veux, de ce que va nous sortir euh, Pôle emploi. Pôle emploi euh, les, les chiffres du chômage, ce qu'on appelle imparfaitement, improprement euh, les, chiffres, les chiffres du chômage euh, qui sortent de Pôle emploi, euh, ce sont, mais c'est un truc euh, assez connu, c'est les inscrits à Pôle emploi, et en général, c'est juste une partie des inscrits à Pôle emploi puisqu'il y a cinq catégories, si je me souviens bien, euh, de demandeurs d'emploi. La catégorie euh, A, qui est les gens qui, pas, qui sont inscrits à Pôle Emploi, qui n'ont pas du tout euh, travaillé, on va dire, le, le mois dernier. Catégorie B et C, c'est des gens en fait, qui bossent. Ce ne sont même pas des chômeurs, en fait. Enfin, ils chôment une partie du temps. Ce des gens qui sont en activité réduite. Mmh. Et on se rend d'ailleurs compte que depuis des années, euh, ce sont... Ces Deux catégories là qui montent, qui n'arrêtent pas de monter, ça crève les plafonds, c'est impressionnant mmh. parce que les gens en fait trouvent euh, bah, une, un, un petit taf euh, qui euh, une mission intérim, qui un CDD qui aujourd'hui jamais, aujourd jamais plus, de, euh, plus de deux mois. Je crois que la moyenne des CDD aujourd'hui c'est un mois, enfin c'est lamentable. Euh, et ensuite, tu as euh, d'autres catégories qui sont les gens qui sont mis en formation. Et ça, Hollande s'en était beaucoup servi pour faire baisser les chiffres du chômage, parce que quand tu rentres en formation, tu, tu sors de ces catégories ABC, qui sont les seules, en réalité, qui sont scrutées, euh, déjà qui sont communiquées par Pôle emploi, en fait, dans leur communiqué, et qui sont scrutées par euh, les médias. Et même, les mais en général, quand on va avoir le chiffre du chômage au JT euh, une fois par mois, on va même donner uniquement la catégorie A, les gens qui n'ont pas du tout travaillé. Et ce qui se passe, c'est que, elle la baisse, ouais, euh, souvent, il n'y a pas de problème. Je lisais un, un, un article d'Alternative Eco euh, qui s'étonnait euh, que le taux de chômage ait baissé euh, début 2020, par exemple, en plein confinement. Parce que en fait, ce qu'ils ont regardé, c'est, ah bah oui, mais Pôle Emploi n'avait communiqué que sur la catégorie A des gens qui n'ont pas du tout travaillé. Alors qu'en fait, les gens, bah, mmh. qu'est-ce qu'ils ont fait Comme ils avaient besoin de bouffer. Eh ben, ils ont fait comme tout le monde. Ils ont pris les petites affaires qui se présentaient et ils sont venus grossir. Ils sont venus sortir de cette catégorie la plus commentée pour les grossir les autres qu'on regarde pas trop. Donc ça c'est Paul Emploi effectivement qui fait ça. C'est ce qu'il faisait dire à Drazit euh, dans le chat concernant le chômage. Il faut noter qu'on sort de ces chiffres ceux qui ont un temps partiel au même niveau que ceux qui travaillent à temps plein. Donc c'est la fameuse catégorie B et effectivement qu'on la compte ou pas, on a un indicateur très très différent. Mais totalement. Voilà, puisqu'il y a des. En fait, la catégorie B, c'est presque un indicateur de précarité, on pourrait dire. Moi, c'est que... exactement comme ça que je l'analyse euh, dans, dans mon boulot. Euh, dans mon boulot, je me retrouve souvent à devoir, euh, à devoir commenter ou produire euh, des chiffres comme ça sur des territoires euh, plus précis, pas au niveau national, tu vois. Et, euh, et j'alerte à chaque fois, euh, à chaque fois. Et euh, à chaque fois, moi, je prends euh, le chômage A, B et C euh, quand je calcule mon taux de chômage. Euh, Pôle emploi le fait aussi, si tu veux, euh, mais c'est euh, rarement repris euh, comme ça, in extenso, euh, on va dire, par, par les, les grands médias qui, qui n'ont finalement que peu de temps à consacrer à ce truc-là. Donc, euh, donc voilà, il faut aller lire. Euh, euh, des revues spécialisées. Euh, donc, euh, oui. euh, Alternative Echo, dont je parlais tout à l'heure, te, te, te sort effectivement un article où ils, ils vont utiliser, eux, la manière qu'a l'INSEE, donc l'Institut national de la statistique et des études économiques, euh, de, euh, de, de calculer ce taux de chômage où ils se, ils se basent sur une définition internationale, mais qui est. Qui est, mais qui est euh... Qui, 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 qui a fait une page la définition c'est super impressionnant et donc qui est la norme du BIT le Bureau International du Travail et les chiffres sont différents et l'Insee fait encore mieux que ça et pour le coup ça c'est un indicateur que moi je trouve très très pertinent il calcule le chômage donc les gens qui ne pas du tout du tout et ça à l'échelle internationale et au sens de l'Insee c'est ça le chômage c'est gens qui n'ont pas du tout bossé et qui peuvent bosser ça, ça enlève par exemple les personnes qui sont temporairement ou chroniquement euh, invalides, mmh. par exemple, et qui ne peuvent pas bosser dans les conditions euh, actuelles. Euh, ça enlève les gens effectivement qui sont en formation, ça enlève tous ces gens-là. Et l'INSEE va calculer ce qu'on appelle derrière ça le, le, le halo autour du chômage. Et ça, c'est super intéressant! Euh, le halo autour du chômage, c'est OK. Tu prends les gens qui bossent pas du tout. Tu prends les gens qui sont en temps partiel, voire très partiel. Contraints, ils aimeraient bien bosser plus, mais comme il existe une saleté qui s'appelle le marché du travail, euh, ils peuvent pas. Et encore autour de ça, tu as une grande variété de situations personnelles. Euh, les gens qui sont à, à l'ASS, ça, ça, ça existe plus, ça je crois. Euh, les gens que, ce qu'on appelait les chômeurs en fin de droit mmh. aujourd'hui ils sont au RSA oui. des coûts de pôle emploi c'est pas des chômeurs c'est des coûts de pôle emploi ils et pourtant quand tu demandes le RSA on te dit il faut être inscrit à pôle emploi pour toucher le RSA mais en fait oui, parfois c'est oui, pas forcément le cas enfin, c'est oui. pas toujours le cas mmh. euh, ils sont dans des ils, ils vont être mis dans des catégories moins visibles euh, parce que il peut aussi y avoir d'autres problématiques, hein, problématiques d'insertion, etc. Tiens, les gens en insertion qui sont... Euh, les entreprises d'insertion, les chantiers d'insertion qui, euh, qui ont d'autres problématiques euh, que de trouver euh, uniquement euh, du job, quoi, euh, vont, vont, vont pas être comptés dedans non plus, alors que pff, voilà, la, leur situation n'est pas... Mmh. Est... Et pas enviable. On, On peut penser aux personnes en auto-entreprise -auto aussi. Hein. Si tu es auto-entrepreneur, auto-entrepreneuse, que tu ne travailles pas du mois, que tu n'as pas trouvé de, de boulot, bah, tu vas quand même pas être considéré comme quelqu'un au chômage, parce ben que non. tu as une auto-entreprise, même si, euh, en l'occurrence, tu n'as pas travaillé concrètement. Mmh. Ah, c'est ça, ouais. tu es, es considéré comme un actif, mmh. un, un actif occupé en plus. Oui. Euh, mais c'est complètement fou. Mmh. Juste pour finir sur, sur les derniers chiffres, l'INSEE mmh. prend ça en compte donc fabrique son halo autour euh, du chômage et en fait c'est là qu'on se rend compte qu'en fait 20% des gens 20% des actifs en france je crois même que c'est 21 enfin bon 1 sur 5 quoi et euh, en fait dans une situation euh, bah, soit de chômage euh, soit de d'emplois euh, partiels très contraints, euh, soit de, 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 de plus ou moins grande euh, précarité vis-à-vis -vis de ça. Et, et, et c'est pas les, tu vois, la, la, la différence qu'il peut y avoir entre les, on doit être à 9% de chômage là, je crois, officiellement, euh, et c'est 20% de gens qui sont euh, en galère, quoi. Mmh. 20%, on peut l'appeler le taux de galérien. <laughs> oui, <sûr>. ah oui. <laughs> Allez là-dessus. Et c est, c est, ça change un peu tout. Euh, ce n'est pas tout à fait les mêmes proportions, ce n'est pas tout à fait les mêmes réponses politiques que tu mets derrière. Mmh, complètement. Euh, ouais. Et c'est ironique parce que tu, dis, tu disais tout à l'heure, dans les médias, on ne prend pas le temps d'expliquer de, ça en détail. Pourtant, ça ne les empêche pas de parler des chiffres du chômage dès qu'ils tombent, de les commenter en tous les sens. Donc on en parle énormément, mais on n'en parle pas bien en fait. On n'explique jamais qu'est-ce qu'il y a derrière, euh, qu'est-ce qu'il faudrait comptabiliser. Enfin, ce que tu viens de faire, d'expliquer que dans les chiffres du chômage, ben, en fait, il y a 20-30% des gens qui galèrent en France aujourd'hui, qui sont précarisés. Et il y a une réforme du chômage. Je pense qu'on en parlera lundi, je ferai une émission lundi. Si tu as des choses à dire dessus, n'hésite pas, mais je sais que c'est un sujet assez complexe, donc il faut quand même bien se pencher dessus. Mais la réforme du chômage qui arrive là... Ne prend même pas en compte cette précarité, cette précarisation. Il y a des, des calculs qui sont juste effrayants. Euh, des gens qui vont travailler 16 jours, du coup, on va leur piquer 14 jours de. Enfin, c'est du délire. T'as as étudié un petit peu le, la question J'ai commencé parce que je vais, je vais consacrer une vidéo dessus. Très bien, excellent. Euh, Là-dessus, parce que c'est scandaleux ce qui se passe. Parlons-en, parlons-en. Avec cette réforme du chômage. Euh, si j'ai un conseil à, à donner à des gens qui nous écoutent et qui aujourd'hui sont sur du petit contrat euh, et qui, qui, qui vivent comme ça euh, ça doit représenter quand même pas mal euh, de pourcentage de la population en fait hein. on, on est je disais, 20% euh, en comptant les chômeurs tu vois. Euh, avec la nouvelle méthode de calcul là, qui sont en train de, de nous pondre alors qu'ils ont soi-disant adouci par rapport à ce que Muriel Pénicaud avait voulu faire. Vous vous souvenez euh, Il prenait en compte à la fois les périodes travaillées et les périodes non travaillées. Il faisait une moyenne et du coup, ça coupait en deux. En gros, hein, je caricature, c'était peut-être un peu moins que ça, mais ça coupait en deux les allocs des gens. Et il disait Ça aidera les gens à se remettre au travail, puisque c'est bien connu que c'est de la faute des chômeurs euh, euh, s'il y a du chômage. Hein. Euh, bien sûr. Le conseil que j'ai, c'est aux gens qui vivotent en ce moment comme ça, de petits contrats en petite période de chômage en petits contrats, mais c'est ne reprenez pas un travail, en fait. Puisqu'avec cette nouvelle méthode de calcul, vous allez trouver un petit contrat, c'est cool. Après, euh, tu peux avoir envie de bosser euh, pour plein d'autres raisons. Hein. De rien que pour socialiser un petit peu, euh, ce genre de trucs, surtout actuellement, tu vois euh, tu vas prendre un contrat, de, un, un contrat de deux mois. Tu vas te galérer trois mois sans, sans chaume du et tu vas retrouver euh, un boulot pour un mois. Donc tu as, as, as six mois, tu n'as que trois mois de taf. Bah oui, mais non, monsieur, c'est sur six mois qu'on veut vous calculer vos trucs. Donc ça va couper en deux. Donc en fait, tout à l'heure, je disais que je comprenais pas euh, comment les complotistes pouvaient... Euh... <laughs> Euh, Lier euh, leur discours avec euh, ce qu'ils voyaient concrètement. Et là, je ne pige pas du tout ce qu'a fait le gouvernement, puisque le dispositif qu'ils ont mis en place, concrètement, en fait, désincite. Si t'es logique, si t'es un acteur économique rationnel, comme eux, tu vois, nous sommes des acteurs économiques rationnels, on vit dans un monde capitaliste, offre et demande, marché, mmh. tout ça, et ben, en fait, il vaut mieux, là, pour jouir. De tes droits, c'est des droits quand même, assurance chômage pour jouer de tes droits de manière complète. En, ben en fait, il, il vaut mieux pas taffer. Il, euh, juste à la période de césure, je, je veux dire, à la période de, de césure qui de, de, de bascule euh, plutôt, à la période de bascule entre les deux systèmes. Ben en fait, il, il faudra pas reprendre euh, du taf. Il faudra euh, aller euh, faire, c'est euh, user ses droits jusqu'au bout. Et, et, et quand tu expliques ça, euh, parce qu'il y a plein de gens qui l'ont fait, hein, genre, tous les syndicats euh, sont contre, et puis euh, à la cégep, il euh, y a des gens, c'est leur métier de regarder ça, ils ont des économistes, tu vois. Les, les, les mecs sont allés montrer ce truc à Pénico et, et à Elisabeth Borne maintenant, et les autres, ils comprennent pas. Alors que c est, c est, là, pour le coup, c'est du calcul. Euh, cest c'est bête et méchant, quoi, c'est mathématique. Non, regardez, en fait, vous, vous, vous allez faire l'inverse de... Donc c'est très fort, mais totalement idéologique, euh, avec des comptes d'apothicaires euh, qui sortent non sait pas où. Euh, c'est euh, voilà. Je disais euh, qu'ils qu veulent prendre euh, la somme des, des mois euh, que tu as travaillé et que tu, tu n'as pas travaillé. Alors là, ils ont trouvé une solution euh, médiane, comme ils disent. Ils prennent 57%. Des euh, périodes non travaillées, tu sais pas d'où ça sort, tu sais pas pourquoi ils font ça. parce qu'ils veulent pas lâcher leur idée. Ils veulent pas lâcher leur idéologie de non, c'est la faute des chômeurs s'il y a du chômage. C est, c est, c est, c est, cette réforme n'a aucun sens. C'est incroyable. C'est pour ça qu'il faut, faut, faut vraiment lutter contre. Quoi. Parce que même, même sur non, leur objectif, me aller plus loin dessus. Oui, ben, écoute, on, on, on j'espère qu'on pourra te reparler, parce que moi je compte en parler lundi, donc même si tu veux repasser lundi pour nous en parler, ou si quand tu sors ta vidéo, tu veux qu'on fasse un petit, un petit truc ensemble pour parler de ta vidéo, avec grand plaisir. Ouais, parce je que je, je, je sais pas si j'aurai le temps de, de, de poncer le sujet d'ici là. Mais... On verra, non, peut pense, pas, pas, oui, pas d'ici euh... lundi, pas d'ici lundi, mais je, moi j'en parlerai lundi, tu feras ta vidéo, on en reparlera. Je pense qu'il faut, euh, il va falloir m'attraquer un petit peu sur ce sujet parce que, parce que malheureusement on en parle très peu. Et comme tu l'expliques, c'est ça qui est hallucinant c'est que c'est les gens qui nous disent ça coûte un pognon de dingue, les gens sont désincités à travailler, donc il faut faire une réforme du chômage. Et il en faut une qui désincite encore plus les gens à travailler et qui les pousse à faire des calculs d'apothicaire pour pouvoir euh, maintenir un niveau de vie euh, relativement correct et encore. Et donc euh, en fait, c'est l'inverse de ce que ça. Même le but affiché du gouvernement qui est, bon, on est dans un monde, euh, ça, limite, on peut le comprendre, même si je ne suis pas d'accord, moi, je serais pour abolir le marché du travail, enfin, je pense que là-dessus, on sera, on sera d'accord. Mais imaginons, même, même on se met d'un point de vue macroniste, on se met d'un point de vue libéral, on a conscience qu'il y a de plus en plus de précarité dans la société, on va faire un truc. Une, un système de chômage qui s'y adapte, qui prend en compte les trous dans, les, dans le travail des, des gens, dans les périodes travaillées. Et donc, on va, on va faire quelque chose qui va avantager, finalement, même les entreprises, à précariser un peu plus. C'est ça, leur, leur ligne. Mais en fait, on se rend compte que non. Le but, c'est juste que ça coûte le moins cher possible. Et les gens, si ça les met dans la merde, eh ben tant pis. Ça les met dans la merde. On s'en bat les couilles, en fait, du point de vue du gouvernement. Le but, c'est qu'à la fin, ça nous coûte moins cher. C'est le seul but affiché. Et c'est, enfin, concrètement, hein, c'est le seul truc que ça va. Créer cette réforme, c'est que ça va économiser, je ne sais plus combien de dizaines de milliards d'euros de, euh, dans, dans les, les caisses du chômage. Mais par contre, les gens vont avoir des conditions de vie encore plus précaires, encore plus difficiles, et ne vont pas être incités à travailler au maximum. Bravo. Ben non. Parce que si, euh, voilà, effectivement, si tu as un acteur économique rationnel, bah euh, ben en fait, il faut pas. Oui. Et dans leur vision du monde, on l'est tous, hein, donc euh, donc ça ça en dit long quand même. Hein. C'est que vraiment consciemment, ils veulent juste nous nous mettre dans la merde, quoi. C'est pour ça que tout à l'heure je disais qu'il fallait pas sous-estimer leur amateurisme et, euh, et leur, euh, leur, leur fanatisme quasiment en fait j'aurais dû dire mais euh, si, ils, si, ces gens ne sont pas rationnels. Oui. <laughs> enfin, c même, selon leur, que... même selon leur propre idéologie ça n'a aucun sens en fait c'est ça qui est, qui est terrible quoi. Oui. Même si tu les prends au sérieux par rapport à leur idéologie c'est absurde en fait. Ouais. Ouais. Ah ouais. Bah, du, du, du coup ça vient euh... Ça vient en renforcer un petit peu l'idée que je me faisais en lisant mon article sur le halo autour du chômage. Quand Alternative Eco t'explique qu'ils ont refait un petit peu les comptes et qu'ils disent oui, il y a une baisse du chômage, mais en fait, les gens se sont mis à trouver des tout petits contrats et à faire de l'auto-entrepreneuriat, en fait, ça va pousser également à ça, cette réforme du chômage. C'est-à-dire que si tu taffes, euh, si tu arrives à trouver que des petits contrats, comme, comme plein, plein de gens, entrecoupés de périodes de chômage, parce que c'est ça, euh, ça la réalité <laughs> dans notre marché du travail, euh, euh, bah, les gens, autant qu'ils fassent euh, Uber, tu vois, mmh. et euh, comme ils sont en ce moment quand même euh, vachement incités à faire ça, euh, y compris par des structures euh, d'État, il hein, euh, y a plein d'articles, plein de trucs qui sortent en ce moment sur. Euh, sur euh, des chargés de cours à l'université, euh, des choses comme ça qui euh, okay, à qui on demande d'être auto-entrepreneur moi j'ai bossé avec des gens dans ma branche euh, à qui on avait demandé d'être auto-entrepreneur pour reprendre le taf d'un agent de la fonction publique qu'il faisait auparavant cette personne était partie, ils ont dit non, on remplace pas et on va prendre une boîte au moins ils ont pris <laughs> Euh, ils ont pris d'ailleurs euh, une personne qui était en CDD chez eux avant, qui aurait pu être embauchée, et ils lui ont dit non, mais tu sais quoi, monte une boîte. Mmh. Et elle était payée tous les six mois. Et c'est ça le, le bonheur euh, que va <laughs> nous proposer euh, euh, Macron et ses sbires. Quoi. Donc, euh, donc oui, cette réforme du chômage, il va falloir euh, s'y attaquer sérieusement. Euh, et euh, j'espère trouver euh, deux, trois petits, deux, trois petits chiffres. Euh, pour essayer de, me, de, de contribuer <laughs> à la lutte, on va dire. Après, Parce que là, le... ça, ça va se sortir, là. J'ai prévu de faire ça, ça sortira. Dans... Le, le Covid a un peu retardé cette réforme. Ils l'ont ils un peu mis entre parenthèses pendant... Enfin, voilà, à partir du Covid, ça devenait compliqué de, de réformer le chômage au moment où plus personne n'avait de boulot, quoi, pour, pour le dire simplement. Euh, par contre, là, dès, dès les deux prochains mois, ça va commencer à se mettre en place. Et voilà, ils ont vite euh, profité un peu qu'on parle d'autre chose pour, euh, pour refaire passer ça. Euh... Euh, rapidement et donc euh, va falloir suivre ça dans les mois à venir et ça pourrait être l'objet d'une révolte sociale quand même assez importante parce que encore une fois même d'un point de vue euh, ultra libéral de, de précarisation de la société euh, en fait ça, ça, va, ça va mettre des gens encore plus dans la merde qu'ils ne le sont actuellement alors que c'est voilà même d'un point de vue macroniste de on détruit le CDI euh, ça aurait plus de sens de ben, de faire en sorte que ce soit viable au moins euh, à voilà à court terme et à moyen terme puisqu'en plus il y a cette division euh, en mois qui en fait n'a aucun sens parce que si tu travailles 8 jours dans un mois et 21 jours dans l'autre tu vas avoir des résultats totalement différents alors que en soi euh, tu as juste travaillé euh, tu vois, 30 jours sur 40 tu vois c'est juste qu'il y avait le mois qui s'arrêtait au milieu ça n'a absolument aucun sens mais euh, ce type de calcul on le voit bien alors même que voilà oui alors même que tes allocs sont calculés par jour oui en plus, je veux oui, dire oui. Que donc c'est pas qu'ils peuvent pas le faire, si tu veux. C'était oui, oui, ils... comme ça. Donc, ils... Oui. ils veulent pas trouver un, un, un système plus, plus pertinent, c'est hallucinant. Et je dirais même d'autant plus, il faudra, il faudra être vigilant. Parce qu'ils ont été obligés d'abandonner plus ou moins leur réforme des retraites. Mm. Donc celle-là, ils la laisseront pas passer, parce qu'il faut qu'ils faut, faut qu donnent des gages quoi. Donc celle-là, ils vont être vénères pour la faire passer. Mm. Et, et sur la réforme des retraites aussi, y euh, voilà, pareil hein, beaucoup de choses qui sont justifiées par des chiffres. Euh, on, on, on nous sort euh, voilà, qu'il euh, va falloir augmenter l'âge parce qu'il y a trop de gens qui sont, euh, qui sont maintenant retraités, qu'il n'y a pas assez de euh, y a pas assez de, de jeunes qui travaillent pour pouvoir euh, euh, ben comment on dit... Euh, voilà, il y a pas il y a pas l'équivalent en fait suffisant quoi est-ce que c'est vrai ça toi-ce que tu as étudié un petit peu cette question des chiffres euh, et de des chiffres notamment de la réforme des retraites et cette idée donc on serait plus assez nombreux pour, euh, pour payer la retraite des anciens et qu'il va falloir travailler plus longtemps que c'est de la pure logique hein, on nous dit bah, c'est leur logique ouais. mmh. euh, oui en fait si tu veux préserver euh, le, le la façon dont fonctionne euh, le système de retraite aujourd'hui les, les caisses si tu veux préserver ça euh, tout en continuant à baisser les cotisations sociales, ben bah oui, en fait, tu t'as pas le choix. Mm. Euh, mais tu vois, il y a des prémices, en fait, à ce calcul. Euh, donc, euh, ils, ils se justifient par des chiffres, hein, ils font des calculs, des projections, des trucs, des trucs ultra compliqués. Mais euh, ces calculs sont, sont basés sur des hypothèses de départ. C'est comme dans tout, en fait, hein, as des mm. hypothèses de travail, et puis tu, tu déroules à partir de ça. Eux, mm. leur hypothèse, c'est que de toute façon, ils veulent baisser les cotisations sociales. Et qui veulent euh, plus ou moins garder le système, euh, on va dire, en l'état. Mais euh, je vais faire mon frio, mais euh, il faut augmenter les cotises. Euh, et là, tu là t'en tu sors, en fait. Ouais, oui, oui c'est ben, vrai. Voilà. Mais les cotisations, c'est du salaire. Oui. Mais pour eux, c'est des, des coûts. Ça coûte. Hein, les cotisations, c'est des charges. Ça coûte. Et D'ailleurs, ça, ça me fait penser à un, à un bouquin, que enfin, un article que j'avais lu dans Sociologue, qui, qui, qui analysait euh, les, les différents sondages d'opinion qui avaient été faits sur euh, les réformes des retraites, depuis euh, celle qui avait essayé de faire Fillon en putain, 2003, truc comme ça, ouais, euh, jusqu'à celle, celle d'aujourd'hui où il montrait comment dans, dans les sondages d'opinion euh, quand on demandait aux gens, selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce qui serait pertinent pour sauver le système de retraite, hein, on, leur posait, on, on leur posait plusieurs euh, propositions. Euh, et tu avais donc euh, augmenté euh, euh, l'âge de départ, euh, baissé les pensions, euh, augmenter les cotisations sociales. Et au fur et à mesure, hein, cette, cette option de réponse augmenter les cotisations sociales a été enlevée euh, des réponses possibles. Pour ne plus laisser que les deux options euh, qu'on te mettait sur la table euh, tous les jours, euh, que ce soit de la part des, des, des politiques, puis bah, des médias qui, 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 qui vont reprendre, si tu veux, les propositions euh, des politiques quoi, pour les exposer. Et on a, on a enlevé ça. Donc c'est euh, tout un système. Quoi. Euh, tu, tu, tu pars avec tes hypothèses de travail, euh, euh, tu ne veux pas entendre parler. Euh... De hausse des cotises ok donc tu fais ton truc et puis tu expliques à tout le monde que c'est une catastrophe et qu'on va droit dans le mur et puis mmh. surtout tu mets en place le système de pensée euh, bah, qui, qui va faire que les gens bah oui ils, ils vont te croire c'est normal en fait si tu leur exposes que ça mmh. donc là les, les, là les chiffres les chiffres ont, ont bon dos euh, si tu veux là-dessus parce qu'encore une fois tu peux effectivement tu peux effectivement euh, faire dire à peu près ce que tu veux quoi si tu es prêt à tordre la réalité si es prêt à pas poser sur la table l'intégralité euh, des paramètres et des options bah, oui tu, tu pourras leur faire dire ce que tu veux et est -ce cool. le problème c'est que le problème c'est qu'un chiffre ça a, euh, ça a une, ça a vachement de valeur tu vois, euh, normalement tu vois ça fait scientifique ça fait ça fait objectif hein, et donc bah, nous on est fondé à y croire en fait c'est c'est mmh. humain quoi je veux dire Ouais, c'est ce qu'on disait de, au début, mais c'est vrai qu'un chiffre, ça, tout de suite, ça, ça, ça nous implique presque dans, dans le truc. Tu vois, quand, quand le chiffre est important, ben, bah, on se sent. ça pète. Euh, voilà, ça, pète ça, ça, ça a un effet. Ça a un effet très, très fort. Et euh... ça résume. Tu vois, ça résume plein de choses. Mm -hmm. Oui, c'est ça. Du coup, tu te dis, ah, c'est, simple, c'est évident. Oui. Tu vois, on entend souvent ça. Mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est ça. Les chiffres parlent jamais d'eux-mêmes. Les chiffres ne dans mentent vrai. pas. Oui, non, bah non, ils, ils, ils parlent pas, donc ouais. ils peuvent pas mentir. <laughs> c'est toujours, toujours nous qui les faisons parler, c'est toujours nous qui les faisons mentir, le cas échéant. Et justement, une des techniques qui me semble, que j'ai observées pendant des années et qui me semble assez manipulatoire et qui est très utilisée, tu l'as évoqué là pour les retraites, c'est les projections. Quand on fait des projections et qu'on commence à dire, voilà, l'année prochaine, on aura X de croissance, donc on pourra faire si on pourra faire ça, on pourra faire ça. Sauf que si ton premier postulat est faux. Si tu fais pas 2% mais que t'en fais que 0,5 eh ben tout ce que tu as déduit de ça va être faux. tout ce que tu as fait passer sous cette prédiction euh, ben en fait sera aussi à biffer et rayé et sauf que pendant ce temps ben les, les politiques qui ont utilisé cette projection, ils ont gagné un an puisque pendant un an on s'est dit bon, ben C'est bon, il y aura 2% de croissance, donc on pourra financer ça ou on pourra baisser les impôts à telle, à telle échelle, etc. Et en fait, un an après, l'INSEE nous dit ⁇ Ah ben non, ben en fait, il n'y a pas eu 2% de croissance, il n'y a eu que euh, moins 0,3 ou moins 0,5 ⁇ Donc en fait, tout ce qu'on avait estimé eh ben, est complètement faux. Donc euh, de, cette, de cette utilisation des prédictions dans un but euh, manipulatoire et de justifier des politiques, toi, qu est-ce que tu as des exemples Qu'est-ce que tu en penses de ça bah, c est, c est, si tu veux, en, en plus c'est symptomatique parce que c'est toujours comme ça. Effectivement, l'exemple le... Le, plus, le, plus, le plus énorme, c'est le budget. Le budget de l'État. Et Comme tu dis, il est calculé sur des hypothèses de croissance qui sont toujours folles. Toujours fausses. C'est impressionnant. Euh, euh, c'est Bercy hein, euh, qui, euh, qui met des mecs à lui. Euh, ils, ont, ils ont tout un service qui s'occupe d'analyse économique et de projection. Je sais plus comment il s'appelle, mais. Euh, c'est une bande de gens très sûrement très très bardés de diplômes, hein, euh, mais qui sont là pour en dire effectivement nous on tape sur 2% de croissance. Je, je veux dire, même toi enfin n'importe qui euh, voit que ça c'est n'importe quoi, c'est pas tenable. Et l'INSEE à chaque fois, comme tu dis, il dit, bah, oui, mais sauf que en fait on était à 0,9, on était à 1. Donc vous avez un trou. Voilà, un trou dans le budget. Ça, ça c'est le, le truc le plus euh, le plus... Euh, le... Évident celui qu'on qu voit à peu près tous les ans. Il y a, euh, moi, j'ai pas mal. Enfin, euh, j'ai pas mal. Euh, j'ai un peu bossé récemment avec, euh, bah, avec l'INSEE d'ailleurs sur des projections démographiques. Ça, c'est super. Hein, c'est un outil qui est très très utilisé, les projections démographiques. Euh, quand tu es maire d'une commune, par exemple, tu es responsable des écoles primaires. Et donc, pour savoir si tu vas devoir construire une école, fermer une école, ça peut arriver agrandir une école, tu as besoin de savoir si tu vas avoir des enfants sur ta commune. Et donc là, euh, ils vont se servir de ce qu'on appelle des projections démographiques. Alors ça, c'est super stéréo, c'est vachement, euh, vachement scientifique, c'est posé. Il y a toujours des hypothèses de travail devant. En... En substance, en général, on, on prend trois hypothèses pour faire des projections. Tu ne prends jamais une seule hypothèse pour faire une projection. Par exemple, l'arnaque, par exemple, du gouvernement, quand il vote un budget et qu'il dit qu'il y aura 2% de croissance, c'est pas comme ça que les, que les professionnels font. Ils disent on va prendre une hypothèse haute, une hypothèse basse, et puis une hypothèse médiane, et on va se baser sur l'hypothèse du milieu à peu près, quoi. Parce qu'on se doute que la vérité est entre euh, la fourchette haute et la fourchette basse. Euh, et donc tu peux, euh, j'allais dire, assez facilement. Non, c'est une tannée pour de vrai, mais euh, c'est assez usuel, si tu veux, de, de, de pouvoir prévoir combien tu vas avoir d'habitants hein, sur une commune, dans un pays, dans le monde, euh, avec, euh, avec des, des calculs statistiques. Euh, c'est basé sur euh, euh, le taux de natalité, euh, la, la mortalité et les migrations, euh, le, les, qui peuvent être internationales ou locales, hein, des gens qui, changent, qui déménagent d'une commune à une autre. Qu'en appliquant ça, tu peux trouver, euh, tu peux effectivement tomber à peu près juste euh, sur ce genre de truc. Mais en dehors, si tu veux, des projections de population qu'on fait depuis euh, 150 ans euh, maintenant, à peu près, 120 ans, allez, euh, et qui ont un cadre théorique super bien ficelé, toutes les autres, pour moi, et j'ai fait un peu de prospective. Euh, dans ma carrière, dans ma courte carrière, toutes euh, les autres, ça, ça, c'est un peu de la prophétie autoréalisatrice, quoi. Euh, une projection. Euh, euh, je parlais tout à l'heure des, euh, des graphiques de Castex qu'il qui a montré récemment euh, en Conseil des ministres qui était euh, basé sur des projections de mort du Covid en fonction euh, du fait que ce soit le variant anglais qui était majoritaire ou pas. Euh, le médecin qui les avait faites ces projections, euh, il y avait une phrase que j'ai trouvée vachement intéressante. Il dit de toute façon une projection est toujours fausse parce qu'en fait ça dépend du moment où tu la regardes. Mmh. Euh, si tu veux c'est une indication. Euh, on pense que ça pourrait faire ci ou ça pourrait euh, faire ça, ça pourrait monter, ça pourrait rester. Ça. Et, et, et donc ils vont te donner des, 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 des indices, si tu veux, disent on pense que, machin, mais euh, il ne faut, faut surtout pas tomber dans le panneau euh, de, 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 de l'extrême objectivité ou de la super scientificité euh, d'un de de, chiffre. Hein, bah, 2% bah, de croissance, bah, bah, du coup c'est ça. Non, mm. ce n'est pas ça. C'est si les conditions restent les mêmes, ce qui n'est jamais le cas. Euh, puisque, puisque ça s'appelle la vie, en fait, mm. euh, tout bouge, quoi. Euh, on, on serait là-dessus. Si on ne change absolument rien, euh, ce serait là-dessus. Oui. Euh, et, et souvent, les projections, c'est comme ça, en fait. C'est dans une hypothèse d'univers euh, complètement fixe, si tu veux. Donc, mm. je... Par exemple, les projections de croissance pour 2020 ont été fausses dans tous les pays. C'est-à-dire, au 1er janvier 2020, toutes les projections de, de chaque pays, de chaque expert, de, chaque, de tout ce qu'on veut, était fausse. Voilà. C'était juste impossible de savoir ce qui allait se passer en 2020. Ouais. Et en l'occurrence, c'était... Enfin, je prends cet exemple-là parce que c'est l'année où vraiment les, les taux de croissance sont effondrés absolument. Même par chance, en fait, personne n'aurait pu prévoir qu'il y aurait euh, moins 10% à l'échelle mondiale. C'est normal. Comment se construit une projection En fait, tu, tu tires les tendances du passé. Tu n'inventes rien quand tu fais une projection. Mmh. Tu regardes ce qui s'est passé dans le passé, tu essaies de trouver des régularités, euh, des logiques. Euh, et, tu, et, tu, et tu, tu, tu prolonges le trait en fait. Mais c'est souvent, euh, quand, si le gouvernement euh, ne sort qu'une seule hypothèse et dit l'hypothèse de croissance s'étend, en fait c'est qu'il a tiré euh, la tendance précédente avec cette hypothèse sous-jacente mais qui est, jamais, euh, qui est jamais dite en tant que telle, qui n'est jamais prononcée, qui est si les choses restent telles qu'elles sont. C'est pour ça que euh, les gars de l'INSEE, quand ils font de la, de la démographie, c'est pas comme ça qu'ils font. Ou les gars de l'ONU, par exemple, depuis qu'on est gamin, euh, on a l'habitude d'entendre oui, dans euh, 50 ans, nous serons oui. 10 milliards, ce genre de trucs. Bah, oui. En fait, c'est comme ça qu'ils font. Euh, ils, ils tirent les tendances du passé, sauf qu'ils disent Ah oui, mais attends, ça peut changer. Euh, mettons, euh, mettons, euh, tiens, sur les projections démographiques mondiales, mettons si on amène euh, la contraception et l'éducation des filles dans le monde entier... Ben, la natalité va baisser, parce que c'est ce qui se passe quand tu apportes la contraception et l'éducation à des filles euh, partout. Voilà, c'est comme mécanique. La natalité diminue, parce que les femmes sont occupées à autre chose qu'à faire des enfants. Mais si il euh, y a d'autres évolutions techniques ou sociales, euh, eh ben, ça peut faire le truc inverse. c'est pour ça que euh, l'ONU, par exemple, eux, ils font même pas trois, ils font quatre ou cinq scénarios différents. Mais ils te donnent dès le départ des hypothèses de travail qui sont posés. Ils disent voilà si les choses changent ça peut faire ça mmh. mais ça, ça restera ça restera c'est jamais exact c'est des, des tendances voilà, mais c'est vrai que c'est vrai qu'on a tendance à tellement moi ouais, à ce ces chiffres là qu'on se dit bah, ça mmh. va se passer comme ça bah, oui oui si rien ne change un peu comme pour les sondages il y a un peu ça aussi euh, avec les sondages tu en parles dans ta dans ta conférence euh, mais le le, le fait est que quand on nous présente un sondage, effectivement, il y a ce côté un peu, la sanction tombe, Marine Le Pen est à 23%, euh, ah ou ouais. pour prendre l'exemple avant 2017, quand on nous disait, ce sera un duel Sarkozy-Hollande, là le rematch de 2012, évidemment, sauf qu'il n'y avait ni Sarkozy ni Hollande au final, mais ça n'a pas empêché pendant des mois de nous dire, ce sera un duel Sarkozy-Hollande, parce que regardez les chiffres, etc. En fait, les, les sondages, ils ne reflétaient que la réalité au moment où ils ont été produits, et encore... La réalité, euh, j'entends euh, la réalité des 1046 personnes qu'on a appelées au téléphone pour leur demander. Euh, voilà, ça reflète pas <laughs> vraiment plus que ça au final. Mais, mais tu vois, on va s'en servir pour faire des projections de long en moyen terme, euh, alors qu'en fait, bah, pas du tout. Il y a d'ailleurs en plus pour cette question de tendance, la marge d'erreur qui fait que euh, si Marine Le Pen est à 52% et Macron à 48, euh, je crois, que j'ai dis complètement au hasard, hein, en fait la marge d'erreur est de, alors je sais, dépend des sondages, mais de 5 à 10%, donc en fait ça nous donne juste une légère tendance pour Marine Le Pen euh, mais ça ne veut pas dire du tout qu'Emmanuel Macron a perdu ou l'inverse, hein, vice versa, un hein, peu importe. Hein, je prends des noms comme ça au hasard, mais, mais euh, cette marge d'erreur, on n'en parle jamais. En fait, on ne nous dit jamais. Ce sondage indique une tendance et n'est pas euh, les, les chiffres exacts de ce qui va avoir lieu. Mmh, euh, ouais, ouais, parce que c'est parce que c'est un raccourci. Euh, c'est peut-être un peu de la paresse aussi, mais c est, c est, mmh. ça comprend. On, on parle jamais de marge d'erreur. Tu vois, c'est quand même la base quand on fait des sondages, Alors, mais on n'en parle jamais. Alors de, plus, alors, de plus en plus. Et j'ai été euh, drôlement surpris, euh, en fait, par, euh, par l'avènement de, de, de ça dans les sondages récents. J'ai cherché, euh, je regardais tout à l'heure euh, s'il y avait des sondages un peu marrants qui étaient parus. Ils n'étaient pas drôles. <laughs> mais euh, mais euh, à chaque fois, ils en parlaient. Euh, et euh, j'ai trouvé ça. Euh, -honnête, euh, moitié honnête mmh. de leur part, moitié opportuniste on va dire, mais bon voilà sur ce que, que tu dis oui. sur les tendances, je rappelle à tout le monde qu'en 2012 c'était Dominique Strauss-Kahn qui était censé être président. Tout à fait oui, oui complètement. se si maintenait en l'état mmh. <laughs> ça n'est pas oui, arrivé. Oui. Et il y en a eu un des futurs présidents même Fillon quand il est sorti vainqueur des des primaires, euh, voilà c'était déjà il était déjà président quasiment avant avant les affaires et autres. C'est clair mmh. c'est clair et, euh, et au final, en 2012, c'est Hollande qui a été élu. Il était, assis, il était euh, aussi haut que Benoît Hamon euh, dans les premiers oui. sondages. Il faisait 6%. Il était à 6%, euh, effectivement. Oui. Macron, un an avant euh, son élection, n'était pas testé dans mmh. les sondages. Il peut oui. arriver ça aussi. Euh, donc, effectivement, euh, on... que ce soit dans les sondages, dans les projections, dans tout ça, on a tendance à, à raisonner en les choses ne changeront pas. Hum. Euh, et c'est normal, hein, on a besoin de stabilité pour prévoir. Donc euh, si tu oui. veux, c'est oui, sûr. C'est un, un truc. C'est difficile d'en sortir. Hum. c'est difficile d'en sortir. Mais je voyais là, tu parlais de marge d'erreur. Du coup, je voyais le dernier sondage qui a été fait, là, qui a été euh, allègrement commenté euh, euh, dans plein de médias euh, sur la présidentielle, hein, qui disent que du coup, on se retaperait un, un, un Macron Le Pen. Euh, les chiffres c'était 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 56 44 je crois un truc comme ça Macron. Ouais, pour Macron, ouais. En, en fonction de si c'était Xavier Bertrand ou Pécresse, je sais plus, le mmh. teste testent des trucs. Alors là, pour le coup, ils testent des trucs, euh, ils font des hypothèses. Là, à la oui. limite, tu vois, ça, ça passe. J'ai l'impression et... que l'hypothèse Hidalgo est presque forcée. Au... Quoi, est... On a l'impression que Hidalgo, ils veulent absolument qu'elle soit candidate et que les gens euh, se prononcent sur euh, est-ce qu'ils veulent Hidalgo ou pas. C'est presque qu'on te donne que le son nom. Alors, Hidalgo, présidente ou pas présidente Il enfin, y a d'autres gens, il hein. n'y a pas que Hidalgo. Il y a que... Il n'y a que le monde et le parisien ici en France ça. qui s'intéresse oui, <laughs> vraiment. Non, mais bien sûr. Clair. Qui s'intéresse vraiment. Attends, je l'ai le sondage là. Euh, il me semble qu'Hidalgo, 75% des gens disent que ce n'est pas un bon, que pas un, un, un bon bail. Okay. Euh, si je me rappelle euh... Ah mince, je l'ai pas là. Non, je l'ai mince. Ce pas ça que j'ai. Alors, si, euh... tu, si tu as le lien du sondage, tu peux nous le passer comme ça, je le montre à l'image. Ah oui au passage. Hop. Ouais, je l'ai, ouais. Et donc Hidalgo, ouais, c'est pas, pas un bon bail, ben, je te mets dans le chat direct. C'est Odoxa qui a fait ça. Odoxa. Odoxa, en termes de réputation, en termes de sondage, qu'est-ce que qu t'en que penses euh... Vu que je voyais que tu faisais un petit peu la liste dans, ton, dans ta conf des différents instituts qui n'avaient pas euh, tes faveurs, il faut, il faut le dire. <laughs> non, la plupart non. D'ailleurs, il faut rater les appeler instituts. Oui, comment on doit dire Mais je le fais aussi. <laughs> ah, c'est le mot qu'on oui, qu entend visuellement. Donc... Ouais, ouais, bah ouais. Uh, tiens, uh, tiens j'ai sous les yeux uh, une citation du PDG de la SOFRES, un autre uh, institut de sondage, qui dit Le terme institut est devenu obsolète pour caractériser notre métier. Ce terme institut rappelle les origines, certes, avec un côté universitaire et de sociologie, mais la réalité actuelle, c'est les entreprises et du business. Donc lui, il dit entreprise de sondage. D'accord. Ouais, bah mmh. boîte, de, boîte de sondage, on pourrait dire. Ouais. c'est ouais, peut-être plus... Oui, que... peut plus juste. Parce qu'en fait, leur, leur activité, leur vraie activité, leur activité principale, c'est les, les études de marché aujourd'hui. Ce n'est pas du tout euh, les sondages politiques. Un sondage politique, ça ne rapporte pas de pognon. Tout ce que ça rapporte aux, aux entreprises de sondage, du coup, c'est euh, euh, de la visibilité. C'est du lustre, si tu veux, mmh. de classe. Euh, oui, c'est de la communication, euh, en fait. Euh, oui. C'est ça. Et ça leur permet après eux de démarcher euh, qui euh, Coca-Cola, qui euh, des vraies boîtes qui vont vraiment mettre du pognon, si tu veux, pour faire des études de marché. C'est ça, là, c'est ça leur, euh, ça leur boîte. Mmh. Odoxa, je crois que j'avais rien noté sur eux. Ils doivent pas être très intéressants. Donc là, le Les sondage gens que tu Odoxa ouais. dans dans le chat. Si ouais, moi, j'avoue que j'ai oh, pas, pas non plus davis. Tu vois, j'ai pas de présupposés sur eux. Euh, bon, c'est voilà une, une boîte de sondage, une entreprise de sondage. Euh... Je Comme les autres. Ouais. Je, mais... sais je, sais que je, je sais que je me méfie d'Opinion Way, mais à part ça. <laughs> euh, oui, Opinion Way, oui, carrément. Oui. Oui, oui. Opinion Way, ça, ça a été, ça a été fondé. Euh... Ça a été fondé. Alors ça, ah, ça a coupé. Euh, on a perdu. Euh, on a perdu, euh, perdu Yohan. Il va nous rejoindre dans un instant. Je vois qu'il y a Mangat qui veut intervenir. Euh, on, va, on va le faire intervenir juste après la pause. Vous inquiétez pas, on va faire une pause dans pas très longtemps et on, on fera intervenir euh, qui veut euh, dans la, la suite de, de l'émission. Yoann est de retour parmi nous. J'ai eu une espèce de micro-coupure. Ça arrive, ça vrai. arrive. C'est pas grave du tout. Aucun souci. Donc, on était sur ce sondage-là d'Odoxa. Pas d'infos sur Dodoxa. Mais euh, parlons du sondage du coup, que tu nous as partagé. La gauche est en crise, mais unie. Elle disposerait d'un fort potentiel, nous dit ce sondage. Donc, euh, alors, première question, déjà, tu vois, c'est intéressant. La gauche est en crise. Pour plus de 8 Français sur 10, 82%, la situation de la gauche en France est mauvaise. Alors, ouais. tu vois, juste cette question, déjà, qu'est-ce que ça veut dire La situation est mauvaise. Ça veut dire que euh, on n'aime pas la situation. La comment dire, l'orientation idéologique que prend la gauche en France en ce moment, de quelle gauche on parle, bon, c'est un petit peu vague, tu vois, est-ce qu'on parle du PS, est-ce qu'on parle de Mélenchon, est-ce qu'on parle des Black Blocs, de quelle gauche on parle en fait, C'est déjà, la faudrait préciser, et la situation mauvaise, ça peut vouloir dire qu'elle est mauvaise idéologiquement, qu'elle est mauvaise économiquement, qu'elle est mauvaise électoralement, euh, qu'elle est mauvaise d'un point de vue des personnalités qui la constituent, ça peut vouloir dire mille choses en fait, ce mot de, de mauvais, alors, je ne sais pas quelle est la question exacte qu'ils ont, qu ont posée. On la voit, la on la en les va. Les... La question qu'ils ont posée, c'est diriez-vous que la situation de la gauche en France est actuellement mauvaise ou bonne Oui. Donc, et ça veut rien dire. Enfin, euh, diriez-vous que ça va de mal en pis, ma bonne dame bah, oui, <laughs> oui, et, ça, oui. La réponse ce serait ah bah oui ou ah bah non, tu vois. Enfin, euh... oui. ouais. et, et du euh, coup, euh, j'imagine euh... très bien BFM, tu vois, titré 80 des Français pensent que la situation de la gauche est mauvaise. Ouais, sauf que chez les Français qui se disent de gauche, il euh, n'y a que 21% des mmh. qui. Euh, pardon, non, c'est 78% des gens qui trouvent que c'est pas bon. <laughs> les, parmi les gens qui sont à gauche. Ouais. Donc, quand même. Hein. Euh, voilà. Quand même, seulement, ouais. euh, c'est bien, bien marrant de dire 82% des gens jugent que la situation de la gauche est, euh, est mauvaise. Euh, 53% des répondants ont dit plutôt mauvaise. Mmh. Oui, tu donc, vois. Oui, déjà nuance, oui. Tu à, à 29% des gens qui disent, euh, ouais, non, c'est la merde, <laughs> mm. pour de vrai. Voilà. C'est. Mais, mais pff, la question recouvre tellement de, tellement de non-dits, tellement d'interprétations personnelles, si tu veux. Bon, après, on teste de l'opinion, donc c'est toujours compliqué d'être ultra précis. Mais une question aussi peu précise que ça, euh, quand même, faut pas, faut, faut pas déconner, quoi. Ouais. Ouais, là ça' qui te... juge que ouais. c'est euh, mauvais euh, les sympathisants du rassemblement ah, national juge que c'est très mauvais la situation de la gauche mmh. oui à 46% euh, le ps euh, les sympathisants du parti socialiste se, se voilent la face <laughs> et tu vois c'est du coup ça qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que les gens du fn et les gens de gauche pensent exactement la même chose sur la gauche puisqu'ils pensent que la situation est mauvaise donc ils sont d'accord en fait tu vois' Qu'est-ce que ça veut dire Ils sont sans doute pas d'accord pour les mêmes raisons, donc c'est absurde. C'est ça. ça. En fait, eux, ils ont des raisons de se réjouir de la situation, <laughs> de la mm. mauvaise situation. Oui. Alors que pour le coup, euh... pour le coup, bah, les sympathisants de la France insoumise, tiens, qui sont à 69 à dire que c'est mauvais. Euh, sont... Eux s'en désolent. Donc, je euh, mmh. mélange tellement de trucs, si tu veux. Euh, bon. Ça me rappelle euh, quand, quand Christiane Taubira euh, avait démissionné, alors ça, ça nous ramène à, des, à un ancien temps, en 2017, quand Manuel Leval s'est devenu euh, Premier ministre. Premier ministre ou ministre de l'Intérieur Je ne sais plus. Un des deux. Il a été les deux. De il a été les deux bon, Je ne sais plus quand elle, je sais plus quand, quand elle a démissionné. BFM TV avait posé cette question euh, aux gens. C'était euh, Vous savez que Christiane Taubira, la ministre de la, de la Justice, garde des Sceaux, a démissionné ce matin. Approuvez-vous cette démission Oui, non. Mmh. Euh. Comment t'analyses le truc derrière 82% des gens disaient, euh, enfin, je crois que c'était 82 aussi, hein, <laughs> disaient euh, oui on approuve. Mais alors dedans, t'avais euh, 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 les, les fascistes qui disaient bah, euh, tant mieux qu'à s'en aille, euh, oui. Tobira parce qu'ils ont jamais pu l'encadrer. Les gens de la manif pour tous euh, qui disaient bah, pareil. Ces euh, euh, les, sympathisants à elle qui disait, bah oui, en même temps, euh, si elle a une posture cohérente, euh, à, à peu près encadré Valls c'est va mmh. pour lui. Donc tu mélangeais tout ça. Mais le chiffre qu'on te donne, c'est voilà, 82%, oui. bah, comme là. Donc tu as je à vois, la vois, fois les vois, vois, gens qui vois, la vois, vois. soutiennent et les gens qui la traitaient de, de singe, hein, puisque parmi l'extrême droite, on l'a malheureusement euh, trop souvent oui, vu, qui étaient d'accord en fait sur le fait qu'elle démissionne. Tu vois. Donc qu'est-ce que ça nous dit oui. véritablement, cette information, tu vois, ce 80% Qu'est-ce qu'il nous dit de la, de la situation de la France Qu'est-ce qu'il nous dit euh, du nombre de gens euh, qui euh, sont d'accord qu'elle est démissionnée par opposition au gouvernement, qui sont juste contents qu'elle est démissionnée parce qu'ils peuvent pas l'encadrer. Tu vois, ça ne veut rien dire, quoi. C'est un mélange tu des tu pommes tu... Et, des, des, et des bananes, quoi. Il n'y a aucune finesse, et tu, tu peux rien dire, euh, mais ça fait un super chiffre du jour mmh. pour, lancer ton, pour lancer ton JT, si tu veux. C'est un, un petit marronnier quotidien, au final. Euh, tu Le chiffre du jour, 82% des gens euh, approuvent la démission de Christiane Sobira, Tu lances un micro-sujet d'une minute, là... Euh... Euh, si t'es taquin, tu lances un micro trottoir pour doubler le sondage, et, mmh. euh, et puis voilà, tu oui. t as, t as, t as rempli ton truc, tu as donné euh, une simili info euh, aux gens. Bon l'info là, c'était plutôt qu'elle avait démissionné, tu vois, plutôt que euh, l'opinion des Français dessus, enfin, on s'en tape à la limite, tu vois. Mmh. Et des trucs comme ça. Hein. Et là, du coup, euh, peut-être pour finir sur ce sondage. Ah, euh... oui. Sur euh, le titre que tu disais, là c'était La gauche est en crise, mais rassemblée, elle euh, a de l'espoir, c'est un truc comme ça euh, Ouais, alors attends, je regarde la suite. Le titre. Euh, alors, il y a des trucs sur les. Alors, vous, personnellement, seriez-vous favorable à ce que les partis de gauche et écologistes présentent un candidat commun à l'élection présidentielle de 2022 Et là, on a du 50-49. Alors, c'est c'était pas ça, du coup. Personnellement, seriez-vous favorable Non, ça, on l'a dit. Si je me rappelle bien, Pour chacune des personnalités suivantes, blablabla bla, bla. Euh, parmi les partis suivants, dites-nous celui qui représente le mieux la gauche aujourd'hui. 40% des Français se disant de gauche ont choisi le PS. What the fuck <laughs> C'est <laughs> euh, incroyable. Incroyable. la France insoumise qui arrive, euh, qui arrive derrière à 38%. Mais le PS, mais qu'est-ce que c'est le PS aujourd'hui enfin, qui Je ne sais même pas qui... Euh... Je m'intéresse à la politique pourtant, mais je ne sais même pas qui, qui est vraiment au PS, qu'est-ce qu'ils proposent, qu'est-ce qu'ils disent. Ils sont complètement invisibles, le PS aujourd'hui. Mais oui, oui, oui c'est clair, tout le monde s'en tape. Ils, ils, sont hors, ils, sont... Alors, ils sont hors jeu médiatiquement idéologi et idéologiquement. Ils sont... Ce qu'ils sont, où ils sont beaucoup plus dans le jeu, c'est sur les élus locaux. Faut hmm. pas... Il ne faut pas euh, sous-estimer ça. Ils ont encore beaucoup d'élus locaux. Beaucoup d'élus locaux. Oui, oui, c'est vrai. C'est encore, encore un parti qui a une, une assise confortable à ce niveau-là. Et d'ailleurs, ce, ce que n'a pas, euh, pas du tout réussi à faire Macron, LREM pour le coup, c'est l'inverse. Eux, ils n'ont pas du tout réussi à s'inscrire. Ouais. Euh, en même temps, c'est un truc qui ouais. prennent des années. Le PS ça fait 40 ans qu'ils sont là-dedans, quoi. Donc euh, même plus. Ben oui, bien sûr. Il y a les Républicains oui. aussi. Hein. C est, c est, c est... Il en reste plus que ça en fait aujourd'hui. Mais... Ils se sont fait atomiser effectivement par oui. les, les récentes recompositions, on va dire comme ça, euh, du jeu politique. Mais ils gardent quand même euh, des, des, des énormes assises euh, locales. Quoi. Mm. Alors là, sur la crise, sur, sur la gauche rassemblée, je regarde donc en fait à gauche ils mettent la France insoumise, le PS, ils mettent Europe Écologie des Verts et ils mettent oui. euh, autre parti de gauche. Mm. Oh, ça va être les, tro les trotskistes, et, euh, et les alternatifs, un truc comme ça, j'imagine. Ouais, voilà. sais, ça, ouais. Et donc, s'ils se rassemblent, ils font 25%. Voilà. C'est. Ben, oui. Alors Et que. La, la droite fait forêt 24. Mais avec les marges d'erreur, j'ai vu ces 2 là dans le sondage. Ben oui. On ne sait pas. Donc en fait, c'est assez serré, quoi. C'est serré, serré. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a de moins en moins de gens qui se revendiquent sympathisants de gauche, selon ce sondage aussi. Et ça, tu le dis dans ton. Dans l'introduction de ta conférence, euh, je sais plus le chiffre exact que tu donnes, mais je crois que c'est 17, euh, 17 Moi, c'était pas effectivement, c'était un sondage, un sondage, bien plus ancien. Oui. Et c'était euh, 17 ouais. Et donc là on, là, on est à 25. Euh, et c'est, euh, étonnant, je trouve. Mais bon, mm. euh, ça devait être le sondage de 2017 que j'avais vu. Euh, non, c'était 21. Bon. Euh, L'enseignement principal de ce truc-là, il euh, y, y a un graphe en page 17 qui est l'évolution des, ils appellent ça des proximités partisanes. Oui. En fait, quand on demande aux gens de quel euh, parti se sentent le, ou de quel bord politique ils se sentent le, le plus proche, en fait, et, et, et je m'étais pas bien rendu compte à quel point euh, Macron avait, avait vraiment explosé le jeu politique dans ce pays. Euh, c'est que euh, à partir de, de son élection, en fait, tu as une chute mais vertigineuse euh, des gens qui se disent sympathisants de gauche ou de droite. Mmh. Euh, ce qui baisse pas, c'est les sympathisants du centre, puisqu'il les a ralliés à lui, si tu veux. Ce qui baisse pas non plus, c'est le Front National. Ça baisse un tout petit peu. Et quoi Au bout de deux ans. Ils reprennent leur niveau, si tu veux, de, de, de sympathie dans l'opinion publique. Et là, ils dépassent, là, au premier trimestre 2021, ils dépassent en sympathie, euh, on va dire, euh, dans l'opinion, ils dépassent euh, LREM. C'est donc, <laughs> moi, ce que j'en tire comme enseignant, c'est donc que. Euh, sa politique là, euh, leur politique à, à la République en marche, euh, de, 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 de macrono-lepénisme euh, autoritaire et violent euh, et, euh, qui réprime le mouvement social et, et qui fait euh, l'islamophobie euh, son seul et unique euh, cheval de bataille, euh, bah, c'est que ça sert à rien parce qu'ils ne piquent pas les voix du FN. Mmh. Voilà. Et par contre, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait exploser les gens qui se disent ben bah, non, mais je suis pas de droite, je ne suis pas de gauche, je ne suis pas un FN, tu sais quoi Je, je n'ai pas de proximité partis. Ni droite, ni gauche. ouais, mais ça, ni droite, ni... Non, mais rien. Ils disent Non, mais les partis ouais. ou politiques, vous savez quoi Allez, on arrête. Ouais. Euh, et voilà ce qu'ils voilà qu ont produit, ces gens-là. Oui. Et c'est vrai que ce, ça, que ce moi, soit la. Sais, les gens peuvent s'en réjouir, il n'y a pas de ouais. Mais euh, voilà ah. ce qu'il a provoqué, en fait. Moi, franchement, je le constate aussi, hein, ce, ce truc que beaucoup de gens. Euh refuse de se, enfin voilà, on parle beaucoup d'étiquettes et de dire moi je refuse les étiquettes, je suis ni de droite ni de gauche, même si leurs idées euh, souvent bah, sont situables à droite ou à gauche. Hein. Je veux dire il y a quand même relativement peu de gens qui sont vraiment euh, dans, dans quelque chose de, de vraiment transpartisan et qui euh, ne prennent que les bonnes idées, etc. Quand tu discutes avec quelqu'un qui se dit ni de droite ni de gauche, tu vois en général assez vite euh, qu'il est quand même situé politiquement, tu qu'il est souvent de droite, oui, c'est sûr. Mais même certains, mais franchement, enfin, ça c'est le cliché un peu tous les gens qui se disent ni de droite ni de gauche sont de droite, mais en vrai, moi je discute. J'ai discuté avec beaucoup, beaucoup de gens et il y a aussi des gens qui sont en fait très à gauche, mais juste qui en fait détestent les partis de gauche parce que et pour des raisons tout à fait légitimes. Eh, pour des raisons, c'est clair. Oui. Mais qui, euh, leur, cœur, leur cœur reste à gauche dans le sens où euh, ils vont quand même être pour euh, en fait des réformes sociales profondes, mais ils ne vont pas appeler ça des réformes de gauche, ils ne vont pas euh, associer ça à une vision de gauche. Mais après, c'est vrai qu'en général, euh, c'est plutôt des gens qui penchent vers la droite qui Disent ce genre de choses, mais voilà. Là, il faudra un sondage aussi beaucoup plus fin parce que c'est 40% de gens sans proximité partisane. Qu'est-ce qu'ils pensent exactement Ils pensent sans doute pas tous la même chose, c'est certain. Ah bah non. Ah bah à part peut-être sur les, sur les partis politiques, c'est-à-dire on déteste les partis politiques là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui sont d'accord euh, dans peu importe ce qu'ils pensent par ailleurs, quoi. C'est clair, mais est-ce que. Comment tu produis euh, du changement social euh, mm. à partir de cette, de cette euh, ouais, con constellation d'individus, d'opinions mm. hein, Parce que c'est clair que dans ces 40%, il y a la société française. Quoi. <laughs> Donc, voilà. Euh, ouais. ouais, c'est euh, ce que tu disais, hein. effectivement, sur le cliché ni de droite ni de gauche. Moi, ça m'avait frappé euh, au moment des Gilets jaunes, euh, quand ça a vraiment euh, évolué. Euh, moi, je faisais partie euh, des petits cons qui disaient Ouais, euh, c'est des. C'est des beaufs euh, qui veulent manifester pour avoir le droit de, de rouler dans leur bagnole, tu vois. Mmh. Après, je me suis mis un coup de pied au cul, tu vois. Et il y a un copain qui m'a emmené sur le rond-point. J'ai parlé avec les gens. Ah bah oui, oui, bah oui. oui bah, Va parler avec les gens avant de te faire une idée, une idée de, de ce dont ils pensent. Ouais. Mmh, mmh. Mmh. Ça parlait justice sociale, ça parlait plein de trucs. C'était foisonnant, quoi. Et donc oui, c'est pour ça que je rigole à dire effectivement... On n'est pas partisan. et était peut-être de droite, mais en fait, en fait on ne sait pas. C'est une boutade. Oui. Non, mais c'est vrai qu'on le constate aussi. Il hein, y a beaucoup de gens qui se disent ni de droite ni de gauche, mais qui ensuite vont te parler que de migrants et d'islam, etc. Donc tu, voilà, on les situe aussi assez vite quand ils commencent. Enfin, selon leur sujet de prédilection, on peut les situer politiquement en fait, quoi qu'il arrive. Quoi. Ouais. ouais. mais, mais il, faut, il faut il faut il faut parler un peu. Il faut, que... faut discuter. <laughs> Exactement. Il faut discuter. Ouais, et et c'est vrai que c'est un peu malheureux en fait. Euh, Enfin, c'est cette situation sur la droite et la gauche, l'idée même de politique, tu vois. Juste dire, euh, parlons de politique, les gens vont entendre en fait qu'on va se mettre à parler de parti, qu'on va se mettre à parler d'élus, etc. On en parle forcément quand on parle de politique, mais ça ne ouais. peut pas se résumer qu'à ça, la politique, évidemment. Et donc, quelque part, vouloir jeter à la poubelle, comme le faisaient les gilets jaunes un peu au début, on en a eu ici, on a eu des discussions avec des gens qui disaient, je suis gilet jaune, je ne fais pas de politique. Ça m'a toujours fait beaucoup rire, parce que qu'il n'y avait rien de plus politique que la démarche d'un gilet jaune. Mais il te disait, je ne fais pas de politique, noble. tu vois. Je veux me tenir le plus, le plus loin noble. possible, au sens le plus noble, exactement. C'était il... du politique, il faisait du politique, exactement. la, la politique, ouais, c'est <coughs> clair. Exactement. Et largement ça. Mais du coup, tu vois à quel point euh, les partis de droite, de gauche, tous en fait, hein, ont, ont complètement détruit euh, l'idée de, de voilà l'intérêt de, de la question du politique, comme tu dis, que, comment on organise la société, comment on organise la cité, sur quoi on se base pour le faire, quel est notre objectif, etc. Les gens ont envie quand même de parler de ça. Ça se voyait avec les gilets jaunes. Ah, mais ils n'ont pas envie d'appeler ça de la politique parce que la politique pour eux c'est un mot détestable en fait. C'est c'est ça qui est qui, qui rend aujourd'hui beaucoup d... Difficile en fait euh, ce, cette discussion là quoi. Ouais, ils ont envie de parler des conditions concrètes d'existence, ils ont envie de parler, de, 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 voilà. Bien sûr. Ils ont envie pour, pour l'avenir. Enfin, moi ce voilà ce que, ce que j'appelle ouais. Oui voilà ils font de la vie de la cité exactement. Mm. Et puis, les ronds-points c'était des, des, des mini-cités. Hein. Complètement. Et, voilà. Et donc euh, donc oui qui, qui, que, que les responsables politiques soient rendus détestables, euh, bah, ouais. Et ça a à voir également avec. Avec leur façon de, de, de se pointer devant nous et d'aligner euh, des pensifs et de, de, se, de se couper totalement du, du, du lien avec, avec les gens, notamment à cause de, à cause des, comment dire, leur utilisation bah, bah, des chiffres, des, des, des grands concepts, euh, des trucs qui. Ils vont dire ah non, non, mais c'est bon, nous on a un plan, on a tout prévu, on a tout calculé, vous comprenez, on n'a pas besoin de votre légitimité citoyenne, démocratique. Nous, nous, on se base sur des stats, sur des projections, et on a un plan, ne vous inquiétez pas. Ils font de la technocratie. Mmh. Et donc, il ne faut pas qu'ils se. Voilà, faut pas qu'ils se. qu'ils se et indigne quand on les regarde de travers, c'est normal. <laughs> oui. Et. Euh, avant d'accueillir euh, Mangat, qui, qui souhaite intervenir, et je suis sûr qu'il a beaucoup de choses à nous dire, et il y a aussi Slash qui est, qui est là avec nous, euh, je voulais revenir un peu sur les sondages, sur un, un aspect euh, bon, dont on, on a parlé souvent dans cette émission, mais j'ai l'impression que ce n'est pas très clair pour tout le monde, euh, l'importance de la formulation des questions. On en a parlé un petit peu avec ce mmh. truc, genre est-ce que la gauche est mauvaise, etc. Euh, mais en fait, la formulation des questions, c'est tout un art, c'est même presque une science, et en fait, ça permet aussi de... Ben, quelque part faire passer des idées selon la manière dont on formule la question, on va avoir des résultats bon. bien différents et après quand le sondage va être rapporté dans les médias, on va pas forcément garder euh, la formulation subtile de la question et on va euh, donner un chiffre beaucoup plus généraliste et qui en fait ne reflète pas vraiment la question qui a été posée euh, donc euh, qu'est-ce qu'on peut dire de, de ça dans ta conférence tu parles d'un truc dont ben, on avait parlé ici aussi parce que c'était tellement énorme euh, le, le grand débat de Macron avec son, son sacré sondage où euh, les questions étaient euh, tellement orientées dans le dans le sens qu'il voulait enfin que ça en était euh, voilà pour le coup là vraiment risible euh, mais qu'est-ce qu'on peut dire voilà de ça de la formulation des questions de sondage de la manière dont les sondages font ça et de comment ça peut du coup influencer grandement les résultats en fait quand on, quand on construit euh, un, un, enfin, un, 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 un sondage ou une enquête ou euh, les, les enquêteurs de, de la police connaissent ça aussi les journalistes connaissent ça tu essayes ça s'appelle euh, du respect <laughs> pour la personne que tu vas interroger tu essayes de ne pas orienter ton truc puisque mmh. tu essayes de, de recueillir effectivement une opinion tu vas essayer de la recueillir la plus, la, la plus brute possible, entre guillemets, quoi. Donc oui, tu, 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 tu n'es pas censé influencer. Après, si es un petit, un petit filou, et que tu ne veux pas recueillir l'opinion des gens, mais démontrer euh, un truc que tu as déjà en tête, eh ben tu, 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 tu peux le faire. Euh, euh, je vais vous poser une question, tiens. Euh, tu, tu, peux, euh, tu peux faire un truc un peu comme ça. Euh, Êtes-vous euh, pour ou contre la peine de mort Ça marche très bien avec cette question, parce qu'elle est en plus... De... Les questions les plus, euh, les plus sensibles, les plus touchy euh, marchent bien avec ça. Êtes-vous pour ou contre la peine de mort Tu fais un sondage, tu vois euh, à peu près euh, les, 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 forces en, les forces en place. Euh, mettons, je sais pas, t'es à euh, 60 contre, 40 pour, je sais pas, on dit n'importe quoi. Maintenant, tu, tu poses la question un peu différemment. Euh, et tu dis euh, êtes-vous pour ou contre la peine de mort pour les, euh, les pédophiles récidivistes, tu vois mmh. Les meurtriers d'enfants. Ouais, les tueurs d'enfants. Pire truc, tu vois. Mmh. <laughs> et, euh, et là, et là tu, tu vas pouvoir changer ton truc. Mais par contre, tu vas juste euh, montrer après dans ton étude que les gens sont. sont pour la peine de mort en fait. Mm. Et tu, tu vas enlever le, le truc. Ça c'est super caricatural, mais, mais, mais ça marche bien. Ça illustre bien ce truc-là, oui. Mm. C'est sûr que si tu poses la question en disant euh, ⁇ cet homme a tué trois enfants après les avoir violés, mérite-t-il la peine de mort ?⁇ Tu n'auras pas du tout le même pourcentage que si tu poses la question euh, beaucoup plus, de manière ouais. beaucoup plus neutre, entre guillemets, pour ou contre la peine de mort. C'est juste certain, et pourtant c'est utilisé comme technique. Pendant ma, ma, pendant ma, ma conférence, ma, ma, la première fois où, où, où je l'ai joué, euh, je, je, je demande au public, on, on essaie d'inventer une question toute pétée de, toute biaisée de sondage, voilà, en utilisant euh, les deux, trois infos euh, que, que, je peux, que je peux donner euh, dans la conférence. Il y, y, y a un monsieur du public qui sort, euh, qui sort. Moi, j'ai lu une. Euh, une question de sondage un jour dans Le Monde, ça m'a vachement vachement choqué. La question, c'était est-ce que vous préférez un homme politique euh, corrompu mais efficace ou euh, efficace totalement efficace euh, mais euh, non mais... ou honnête et mmh. pas efficace du tout Genre, du... c'est le tu préfères. <laughs> ouais, ça. Tu préfères euh, des dents en polystyrène ou, ou des pieds en arbre mmh. euh, C'est euh, c'est il ne faut même pas répondre à ce genre de truc, oui. en fait. Euh, c est, c est, c est, et pourtant, ça... euh, tu vas donner une réponse, et après, on se gargarisera sur les plateaux en disant « Regardez, les gens s'en foutent de l'honnêteté des politiques. Ce qu'ils veulent, c'est l'efficacité. » L'efficacité Nous sommes des pragmatiques. Oui, c'est ça. C'est euh, fou. Attends, je, je... Putain, je cherche un truc que j'avais écrit. Où je le, je... Il y a aussi l'effet de, de halo dont tu parles, c'est le, le fait d'avoir que plusieurs questions <laughs> à la suite qui vont, euh, qui vont euh, finalement orienter progressivement et un peu plus subtilement le, les réponses. Donc euh, par exemple, pour reprendre l'exemple sur la peine de mort, si on te pose 20 questions sur les pédophiles criminels avant et qu'ensuite à la fin on te demande qu'est-ce que tu penses de la peine de mort, forcément, même si la question en soi est neutre, tout ce qu'il y a eu avant va influencer le résultat. Tu, tu, tu mets le répondant, la personne qui va répondre, effectivement, dans des dispositions euh, qui vont faire que tu, réponds, euh, que tu répondras à peu près ce qu'on avait prévu que tu répondes. Ça, c'est les ces psychologues hein, qui, qui connaissent très très bien ça, euh, en psycho et en psychosocial. Ils connaissent très très bien ça pour éviter euh, de le faire. <laughs> mais, euh, mais voilà, oui, tu as, as cet effet-là, tu as l'effet de l'effet priming aussi, c'est la réponse et la réponse est dans la question. Mm. Euh, c'est trop. Bah c'est euh, l'exemple que je cite dans la conf qui vient du grand débat. C'est euh, euh, pensez-vous qu'il faille euh, diminuer le nombre de parlementaires Et entre parenthèses, ils écrivent il y en a 925. Mmh. Alors que en fait, ça nous coûte 49 millions par an. Ouais. Ils, auraient pu, voilà, ils, auraient, ils auraient pu mettre ça. Mmh. Euh, alors, en, en fait, on sait pas. Et donc, la, la, la réponse dans la question c'est tiens, euh, pour ou compte les gaz de schiste Sachant que hein, les ressources dans le sous-sol français sont absolument considérables et permettraient l'indépendance énergétique de la France. Mmh. Euh, bah oui, oui. peut-être. Oui. Bah, euh, alors... et, et si, si es opposant, tu dis vous êtes pour ou contre, euh, sachant que oui. euh, voilà, les effets environnementaux. Ça pollue les nappes phréatiques mort, à mort, mort genre, oui. Genre, oui. ça va créer des, des séismes dans vos jardins. C'est sûr, c'est pas, pas la même tu, chose. C'est ouais. différent. Oui, bien sûr. C'est sûr que, après, que la. Après, tu... Après, tu as plein, plein, plein de de de, de, de façons de biaiser, euh, pour, pour, rien qu'en présentant des questions, il y, a, il y a des trucs absolument dingues en psychosocial. Psycho On s'est rendu compte qu'il y a des gens euh, qui qui avaient euh, ce qu'on appelle un biais d'attention à droite ou à gauche. Ils font plus gaffe à ce qu'il y a à leur droite ou à ce qu'il y a à leur gauche. Ce qui fait que quand ils sont confrontés à, une, à un sondage, avec des réponses en colonne comme ça, et qui savent pas trop quoi répondre. Ça, ça marche beaucoup. Euh, les biais, quand tu sais pas trop quoi répondre. Si tu as une opinion tranchée, le biais, tu vas passer au-dessus. Il n'y a pas de souci. Mais la plupart du temps, quand on t'interroge pour un sondage, c'est un peu au pied levé. C'est un... C'est un sujet que t'as pas forcément bien euh, bossé. T'as pas d'opinion tranchée dessus. C'est pour ça que Bourdieu critique beaucoup cet outil parce qu'en fait on force les gens à se positionner sur des trucs sur lesquels bon en fait on n'a pas réfléchi. C'est vrai du micro trottoir euh... aussi. Hein. On te, on te met un micro trottoir exactement. sous le nez, on a un micro sous le nez, on te dit qu'est-ce que vous pensez de ça bah tu vas sortir le premier truc qui te sort. On t'aurait laissé une demi-heure de réflexion, on t'aurait laissé discuter avec quelqu'un avant, ben bah, aurais eu un exactement. discours peut-être radicalement différent. Le sondage d'opinion, c'est le micro trottoir des sciences sociales. Exactement. Oui. <laughs> Mais en as plein des trucs comme ça. En, en fait, on, on s'est même rendu compte, dans les années euh, 50, que le simple fait de demander aux, aux gens s'ils étaient contents d'un truc, ça augmentait euh, le, le taux de, de contentement. C est, c est, voilà. En fait, si tu leur demandes rien, bon, bah, tu sais pas, mais ils sont moins contents que si tu leur demandes. C'est des psychologues sociaux qui, qui avaient trouvé ça. Ils sont allés dans une usine à côté de Chicago. Euh, pour regarder si euh, il pourrait augmenter la productivité des ouvriers de cette usine. Ils fabriquaient des voitures, je crois. Euh, c'est un petit collègue qui s'appelle Ernst Mayo. Euh, et donc ils envoient toute une bande d'ergonomes de, de, pour euh, améliorer les postes de travail. Ils se disent, tiens, on, si on mettait des fenêtres, rien que pour si les ouvriers pouvaient avoir de la lumière naturelle, peut-être qu'ils seraient plus productifs. Ils arrivent, ils font des mesures de productivité, c'est pas ouf. Euh, ils mettent des fenêtres. Ça, ça augmente, bon, ils s'en vont, la productivité rechute. Ils disent, tiens, c'est bizarre, ils reviennent pour euh, essayer de faire d'autres aménagements, la productivité réaugmente. C'était le simple fait qu'ils étaient observés qu'ils faisaient augmenter la productivité. C'est le simple fait d'observer les gens. Et donc, en fait, euh, bah, de la même manière, hein, le simple fait de demander aux gens s'ils sont contents d'un truc, par exemple, ça, ça marche beaucoup dans les études, les études de marché, euh, va faire que les gens vont dire... Euh, Beaucoup plus souvent qui sont contents que si tu avais rien dit. Enfin, C'est assez. Euh, C'est des biais psychologiques euh, et tu peux jouer avec, quand tu les connais bien, tu peux jouer avec comme, comme on fait les équipes de Macron, effectivement, pendant le grand débat. Mmh. Et t'en as énormément, des trucs comme ça. Bon, on en parlait hier euh, au, au Chili. Euh, en ce moment, il y a. Une, un dispositif qui a été mis en place pour écrire une nouvelle constitution, sauf que la manière dont ils ont organisé le, le truc, en fait, va donner euh, une majorité, euh, une minorité euh, disqualifiante au, à la, au parti de droite, et donc en fait tout ce qui va être euh, ben, mesure de gauche un peu radicale pour changer la constitution qui est héritée d'une dictature militaire, en hein, passage fasciste, voilà, euh, donc peut-être qu'il y aurait effectivement rappelle, nécessité oui. de la changer, voilà, on s'en rappelle, et donc ils ont mis en place euh, une façon de, de faire qui fait qu'il faut les deux tiers pour pouvoir faire passer une, une motion et que les partis de droite à eux seuls représenteront environ 40% et les partis de gauche 20%. Donc ils n'auront absolument pas la, la marche pour faire passer ça. Euh, mais c'est une façon de voilà d'avoir créé le truc pour que les partis indépendants, euh, les gens issus de la société civile, soient complètement exclus euh, des possibilités de changement et qu'en fait. Les décisions, in fine, restent entre les mains des partis, ben d'ailleurs, qui s'appellent comme en France LR et UDI. C'est incroyable. Hein Alors, ça veut dire autre chose, mais, mais voilà, c'est eux qui sont au pouvoir en ce moment et donc qui ont euh, organisé une espèce de fausse constituante en s'assurant bien que ça n'allait rien pouvoir changer. Il mmh. faut faire attention des fois que les noms des partis, effectivement. Mmh. Je crois qu'en Suède, le, le parti démocrate, c'est le parti néo-nazi. Ah. Un truc comme ça. Ah oui, faut, faut pas, faire la mais, euh, mais euh, là-dessus, euh, c'est comme ça qu'on qu verrouille aussi euh, la, la constitution de la Ve République en France. Mmh. C'est le, le même truc, hein, c'est à euh, la majorité des deux tiers, hein, c'est des choses comme ça. Ah ouais, exactement. Bah, c'est le même système euh, qu'ils ont mis en place tout en prétextant. Ils allaient faire un changement profond, euh, civilisationnel, euh, voilà, ça allait être fantastique. Euh, et qu'ils avaient écouté du coup le peuple en colère, hein, puisqu'en 2019, on s'en souvient, euh, il y avait eu des manifestations monstres au Chili, des morts, etc., euh, des, des milliers de blessés dans la répression militaire. Et donc, ils ont fini par céder en, en accordant ce, ce simulacre de constituante. On a fait une émission hier sur le sujet, ça vous intéresse? Oui, mais tu donnes l'illusion le... du truc. Donc, tu, mmh. tu, tu, tu... Au final, en communication, tu fais le job, quoi. Mais comme le. Comme le grand débat. Exactement. Le... Fait, attendez, Exactement. je suis venu faire la démocratie participative, Qu qu'est-ce Qu que vous m'emmerdez maintenant? Mmh. Voilà, oui, ouais, euh, il, a... il a fait effectivement la... la Convention citoyenne sur le climat, qui est sans doute euh, la... la chose la, la plus euh, comment dire, plus intéressante que Macron ait fait pendant son mandat, mais in fine. Euh, la moitié des propositions sérieuses et intéressantes ont été dégagées, donc de toute façon euh, ça, voilà, le... c'est récupéré et c'est utilisé pour faire croire qu'on fait quelque chose alors que là pour le coup c'est des gens qui avaient bossé, qui avaient ouais. rencontré qui avaient fait des auditions, qui avaient taffé c'était pas, ouais. pas un micro-trottoir c'était vraiment des gens, parce que ça a beaucoup jasé sur le fait, oui c'est si gentil ressort etc, oui non mais attends non. ils vont se former, ne <laughs> vous inquiétez pas <laughs> enfin c'est euh, et puis, puis même, euh, merde, quoi. Enfin, euh, tout le monde a des choses à dire, euh, tirer au sort ou pas tirer au sort. Quoi. La question de la légitimité euh, mmh. était, était au centre de ça. Ouais. Mmh. Ouais, C'est toujours la grande question euh, politique euh, actuelle, hein. la question de qui a la légitimité. Est-ce que les élus sont légitimes alors que finalement ils sont critiqués de toutes parts et que plus personne ne semble leur faire confiance Donc sont-ils encore légitimes Est-ce que le, le dispositif... Euh, Institutionnel, électoral, légitimise vraiment en fait les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui. C'est pour moi c'est la grande question politique de l'époque et sur laquelle à droite comme à gauche beaucoup de gens réfléchissent et travaillent. Hein. Donc euh, c'est donc, euh, clair que tant qu'on sortira pas de ça, euh, de, de trouver de nouveaux outils de légitimation euh, des, des décideurs, appelons-les comme ça, euh, on, voilà en fait on sortira pas de ce, de ce truc euh, qui nous pousse inexorablement vers des partis extrémistes principalement de droite. Hein, donc euh, c'est ça c'est terrible. rien à ajouter <laughs> eh, bien, eh bien on va ajouter, euh, on va ajouter euh, le, la, les propos de Mangat qui nous rejoint et il y a aussi Slash qui voulait intervenir bon on a dépassé donc pas de pause tout de suite on fera une pause musicale euh, un peu plus tard euh, désolé pour Evoloop euh, on, on lui a promis qu'on passerait sa musique Evoloop Song je vous mettrai le lien on l'a passé en intro je la passerai dans les prochaines émissions vous inquiétez pas si on n'a pas le temps d'en passer aujourd'hui on fera une petite pause mais un peu, un peu plus tard Mangat bienvenue à toi est-ce que tu es avec nous? Est-ce que ton micro est allumé? Non, pas encore. Salut. Salut, Cali. Salut. Bonjour, Johan. Bonjour, Bonjour, tout le monde. Je, je, Salut. Je, je suis content d'être. J'ai débattu déjà. Le débat, je l'ai fait avec vous. Hein. Vous ne m'entendiez pas, mais j'ai pris des notes. J'ai écrit. Je me suis régalé, comme je dis souvent. Euh, et pour moi, ce n'est pas un mot que je jette comme ça. Hein. Je pense qu'il faut prendre du plaisir quand on écoute une émission, avoir envie d'intervenir, s'enthousiasmer, etc. Donc, je suis content de te retrouver un peu, Kali, parce que ça fait un petit moment que je n'étais plus... Oui, ça fait un moment qu'on n'avait pas discuté. Je, même... te vois, enfin, je, te vois de, je te vois de loin, va dire, mais bon, là, je suis tombé un peu par hasard sur l'émission. Voilà, je connais un peu ce que fait Johan. Et bon, le, le, la thématique me, me, me plaisait et je, effectivement, j'ai bien fait de, de passer. <laughs> eh bien oui, évidemment, ça fait longtemps puisqu'on ne t'avait pas entendu, comme tu dis, sur, sur l'antenne, Manga. Donc, toi, tu es proche... Euh... On va dire du réseau salariat, de ces, de ces, ces pensées-là, euh, réflexion sur euh, un, un salaire à vie potentiellement, une, une, un salaire à la qualification, comme on l'appelle aussi. Euh, sûr, hein. Attention, c'est <laughs> pas la même chose. Ah, faut être fou, Il hein. ouais, ouais, faut être précis. Il faut être précis. J'ai l'habitude. J'ai l'habitude de les pratiquer, mais oui, ils ont raison, bien sûr, puisque c'est comme ça aussi qu'on avance euh, en sortant un peu des catégories euh, faciles et qu'on nous impose, comme on le disait tout à l'heure, tu vois, le, les charges patronales. Non, ce pas des charges, c'est des mmh. cotisations. Et vraiment, le mot est important. Euh, ce n'est pas du tout la même chose. Enfin, c'est la même chose, mais, mais, mais tout dépend du point de vue, quoi. Euh, et donc, de réhabiliter tout ça, c'est important. Dans un sondage, ça ne fait pas là, du tout la même chose si tu dis qu'il faut diminuer les charges patronales ou augmenter mmh. les cotisations. Tu n'auras oui. pas le même résultat. Mais oui, c'est sûr. Si tu dis faut-il baisser le coût des retraites en France euh, ou euh, augmenter les retraités pauvres, tu n'auras pas encore une fois le même le même résultat. Faut-il augmenter les salaires versus faut-il augmenter le coût du travail mmh. Le ah, coût du travail. Ouais. Sont... Ah. Voilà. Oui, après après le, le but c'est pas de 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 non plus de titiller sur le mot, c'est d'essayer de trouver euh, éventuellement de changer un mot ou de le trouver meilleur que l'autre, mmh. parce qu'il va être plus M mieux compris, c'est ça oui. l'idée. Hein. Bien sûr, bien euh, voilà, sûr. Parce que, parce que cotisation, tu dis cotisation, mais moi j'ai plein de mes camarades qui disent cotisation mais qui pensent charge. Mmh. Et ça, et ça, c'est ça, c'est un peu gênant. Oui. Alors, ils se gargarisent en disant Ah non, non, moi je dis cotisation. Hein. Oui, mais sauf que quand tu les interroges, euh, ils vont te proposer, par exemple, une mesure de, de différencier le taux de cotisation selon que l'entreprise soit plus ou moins vertueuse. Ça mmh. veut donc dire que la, la, la cotisation est un peu une punition, mmh. tu seras un peu moins puni, tu vois ce que je veux dire oui, oui, oui. Quand, tu leur, quand tu leur rétorques ça, de suite, ils disent « Ah ouais, mais tu as, as raison, je dis cotisation, mais je pense punition, je pense charge, je, je la pense pas, comme, comme disait Johan tout à l'heure, salaire, mmh. ou... Ou, ou, tu vois, euh, voilà, ou je, assurance, euh, même, pour euh, l'avenir, tu oui, vois. Oui. Donc, il faut faire... Voilà, les mots, les mots mmh. c'est important, hein. enfin, nous, on, a, on, on se bat assez notamment à Réseau Salariat pour effectivement euh, ne plus nous battre dans le bac à sable des capitalistes, euh, imposer nos propres mots et nos pro notre propre offensive. Mais oui. voilà, il ne faut pas non plus... On se heurte aussi à des gens qui ont l'impression euh, qu'on n'est que sur ça, justement. Mmh. Et qu'on bon, qu s'amuse avec les mots, mais euh, bon, non, le but, et... c'est pas de s'amuser avec les mots. Non, c'est de trouver que... ce qui va marcher. Et, et précisément là-dessus... Une petite parenthèse, c'est pas exactement des questions de statistiques, etc. Mais il y a Frédéric Lordon qui a fait une proposition. J'aimerais savoir ce que tu en penses, justement, sur les mots, hein, vraiment sur le, les mots. Donc, il nous... Ne... Qui ne voudrait plus qu'on qu dise salaire à vie, il voudrait qu'on dise euh, garantie économique généralisée. Hein Nous, on avait renommé ça en sgeg, mais bon, je ne sais pas si ça... Ah, ça a pris certains, certains l'ont gardé, mais bon, peut-être que c'est ça la, la voie finalement, le sgeg, la zone de garantie économique généralisée, le sgeg. Euh, mais donc, je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses toi, manga, euh, sur cette guerre des mots entre guillemets pour trouver la meilleure formule, le truc qui va parler au plus de monde euh, ouais. Voilà. Où en est la réflexion là-dessus? Je viens de te le dire, effectivement, ça a l'air qui n'est qui pas, pas sorti d'ailleurs, je crois, de, de la bouche de, de Bernard de suite, mais euh, ça fait un peu en rase gratis. C'est ça le problème. Donc, mm -hmm. Voilà. Bon, mais après, euh, il faut l'expliquer. Après, les, les gens, il faut espérer que les gens vont faire le pas supplémentaire de la compréhension. Tu maîtrises plus parce que tu le lis souvent et c'est bien euh, ce que dit Lordon que moi. Effectivement, euh, moi, ce qui, me gêne, ce qui me gênerait un peu a priori chez, chez Frédéric Lordon, c'est justement son un petit peu à son, son, sa réticence à, ou son omission du mot salaire mmh. voilà. il, il est, il, est un, il, il y a deux choses qui lui manquent un petit peu c'est est, est, est le, le, le présent il, il, est, il est un peu trop dans l'après hein mmh. il a raison quand il dit ils ne vont pas nous rendre les clés facilement et, ça, et, et le combat est rude oui mmh. mais euh, euh, il parle du déjà là de, de, de Friot etc... Mais euh, il, est, il est un peu trop, dans mon sens, dans l'après. Ça, c'est un peu le reproche qu'on pourrait lui faire. Le mot « présent euh, », ben, bon, après, il y en a d'autres qui le font. Hein. Euh, Frigo parle beaucoup du, du « déjà là », et il insiste beaucoup ouais. là-dessus. Hein, oui. Voilà, voilà. Et, et puis le mot « salaire », parce que bon, voilà, après, après, voilà, après c'est pareil. Mais ça, c'est vrai que c'est un combat difficile, un hein. mmh. paradoxe, qu'il peut y avoir chez, de, depuis, depuis Marx sur le mot « salaire ». C'est-à-dire, euh, bon, euh, nous, c'est réseau salariat. Alors, tu t'imagines, mmh. vous, vous vous dites marxiste et, et oui. vous êtes pour le salaire, mais qu'est-ce que vous nous racontez ah oui, Moi, j'ai beaucoup d'amis aussi, quand je leur dis le mot salaire, même des gens qui interviennent, on leur dit salaire, ils disent non, mais moi, mon combat, c'est de sortir du salariat. C'est pas, Je ne me bats pas pour y rester. Parce oui, qu'on entend emploi, employabilité, en fait, on entend oui, emploi capitaliste, oui. quoi. Et oui, mais tu sais, tu sais ce qu'on qu en pense. Je, tu le, bien sûr, ouais, bien sûr. Le, 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 le salaire, c'est justement ce qui nous, qui nous met en responsabilité économique. C'est un mot qui n'est pas institué à l'époque où Marx l'emploie. C'est un mot savant des dictionnaires. Et pour, et pour lui, il ne va pas le rajouter à chaque fois, c'est le prix de la force du travail. Bon, terminé. Mais quand. Mais, mais, mais et Claude Didier, j'ai eu l'occasion de le dire dans des émissions. Qui est un sociologue qui a fait un travail magnifique qui montre comment s'est institué dans la pratique le salaire et comment il a été pratiqué par la, 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 la classe cégéto-communiste en matière, qui à un moment donné l'a mis en branle, mais c'est contre le, 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 le prix de la force du travail. D'abord en étant un salaire à la qualification du poste. C'est-à-dire, c'est le poste, il y, y a les conventions collectives, on est, on est je ne sais pas moi, on est euh, 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 étam, on, euh, voilà, on a des trucs, c'est vraiment de l'abstraction. On ne sait pas ce que tu fais, mais on sait ce que tu es, dans l'ordre de la valeur. Voilà, Ça, c'était déjà les, les, capi, les capitalistes, mais lutte contre le salaire. Je l'ai écrit tout à l'heure, si tu l'as eu. Ils n'ont pas donné le RSA à, à Ruffin avant-hier, à mais ils vont lui donner un chèque, un chèque quelque chose. Hein. Ils ne veulent pas donner de salaire. C'est pour ça qu'ils étaient dans ce mensonge d'État, si on revient aux, 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 aux statistiques du fameux « un jeune sur quatre est au chômage mmh. », qui venait de l'INSEE. Alors que pauvre jeunes du coup, vaut mieux un petit boulot que rien du tout. Et on, 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 a, on, on a commencé à dérouler toutes ces, mer, toutes ces merdes pour sur, surtout pas donner du salaire aux jeunes. On oui. peut dire que c'est la classe dirigeante qui ne veut pas donner du salaire. Donc, ça, mmh. ça, ça veut bien dire que le salaire, est justement, une institution… Anticapitaliste. Et donc oui. je termine avec l'étape le, 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 d'après, ça a été le, 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 le passage du poste à la personne, donc le, le, le grade des fonctionnaires. Ça, ça a été encore une émancipation supplémentaire. C'est-à-dire, on était payé pour ce que l'on était et pas pour ce que l'on faisait. Et on est porteur d'une qualification et on, de, on est en responsabilité économique. Donc je dis à, à, à l'ordonne, pour reprendre ta, ta question, euh, Est-ce qu'il faut se débarrasser Qu'est-ce qui. Qu qu voilà, moi j'aimerais lui poser la question à lui. Qu'est-ce qui te gêne dans l'idée de salaire à la qualification Voilà, bon. Garantie, tout ça, ça me rappelle trop l'idée de revenu, de ma chaîne. On va faire un petit filet de sécurité, tu vois. Garantie, ça fait, ça fait. On ne te met pas en responsabilité économique. Alors il y a le mot économique, hein, mais on te fait un petit truc de, de sécurité. Et... Bon, C'est un peu ce que propose d'ailleurs Boritz, Mona Boritz. qui est aussi dans. Euh, un petit peu dans, dans cette idée-là euh, de, 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 où on ne sait pas trop s'il reste des employeurs, en fait. Mmh. S'il reste des employeurs et des employés, ça veut dire qu'il reste de l'inégalité en droit économique. Or, c'est bien ça qu'il nous faut conquérir. C'est à un moment donné l'égalité, euh, enrichir la citoyenneté d'une de, 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 dimension économique. Nous avons euh, le suffrage universel, certes, c'est bien, mais on est amputé de la dimension économique. Et vous parliez des gilets jaunes tout à l'heure. Moi je, tr je trouvais que justement il y avait ça avait fini, c'était fini par arriver, en fait, cette, cette histoire d'économique, où les gilets jaunes, euh, après avoir dit peut être on veut que vous nous remplissiez le frigo, et je ne sais pas si l'autre dit d'ailleurs ça, c'est plutôt les, les gens de l'extérieur qui disaient ça d'eux, très vite en sommes nous là, hein, mais on veut maîtriser le travail, on veut maîtriser nos vies, on est des grands garçons, on est des grandes femmes, et etc on, on, on le sait faire et, 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 et c'est là que qu'on que, qu qu peut, qu peut rejaillir quand on va comprendre que sans nous, ils ne sont rien mm. sans nous, ils ne sont rien quand on est sur les points en train de parler, les usines sont fermées on le voit pendant la crise du Covid le, 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 la, la classe dirigeante a peur, mais parce que c'est nous qui allumons la lumière, ouvrons les portes et faisons tourner les machines mm. c'est nous les, les boss, c'est pas, pas eux on mystifie nos maîtres, mais, mais alors que les maîtres, c'est nous. Voilà. Et c'est ça qui est Donc, particulièrement euh... insupportable dans l'expression coût du travail, euh, alors que c'est précisément ce travail qui génère toute la valeur qui existe et qu'il capte. Donc, ouais. parler de coût, c'est vraiment, euh, voilà, vraiment ne même pas reconnaître qui crée cette valeur dont il se gargarise. Ben, c'est les autres qui, coûtent, oui. en fait, qui nous coupent, mmh, hein. qui, 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 nous, qui nous piquent ce qu'on produit pour nous le reprêter pour qu'on le ramène. Exactement. Et hein. on parle rarement du coût des milliardaires pour la société, tu vois. Moi, ouais. <laughs> Euh, alors, Yoann, sur ces questions sémantiques, euh, je sais que tu voulais réagir sur les questions. Euh, voilà, quels mots utiliser pour défendre euh, une, autre, une, autre, euh, une autre façon de voir Est-ce qu'il faut parler de salaire Est-ce qu'il faut parler de, de garantie, euh, de revenu garanti, de revenu minimum voilà. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de tout ça euh... Je sais que ça t'intéresse. <laughs> ouais, non, non, mais si, 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 si effectivement. Euh... Je suis le premier euh, parfois à pinailler euh, sur les questions de langage. Euh, sous le coup de la garantie économique euh, du SGEG de, de Lordon, parlons, parlons du SGEG de Lordon. Euh, <laughs> effectivement, que, comme, comme, comme Manga le, le soulignait, je pense qu'il est effrayé par le mot salaire. Hein, ça, de toute façon, les camarades du réseau Salariat euh, l'ont bien noté. Euh, et. Euh, et, euh, et, et voilà après moi euh, ce qui m'inquiète plus euh, c'est quand les gens commencent à parler de revenus de base par exemple eh oui, eh oui. tu vois. Euh, on entend beaucoup et euh, j ai, j ai, quand j'ai découvert euh, Frio, euh, je je m'étais un petit peu, un petit peu renseigné. Parce que au début, j'étais pas chaud chaud <laughs> parce que j'avais cette, cette, cette vision un peu revenue de base. Mais le truc de des ultra libéraux américains, tu vois. Donc, euh, je me disais, tiens, ça, ça ressemble à un RSA pour tous euh, ouais. euh, déguisé, quoi. Euh, donc, euh, au, au, moins se, au moins se dissocier de ça, effectivement, euh, je trouve ça important. Et c'est pour ça que je, 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 je comprends quand, 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 que Friot appelle ça salaire, euh, mais il faut voir la... ce qu'il qu met, sûr, derri ce qu met derrière, ce qu'il met derrière, euh, derrière. c'est ce qu qu'en fait, il, euh, dans une perspective quasiment oui, ben, non marxiste, quoi, euh, il dit non, le, le salaire, ce n'est pas la rémunération de la force de travail, c'est la rémunération de la potentialité. Il dit nous sommes tous potentiellement producteurs si je me souviens bien euh, ça, oui, ça. De, de valeur et ça. donc ça se rémunère tout aussi bien donc le mec qui propose c'est révolutionnaire quoi donc, euh, donc, euh, donc voilà salaire pas salaire moi tu vois tant que ouais. c'est pas du... tant que c'est pas du, tant que ça s'appelle oh. pas allocation ouais. ou subside ou, subsidie, ou euh... Ou revenu, ouais, pourquoi pas, même revenu pose problème à cause, de, à cause des revenus de base. Là, là, c'est rigolo, parce que si tu as vu si à l'Assemblée, moi, moi j'ai adoré. Le, on on s'est pris et fait, euh, à travers Rousselet, moi je, je me mets derrière François, hein, tu vois. Je veux dire, pour moi, c'est un camarade de lutte. Hein. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, etc. Mais bon, euh, je me mets avec lui, je, je fais corps. Euh, euh, il s'est pris dans la tête, quoi. La jeunesse, n'a pas besoin d'assistance. Mais, 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 mais bien entendu, bien c'est pour nous. c'est pour nous. On n'a pas à demander de l'assistanat pour les jeunes. Hein. Oui, mais c'est la fin la J'aurais notre... bien aimé que François demande un salaire. Hein. Et, là, et, là, et là, ça aurait été intéressant. Parce qu'il y aurait eu euh, une bataille sur la sur, sur, politique, sur les jeunes ont ils droit au salaire ou pas. Ça, ça aurait été intéressant. La droite et, et, et le patronat auraient dit certainement pas. Les jeunes ne sont pas productifs jusqu'à ce qu'ils soient à, 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 euh, de, 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 en freelance sur des plateformes où ils engraissent des, des capitalistes invisibles ou alors chez nous, dans nos boîtes, euh, soumis à un employeur. Sinon, ils ne sont rien du tout. Donc, ils n'ont pas droit certainement pas au salaire. Et Parce puis, on, que on, dit, euh, on dit tout travail mérite salaire et on considère qu'en fait, étudier, faire des mmh. études, ce n'est pas travailler. C'est ah oui, bizarre quand même. Comme si étudier, c c tu ne faisais vrai. rien en fait. Pendant que tu es en train d'étudier, tu te formes, donc tu ne fais rien, tu ne mérites pas de gagner de l'argent. Si tu as papa-maman qui te paye ton appart, ta bouffe, etc., tant mieux. Sinon, il eh va ben, falloir aller à McDo. Donc il va falloir faire une double, oui. une double journée de travail. Euh, un coup à McDo, un là, coup là, à l'école. C'est intéressant. Là, mmh. le mot est le même, hein. le le même c'est travail. Oui, là, oui, oui. C'est intéressant, oui. intéressant oui. De, de, de redéfinir ce qu'est le travail. Justement, comme tu disais, Johan. En capacité de produire de la valeur. Ça ne veut pas dire que tu es en permanence en train de produire de la valeur. Mais on est posé comme politiquement en capacité de produire de la valeur. Et donc, c'est ce qui fait qu'on qu déploie ses ailes. Et que justement, cette valeur, alors, avec des conditions préalables d'une éducation, d'une école qui, a, qui change, qu'on est éduqué à la corresponsabilité responsabilité économique et pas à s'insérer dans un, dans un château fort qui nous, a, qui nous, qui est, qui nous est étranger, bien évidemment. Hein. Il fa... il... Tout ne va pas se faire en claquant des doigts. Mais bon, il effectivement, on est des conquérants. On est en conquête permanente. Perman... La révolution est permanente, en fait. Hein on est tout le temps <laughs> en train de. C'est une belle chanson de, de... de Moustaki, ça. Moustaki. Mais... Eh oui. Johan, tu... euh... euh, je voulais te poser une, une question tout à l'heure. Excusez-moi. Je ne sais oui, pas, pas si, on peut... si on peut revenir sur ce que tu as dit. Moi, j'étais d'accord avec à peu près tout ce qui s'est dit. Je... je faisais mes, mes commentaires. Je, je rappelais. Le... Aussi que les gens ont besoin d'être outillés face aux statistiques et face aux chiffres, effectivement. Euh, quand on n'est pas outillé, bon ben on gobe et on ne comprend pas bien. Donc, on a besoin de comprendre. Voilà, bon, euh, c'est n'est pas facile. Comparer des pays actuellement, comparer la France et la Suède, euh, et comparer le taux de mortalité, pourquoi pas. Mais est-ce que c'est comparable Comme on dit, toutes choses égales par ailleurs. Est-ce qu'elles sont égales, ces choses est-ce qu'on a la même population, est-ce qu'on a le même, le même, le même, le même euh, euh, tissu social, etc. Donc voilà, c'est compliqué. Donc, euh, les, le problème c'est que les chiffres nous sont livrés en pâture. Donc à partir de là, c'est dur. Moi je voulais te poser la question, il y a une petite chose qui m'a interpellé. Je te fais confiance parce que tu as dit, il y en a certains qui euh, euh, disent qu'ils voilà, minimisent un peu, bon, oui, il n'y a pas eu de perte de, de mortalité avant 65 ans, en gros c'est surtout les vieux qui sont morts. Et tu as rajouté, j'ai senti un peu ces, ces, chez quelques-uns de, 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 chez ces gens-là, un petit peu de, 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 de dire on s'en fout. Donc, euh, moi moi j'ai pas j'ai écouté d'autres personnes qui faisaient un peu cette analyse-là, mais qui étaient plus encore justement plutôt dans l'analyse de l'espérance de vie et de dire bon ben, on n'est pas, pas un objet qui meurt sans vieillir, comme ouais, la loi de, de durée de vie sans vieillissement. Euh, en probabilité, non, non, plus on vieillit, plus la probabilité qu'on meure demain euh, est grande. Donc, euh, cette idée de, de relativiser avec l'espérance de vie et de dire, bon, ben, ces vieux sont morts, euh, est-ce qu'ils ne seraient pas morts de toute manière mmh. euh, Je parle froidement, là, hein. moi, j'ai euh, ah, euh, compris, mais ça... on a tous des grands-parents, etc. Bon, il s'agit pas de faire de pathos là dedans Donc voilà, moi j'ai trouvé aussi ça chez certaines personnes qui voulaient mettre un petit peu de, de complexité dans l'analyse, je ne sais pas si tu les as vus. Qu'est-ce que tu en parles ça J'ai pas vu euh... les gens qui, justement, dont tu parlais, qui avaient plutôt tendance à dire, bah, c'est des vieux, ça me fout. Ouais, en, on en a entendu, hein. On en a entendu. D'accord, d'accord. Là, il s'agissait effectivement d'un gars euh, qui, qui, mais c'est un sentiment, moi, ça que j'avais vu. D'accord. Dans la façon de dire les choses, effectivement, euh, il, il traitait, si tu veux, euh, assez rapidement euh, le moment où il y a eu de la surmortalité. Il dit oui, mais bon, là, c'est euh, les plus de c'était les plus de 75, je crois, surtout qui ouais. regardaient. Ouais. Et en gros, c'était oui, ben, un moment, mesdames et messieurs, il faut bien débarrasser le plancher. Euh, ouais. J'avais trouvé ça et il, il, il axait son analyse surtout sur en, en gros la catégorie on dire, des actifs, quoi, les, 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 les 18-50 ans, puisque ça ne ouais. ça, 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 ça touche pas trop les, les ados. Euh, et il disait que c'est eux qui sont importants à regarder pour savoir si, euh, en gros, euh, ouais, si la population active était vraiment en train de crever euh, de ce virus ou pas. Donc c'est un sentiment que j'ai eu en le regardant. Après, je ne saurais pas dire ouais, si c'était vraiment son intention, ce que tu veux. Oui. Mais sur, sur cette, sur cette question-là, euh, je disais tout à l'heure que euh, même les, les, les professionnels, euh, les statisticiens de l'INSEE et tous ceux qui s'étaient un peu frottés à cette problématique de la surmortalité, étaient euh, pas forcément d'accord entre eux. Ouais, ouais, et justement, sur cette notion d'espérance de vie, ouais. en fait. Ah ouais. euh, ça débat, euh, ça, ça, ça calcule, il y a, y a ouais. différents modèles. Ouais. Et, ouais. et, et, et aujourd'hui, on n'a que des estimations, si tu veux, du taux de mortalité. Ouais. Ouais, euh, ouais, effectivement, parce que c est, c est, ça va s'affiner, hein. après, ils pourront trouver des choses, mais effectivement, à partir de quel moment. Euh... Euh, la, la question qui, qui, qui était posée dans un INSEE euh, rapport d'analyse, je ne sais plus, oh, je pourrais le retrouver. Euh, il, il se disait bon, l'espérance voilà, de, de vie allait de tel âge, est-ce qu'on inclut tous les gens qui sont morts du Covid après cette espérance de vie dans notre sur mortalité, ou est-ce qu'on part du principe qu'ils seraient morts de toute façon donc, tu as les estimations qui les mettent, as les estimations qui ne les mettent ouais, pas. Ouais, ouais, euh, donc, ouais, tu vois, tu, tu joues. Euh... C'est là, là, qu que... stat... ouais. là que le travail du statisticien, il est un peu. Euh... Oui. Euh, il est pas inhumain, tu vois, mais. Euh... Oui, bien sûr, on, on vrai, traite vrai, des maths, quoi. Qu'est-ce oui, oui, oui. voilà. qu qu'on prend comme mesure de base par, par rapport auquel on va se situer Voilà. Mais parce que question... quand prend comme, comme mesure de base, du coup, l'écart est plus ou moins grand. Parce que quelqu'un. comme tout, hein. Quand tu, les utilises, -moi, quel, ouais, quand, tu, quand tu utilises, des outils en sciences humaines, tu pars avec des, des hypothèses humaines. Donc euh, la question de base, en fait, c'est en gros, qu'est-ce qui est, comment dire, quelle mortalité est acceptable mm. T'en arrives là, quoi. Il y a des questions ah, oui, comme ah, ça. Oui, oui, oui. Quelqu'un qui qui meurt à, à 67 ans au lieu de 82. Euh, c'est quand même 15 ans d'espérance de vie euh, en moins. En la tête, ouais. Et donc, euh, donc si c'est le Covid qui a fait que cette personne est morte à 67 ans, bah, ça doit être considéré comme étant effectivement une perte d'espérance de, de vie liée au Covid. Et ce pas parce qu'elle était âgée que du coup, bah, n'importe quel truc... Qui la tue, bah c'est pas grave puisqu'elle était âgée. Enfin, c'est bizarre ce raisonnement qui, qui, ne, qui se dit finalement à partir de, alors c'est quoi à 65 Mais si toi-même tu as 65, tu vas dire que non, c'est les gens qui ont 70 qui sont vieux. Et quand tu auras 75, tu diras dis, ah bon, bah c'est à partir de 85 qu'on est vraiment vieux. Euh, comme ma grand-mère, euh, Dieu la bénisse, qui est âgée de 93 ans, qui disait, euh, voilà qu'elle commençait maintenant à se sentir vieille, à 90 et, et, et plus. Donc, euh, donc voilà, c est, c est, tout ça c'est subjectif, c'est relatif à en fait, sa propre expérience. Et c'est sûr qu'il vaut mieux quand on est dans la souffrance euh, mourir parfois que de rester en vie dans une longue souffrance de plusieurs années. Mais en règle générale, si on est en bonne santé et qu'on est tué par une maladie, bah c'est bien cette maladie qui est responsable et pas le fait qu'on était euh, âgé d'un... Enfin, dans ce cas-là, on revient au Moyen Âge où l'espérance de vie était à 40 ans et on s'en satisfait. Quoi. Mais je ne pense pas que ce soit le sens de l'histoire de se satisfaire de mourir de plus en plus jeune. Là où tu vas introduire d'autres facteurs de complexité, c'est ce qu'ils appellent les comorbidités. Mmh. Et oui, voilà, voilà, et ouais. Bim, mais là tu rajoutes un niveau de complexité. donc cette personne avait, je sais pas, du cholestérol. Mais mmh. qu'est-ce qui ne peut pas te garantir qu'elle ne serait pas morte du cholestérol oui, 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 ils, oui, ils, oui. ils en sont, ils en sont à jongler avec des, avec des cas comme ça. Et donc c'est en train de se constituer encore une fois. Mais, ils... oui, mais morte mort avec, mort avec le Covid, mais pas du Covid. On entend ça aussi. Oui, c'est ça, avec, mais pas deux, effectivement. Ouais. Donc, mmh. donc, euh, elle, aurait pris, elle aurait pris une grippe, elle aurait pris autre chose. Bon, mais voilà, là, c il se trouve que. Euh, ouais, bon. oui. comme le VIH, tu, tu, meurs, tu meurs pas du sida. Tu meurs des, des complications des, des, tu liées. Hein. Par, ouais. voilà. Et Camille, puisque tu, tu connais bien, euh, tu, 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 je sais que tu t'intéresses bien à Lordon, je, mmh. je l'ai écrit tout à l'heure dans le chat, ça m'a interpellé à un moment donné, tu as vu, et je ne suis pas encore revenu. J'entends des sons, et, et, ça, et ça corrobore ce que dit Lordon d'ailleurs. Parce qu'à un moment donné, tu sais, en 2000, euh, l'année où, où Sarkozy se lance dans la bataille, mais c'est finalement, c'est Fillon, qui, Fillon qui, qui va être choisi par la droite, tu sais. Il y avait des sondages qui donnaient euh, le, le, le trio dans l'ordre des, des Français. C'était d'abord euh, Sarkozy, donc au départ. Hein. Et puis après, il euh, euh, y avait Le Pen. Et puis arrivé Mélenchon. Mmh. Et dans cet ordre-là. Et, et dans le cas d'un deuxième tour, Mélenchon battait les deux. J'avais appelé ça le paradoxe de eh, le chifoumi. Mmh. Euh, A qui mange B, qui mange C, qui mange A. C'est rigolo, il était classé, la contradiction, hein, était, il était classé euh, troisième, mais, mais, mais contre les deux autres, finalement, les gens choisissaient Mélenchon dans les sondages hein, de l'époque. Euh, là, j'ai vu des sondages récemment. Qui, alors, moi, je, moi, sur le coup, j'ai dit euh, ça, c'est bien une campagne anti- euh, pour ne pas dire aux communistes anti-Mélenchon, parce qu'il n'y bon, a plus besoin de trop de faire de l'anticommunisme maintenant. Le PC, le, P, le PC est vide, euh, les communistes sont dehors. Euh, donc il faut attaquer celui qui peut, qui peut agglutiner. Demain, ça sera peut-être Wolfgang. ou actuellement, c'est peut-être Mélenchon. Donc euh, tout ce qu'on peut. Moi, j'ai analysé comme ça. Hein. Et donc, en gros, c'était euh, au deuxième tour, tout le monde bat le pain, sauf Mélenchon. Mélenchon, sauf ouais. Donc, donc attention. Il hein. fait 40% en plus, il fait un voilà. minable Donc attention, ne votez pas Mélenchon, parce que quand euh, il n'a pas le peine au deuxième tour. Hein. Moi, j'ai dit, quelle, quelle, quelle supercherie mmh. Et donc, l'autre jour, chez Mermé, qui nous dit euh, « Je sens bien euh, un, 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 un front républicain à la mer. Mmh. » Effectivement, il confirme et il dit – je ne sais pas s'il si avait vu le sondage avant ou pas, hein, parce fait, je ne sais pas s'il si qu'il fait référence – mais il dit euh, « je, je conçois bien un, un front républicain à la mer mmh. où il va y avoir euh, une union euh, face, à, face à Mélenchon. »– Le barrage inversé le barrage inversé. Barrage à l'extrême gauche. Enfin, les de... non, inversé, hein, les enfants. inversé, non, mais c'est pas le mot. Hein. Il ouais. a dit euh, c'est pas le, il, on tourne la Comment il a appelé ça? Euh, il a un mot là, hein, mais. Il a bon. Ouais, oui. J'ai pas, euh, pas vu son, son intervention chez Mermet. Si vous l'avez, pouvez nous l'envoyer avec avec plaisir. Quelques, euh, Moi j'ai lu malheureusement les extraits qui, oui. qui balancent un petit peu là, comme ça. Je pense qu'elle va à un moment donné elle va sortir. Ouais. Euh, mais voilà, bon, je, je, cet extrait-là, je peux m'inquiéter un peu. Oui, du coup, euh, l'idée que pour euh, la, la bourgeoisie, pour euh, les, les institutions en place, l'establishment, les finalement, ce sera moins difficile, euh, ce, on s'accommode beaucoup plus facilement, disons, euh, de Marine Le Pen plutôt que de Mélenchon, où là, ça poserait vraiment problème. Oui. Voilà, c'est évident, hein, oui, c'est clair, c'est une évidence. Hein. Mais je pense quand même, enfin, je préfère quand même un second tour Mélenchon-Le Pen, même s'il y a une défaite de Mélenchon qui serait terrible. Hein, mais euh, à choisir, je préfère y aller plutôt que de dire bon, revotons Macron. Euh, non, c'est débile, tu vois. C'est voilà, c'est pas un argument en vrai, dans le fond. Mais bien sûr, non, c'est surtout que c'est loin d'être évident que Mélenchon perdrait face à Marine Le Pen. Tout dépend de la campagne, tout dépend du débat, tout dépend des, des événements à ce moment-là, tout dépend de beaucoup de choses. Hein. Il gagnerait, hein, Là, tu penses qu'il gagnerait. Hein ah moi je pense, Marine Le Pen est, est catastrophique en débat. Et même s'il a dit que c'était oui. amélioré ou je sais pas trop quoi, c est, c est, donc, ça reste une catastrophe. Oui c'est vrai, c'est pas faux. Elle a perdu face à Darmanin, qui... Enfin, Darmanin l'a quasiment mangé alors qu'il est à lui aussi à chier. Donc, euh, bon. Après c'est un régal de l'avoir se, se vautrer, mais bon, euh, on préfère pas l'avoir du tout. Oui, c'est sûr. Et mais peut-être que... Ouais, bon. Là on fait de la politique fiction, encore une fois, tu vois, on est, voilà, est rentré dans les sondages et les trucs, mais... Mais Tobio dit Oui, les sondages des bourgeois, c'est fait pour orienter le vote. Bah, c'est ah oui, ça. Oui, oui C'est oui. ce que je parle, c'est moi. Hein. Mmh. Mais bon, quand j'entends qui, qui, quelque oui. part, euh, fait un petit peu. Euh, voilà, donc, oui. euh... Mais il y a, a, euh... a d'autres manières que les sondages. Hein, parce qu'on se souvient que quand Mélenchon était bien placé en, en 2017, tout de suite, on a commencé à entendre Attention, les marchés vont se retourner contre la France. Si Mélenchon c est, est oui, élu, est la, la, le chantage aux marchés financiers aussi, il est, mmh. il est présent. Vous vous souvenez de François Hollande Président à l'époque, euh, tout le monde dit ce sera Le Pen, de toute façon, au deuxième tour. Il dit rien, il ferme sa gueule, mais quand Mélenchon fait troisième homme, là, il prend la parole, il dit Ouh, mmh. Attention, c'est un danger pour la démocratie. Ouais. mais tu oui. veux, ça euh, choisis ton camp, quoi, tu l'as choisi, clairement. Enfin, ça, me rappelle, euh, ça me rappelle une chronique de Pierre-Emmanuel Barré euh, qui disait ça justement au deuxième, enfin, juste un peu avant la fin du premier tour, euh, où Parodier, routel Kriev je sais plus qui disait... Euh... Ah non, non, donc euh, l'ennemi, la cible à abattre, c'est n'est plus Marine Le Pen, c'est Mélenchon. Désolé les Arabes, mais on préfère notre argent. C'est tout à fait ça, quoi. En, en c'est ça. Enfin, c'est bon, dit à la sauce Pierre-Emmanuel Barré, hein, mais euh, c'est exactement comme ça que ça passe. Mm. Le truc, c'est que s'il y a un deuxième tour, Mélenchon, Le Pen, je vois vraiment mal comment les médias qui ont, ont uriné depuis des années qu'il ne fallait pas voter Le Pen arriverait à, à virer leur cutie pour dire non finalement il vaut mieux voter Marine Le Pen que Mélenchon mmh. je ne vois pas comment ça pourrait passer euh... mais bon bah, déjà fait des... la hum. réalité c'est que Marine Le Pen économiquement euh, elle est tout à fait à droite euh, elle est pas, tu vois, ça, on lui prête comme ça parfois des... le fait qu'économiquement elle soit à gauche etc mais c'est complètement faux hein. si tu écoutes vraiment ce qu'elle dit économiquement elle est tout à mmh. fait libérale euh, voilà peut-être un peu moins que Macron mais c'est elle est quand même très différente, il, sait, il faut le noter. Euh, je, euh, comment il s'appelle Son père là, son dormant. Jean-Marie. Jean-Marie, Jean-Marie. Jean quand même bien plus libéral qu'elle. Il va falloir. Oui, oui bien sûr, mais, mais. libertarien. Et, hein, ouais. Mais Il sur... était, était très très. Il était réganien, donc oui, c'est sûr que. Voilà, c'est ça. Donc il euh, y a une évolution. Maintenant, le problème, c'est que. Euh, je, je pense qu'elle pourrait s'engager sur ce credo-là mais qu'elle a des gens dans son parti qui euh, pensent, eux, sont euh, libertariens, etc., et qui la poussent absolument pas à aller là-dessus. Mmh. Et, et, mais part, ne serait-ce que sur l'Europe, tu vois, euh, sur l'Union européenne, elle, a quand même beaucoup, euh, elle en a beaucoup rabattu. Euh, elle, est, elle parle beaucoup moins de l'euro, et c'était plutôt une tendance apparemment qui était menée par Philippot, qui a été éjecté parce que cette voie-là n'a pas vraiment pris. Donc aujourd'hui, il n'y a même plus de critiques vraiment de l'Union européenne concrète. Euh, ça reste, tu vois, des... Des mots, enfin, il, pas... il, il risque de la gagner, l'Union européenne, quand on regarde la, la composition politique en Europe. Il y a un très grand nombre, enfin, un certain nombre de pays où la, la droite et l'extrême droite montent hmm. énormément. En Autriche, et est au pouvoir. Oui. Euh, en, en Italie, en euh, il y a fort à parier qu'elle remporte un très grand nombre de sièges. Le Parti Fox, en Espagne, euh, fait des, des scores qui sont, qui sont absolument impensables six mois avant les élections. Donc, mine de rien, euh, on se rend compte d'un truc, c'est que quand elle a le vent dans le dos, elle se dit « Oh, finalement, l'Europe, c'est une bonne idée <laughs> !» mmh. donc, euh, voilà, ouais. donc voilà, c'est ce que... C'est un peu, le, 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 moi je pense, le reproche faire à la, à la gauche euh, radicale, ou un peu comme anti-capitaliste, bon. c'est d'avoir souvent attaqué euh, Le Pen euh, euh, par, par le biais de la morale, alors qu'il mmh. aurait été intéressant de la, de, de la pousser dans ses retranchements. Qui, doit, qui, qui se dit parfois défendre le, la classe ouvrière, etc. Est-ce qu'elle est, est, qu est favorable à une, une socialisation de la valeur euh, optimale avec une gestion ouvrière Est-ce qu'elle est, qu elle est, elle est d'accord pour une, une extension de la sécurité sociale euh, Par exemple, à l'alimentation. Est-ce euh, qu'elle est, qu est d'accord avec un salaire paysan Est-ce qu'elle elle est pour un salaire étudiant non. Ça, 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 ça serait intéressant pour la, pour, la faire, pour la révéler au grand jour. Le mmh. problème, c'est qu'on la souvent... Euh, euh, effectivement euh, attaqué euh, pas, pas vers ce bord-là et du coup on lui a laissé récupérer euh, des personnes orphelines d'idées de, 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 de défense de la classe euh, des travailleurs en fait quelque part et je, 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 trouve, ça je trouve ça même, un peu dommage parce hein. qu'elle n'a jamais défendu la classe des travailleurs elle a réussi à se donner ce masque si tu eh bien sûr, mmh. ben, oui, ben, ça. jamais eu. Comment l'héritière de Saint-Cloud pourrait défendre les pauvres Eh ben oui, Parce... mais on a, on a perdu par les, par les, les coups C'est pas ses à elle. Hein. C'est pas ce que c'est, un ouvrier. Faut, mais... faut, faut, faut jamais l'oublier, ça. Mais c'est vrai que si le débat s'oriente sur un Mélenchon-Le Pen au second tour, il va falloir commencer très sérieusement à attaquer le programme économique de, de Le Pen, comme tu le dis, Mangat. On l'attaque on sur le racisme de son, de son parti, sur l'antisémitisme, le racisme, plein, plein de choses qui sont vraies, mais voilà, on les a... On l'a dit, on le sait, il va falloir commencer à attaquer sur euh, bah, l'absence de fond de son programme. J'allais dire le fond de son programme, mais en fait, surtout l'absence et surtout le, le fait que ça va. Rien ne changera fondamentalement, comme l'a dit Joe Biden, euh, d'un point de vue économique. Donc, il va falloir commencer à parler de ça et faire prendre conscience à ceux qui sont tentés par ce vote-là, que, en fait, c'est encore un piège et une arnaque euh, à ce niveau-là, quoi. Je sais pas ce que tu en penses, euh, Johan. Bah, de toute façon, son programme économique. Euh... Il y avait un article, je ne sais plus dans quel journal c'était, j'ai entendu ça dans la revue de presse du Zul, qui faisait ce. Je crois que c'était dans le Parisien. Enfin bon. Euh, qui faisait ce constat, ce constat que tu, 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 tu faisais, Cali, hein, elle a un programme aujourd'hui économique, tout à fait libéral, euh, de droite, quasiment classique, en fait. Hein, et euh, et, et, et là-dessus, les autres pourraient l'attaquer. Euh, du coup, si vous en arrivant sur un ring, comme ça, sur un débat, en disant « Ok, quand vous voulez jouer sérieusement dans la vraie cour des, des vraies parties de gouvernement Ok, on, on va parler économie. » Comme c'est une, une quiche, c'est pas son truc. Hein. Euh, elle va être briefée n'importe comment, et comme elle est en débat, elle va perdre ses moyens. Ils pourront la gagner là-dessus. Mais en fait, c'est quoi aujourd'hui son programme économique Il n'y a plus de sortie de l'euro, il n'y a plus de sortie de l'Europe. Euh, c'est euh, des aides... C'est du, du, du trumpisme, en fait. Mmh. C'est un, un, un truc euh, tout à fait classique. Euh, voilà. Et en ce sens, euh, là-dessus, sur un débat, effectivement, euh, Mélenchon... Euh euh, Mélenchon-Le Pen, ou, ou si on a envie de, 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 de lui ravir un petit peu les quelques, les quelques égarés euh, de gauche qui ont pu essayer d'aller l'argent, euh, oui, là-dessus, juste pointer du doigt le fait que, regardez, c'est une continuité, en fait, ce n'est pas du tout une, pas du tout une, une rupture. Vous dites, euh, un des arguments qu'on entend très souvent, c'est « Oui, on n'a jamais essayé, mais regardez le programme, c'est ce qui est appliqué depuis... Euh, » Depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. Donc mm. en fait, euh, en fait, si on a déjà essayé, écoutez, enfin, on, passe, pas on, passe, ça, on passe à autre chose. C'est l'argument zéro en plus ça de la, de la, je sais pas moi. Tout, non monsieur, oui, c'est du mal. Pour si c'était, je sais pas, tu sais, euh, jamais essayé. Euh. j'ai jamais essayé de me couper ouais. la jambe non plus, tu vois, c'est pas pour ça que je vais ouais, le faire. Ah, ouais, c'est euh, ça. <laughs> <c 'est vraiment. rire> enfin, bon, c'est, voilà. Mais, quelqu'un disait que les sondages, de la presse bourgeoise étaient là pour euh, comment dire, euh, garder l'ordre bourgeois euh, bien en place, c'est exactement ce qui est en train de se passer. On est déjà, euh, c'est dans, dans plus d'un an, on est déjà en train de faire des, des, des trucs sur la comète, sur le front républicain, mmh. sur euh, comment la contrer. Euh, mmh. Je voyais une réplique euh, intellectuellement engagée euh, tout à l'heure, bah, il, il suffit peut-être de ne pas voter pour elle, mmh. pour contrer. <laughs> euh... euh... J'ai peut-être un truc intéressant à... Ah, raconter, euh, tu, tu parlais tout à l'heure que tu avais vu ça dans la revue de Précizu, alors j'en ai parlé de, de l'autre côté de, de l'aile politique, entre guillemets, il euh, y a un site bon qui est plutôt libéral, qui s'appelle entreprendre.fr, voilà, si jamais vous voulez euh, investir un maximum, alors je vais vous lire juste euh, les... Je les titres, c'est le pénible souvenir du débat présidentiel, voilà les grands titres. Euh, une gestion nationale et le préalable à une Europe efficace, bon, dans le paragraphe en dessous, il la démonte. Euh, le RN a oublié de mettre son, à jour son site internet, bah, c'est toujours le programme de 2017, signe qu'il n'y en a pas du tout euh, à jour. Euh, le règne du en même temps, bon, on retrouve le côté Macron. L'électorat désespéré par la situation économique, Bon, donc rien de vraiment positif. Plus contradiction, vous pouvez les voir sur leur site, je pourrais peut-être vous lancer le lien si jamais vous, vous le voulez, mais euh, même à droite, euh, en tout cas dans le libéral, euh, fait de personne ne lui fait confiance. Hein. C'est-à-dire que il euh, même quand on parle de libéralisme, etc., quand on parle des marchés, c'est censé, euh, ces choses qui sont censées lire. De ces mesures contre le marché, on parle de. Alors, attendez, faut que je retrouve. Euh, on parle de, de mesures fous. En parlant de euh, voilà, elle veut euh, comment dire réguler les marchés, bon pourquoi pas, mais euh, j'ai envie de te dire c'est quand même Hollande voulait aussi faire la guerre à la finance, hein, donc bon. Oui, mais... mais les petites phrases, ça n'engage pas vraiment à grand chose. Hein. Faut voir le fond, tu vois, faut voir comment elle défend ces trucs, et elle les défend de manière tellement nulle que. Mais je pense qu'en a... fait c'est même pas qu'il y a rien, c'est même pas qu y a, dire qu'elle défend le, le, le marché ou quoi que ce soit, c'est-à-dire que c'est vide. Non, je veux dire, comment il défend ses propositions de réguler le marché, tu vois C'est ça, il n'y a rien derrière. Oui, c'est juste, vide, c'est vide, il n'y a rien. Mmh. Ou presque. Mmh. Hein. Bon, je n'ai pas été regardé très précisément. Alors... alors que Mélenchon, on l'aime ou on l'aime pas, mais au moins il défend ce qu'il défend avec, euh, voilà, avec son mmh. talent. Quoi. Et puis les programmes sont écrits et puis c'est clair. Voilà. Donc c'est... Euh... Ah. Moi, euh, Johan, si jamais ça te dérange pas, je reviens revenir sur les, les sondages parce que j'avais pris quelques petites notes. Vas-y. Euh, alors, j'ai créé, une nouvelle créé un, un petit mot, un petit néologisme, <laughs> un peu nul. Bon, ouais, du coup, c'est les sondages nuls parce que je ne sais pas comment appeler ces sondages orientés. Euh, bah, plus plus qu'orientés qui n'ont euh, pas vraiment de valeur intrinsèque parce qu'ils ne démontrent absolument rien. Euh, je me demandais dans quelle mesure. Euh, on pourrait relier ça à la montée des, des médias euh, d'information continue, parce qu'au final, c'est ce qui leur apporte de l'eau au moulin. Et c'est aussi ceux qui peuvent payer ces sondages. Euh, voilà, il y avait ça. Il y avait aussi euh, la, sociologie, euh, comment dire euh, ouais, ça, la sociologie des gens qui font ces sondages. Est-ce qu'on n'est pas sur, quand même sur du 4CSP ⁇ Est-ce que euh, ça voudrait.. Euh, on pourrait aussi se poser cette question-là, des gens qui ont euh, une dialectique, qui ont une pensée... Euh, Peut-être un peu homogène. Il faudrait faire un sondage pour connaître l'opinion des sondeurs. Ouais, c'est un peu ça. Mais mais c'est marrant parce que peut-être peut-être même aller un peu plus loin, voir euh, quelle est la sociologie, quoi. Mmh. Est-ce qu'on est sur des gens qui euh, qui sont euh, typiquement exactement du même euh, type social entre guillemets. C'est ça aussi que je, du, du type social, enfin du même euh, dire, du même moule. Mmh. Les gens Et, qui euh, écrivent euh, les questions, etc. Ouais. ouais, Parce que encore encore on, on peut. Euh, Aller sur le côté, on peut discuter des questions, dire oui, ok, génial, mais d'où ça vient Est-ce que c'est pas, ça se trouve, c'est pas forcément volontaire Il y a peut-être une partie qui est complètement inconsciente. Si ça se trouve, il y a une partie des sondeurs qui font ça de manière très volontaire et pas non pas volontaire. J'y crois bien sûr. Ça, 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 ça moi j'y crois à mort, c'est toujours principe. Euh, euh, les, les, les... C'est une phrase de l'ordon, ça je crois, les individus ne, 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 ne font que ce que leurs conditions euh, euh, leur permettent de faire. Et donc eux, ils sont sincèrement, euh, quand je dis eux, on va dire les, les, les commanditaires et les producteurs de sondages, ils sont sincèrement persuadés que, euh, que ce qu'ils font, c'est bien, c'est normal, sinon ils ne le feraient pas. Tu veux. C'est euh, quand OSS 117 se marre en disant mais changer le monde, pourquoi faire Il est très bien comme il est. Tu sais, C'est ça leur, euh, leur, leur, leur position, évidemment. ils sont là pour perpétuer leur position, qui est une position dominante. Enfin, ça, la petite phrase que j'ai lue tout à l'heure de, de Pierre Veil quand il dit qu'il faut arrêter de dire institut de sondage mais entreprise de sondage, lui, il est tout à fait au clair avec, euh, avec sa position sociale, avec euh, sa position dans l'ordre dominant. Il dit non moi je fais du business euh, les mecs et donc il va pas aller faire des sondages euh, qui vont remettre euh, en, en question son, bah, son, son business Parce qu il faut qu'il qu qu puisse euh, perpétuer les conditions de sa position dominante ça, ça moi j'y crois non effectivement je pense qu'ils font ça en, en toute bonne foi ils se, ils, se ils, ils pensent sincèrement être des belles personnes <laughs> C'est euh... euh... ça la, la, la différence qu'il va y avoir entre un esprit taxé de complotiste et, et, et les sciences sociales. Les sciences sociales sont, sont tout à fait... Euh... Euh, au clair, avec le fait qu'il bah, les, n'y les, euh, a pas besoin d'une de, de, réflexion très poussée, d'une stratégie, il euh, y en a besoin aussi. Hein, mais, euh, mais, mais tout n'est pas mu par ça, en fait. Les, les gens font ce qu'ils pensent être, être bien. Et donc, bah, eux, ils font ça. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'une fois de temps en temps, il n'y aura pas un sondage euh, contre le capitalisme. Hein. Il y en a un régulièrement, chaque année. Pensez-vous que le capitalisme soit quelque chose de viable Et puis, euh, les réponses Hmm. Euh, notamment dans le monde occidental sont son, son très clairs hein. les gens répondent bah non on en a marre à une courte majorité hein. mais, euh, mais tous les ans c'est comme ça ça change pas grand chose il y en a qu'un est-ce qu'on pourrait créer est-ce qu'on pourrait créer des instituts de sondage euh, alternatifs ça je sais pas ça ce serait intéressant est-ce que l'outil est-ce que est-ce que l'outil est, est, est pourri par nature si tu veux ou est-ce qu'on peut est-ce que c'est un outil est-ce qu'on peut le tendre là pour le coup j'ai pas la réponse mais... bah, c'est une question dans beaucoup d'associations euh, qui ont un peu d'argent et qui se demandent quelles sont les actions à faire et certaines choisissent de commander des sondages euh, notamment je sais que Greenpeace le fait parfois et d'autres associations et ça coûte très cher donc c'est souvent un truc qui effectivement cher, ouais. provoque, provoque des débats parce que on se dit est-ce que c'est la meilleure manière de dépenser l'argent donc euh, voilà bah, je prendre un exemple euh, assez classique, mais euh, fréquemment, on a des associations euh, de, qui veulent la légalisation de certaines drogues, notamment le cannabis, qui vont, faire des so qui vont commander des ouais. sondages pour montrer que la, la vie de la population a évolué, et c'est vrai qu'on voit que ça évolue de plus en plus. Euh, pour une légalisation au fur et à mesure. Mais est-ce que voilà, commander ces sondages-là, c'est vraiment ce qui permet de marquer l'opinion et de faire se rendre compte des grandes tendances de société Ou est-ce que c'est finalement un truc un peu inutile Je ne sais pas. C'est un outil de communication, en fait, plus que ça. vraiment un truc de. C'est ça. Voilà, c'est ce qu'on dit un peu depuis le début, mais c'est ça. Quoi. Exactement. J'avais fait un petit tour euh, sur euh, le site de l'IFOP, qui est le plus grand institut de sondage français. Euh, J'avais regardé. Sur les trois dernières années, l'intégralité des sondages sociétés qu'ils avaient pu faire, et on retrouve effectivement plein plein de trucs comme ça Greenpeace, Emmaüs, des assauts. Tous les ans, il y a une association sur la prévention euh, du, je sais plus, des maladies cardiovasculaires, quelque chose comme ça, tu vois. Qui, euh, qui commande un sondage à l'Ifop, donc ça leur coûte, je sais pas, 20 000, 30 000 euros, euh, parce que ça coûte à peu près ça. Euh, et, euh, et, et en fait, c'est dans le cadre d'un plan de com, genre il y a la Journée nationale euh, lutte contre les maladies cardiovasculaires, et donc ils vont commander un sondage parce qu'en fait ils ont déjà un plan de communication de prévu. Euh, ils ont euh, un journal qui va leur faire un, un papier, et puis ça fait partie du truc. Il as y a il y a pas mal d'assauts. Euh, J'avais vu. Euh, euh, écolo aussi, qui se qui, qui se commande des petits sondages pour mettre des sujets à l'ordre du jour. Par exemple, l'an dernier, L214 en a commandé plusieurs euh, et euh, beaucoup de défense euh, de, de défense euh, des droits des animaux, on va dire euh, le parti animaliste, je crois, en avait fait aussi mmh. euh, sur les conditions euh, dans les abattoirs. Euh, sur euh, euh, quelle proportion de la population, notamment chez les jeunes, était en train de, de passer à un régime euh, végétarien ou, ou végétalien, ce genre de choses, ou adopter euh, un mode de vie euh, végane, ce genre de trucs. Et donc c'est pour mettre effectivement à l'agenda, euh, pas forcément politique, mais en tout cas médiatique et dans le débat euh, public, des sujets qui, eux, les intéressent. Le truc, c'est que oui, tout le monde peut pas le faire, tout le monde ne veut pas le faire aussi, par exemple. Mais il y en a qui s'en servent. Euh, je ne sais pas dans quelle mesure, euh, mesure c'est concluant, en fait. Je ne sais pas. Euh, est-ce que, est que ça crée une dynamique de faire ça ou est-ce qu'ils font un sondage parce qu'ils voient bien qu'il y a une dynamique qui est déjà en cours tu vois enfin, euh, Je ne je, je sais pas trop. Mais il euh, y, a, y a Ruffin aussi qui avait commandé un sondage à l'IFOP. Euh. Il y a deux ans je crois c'était marrant je vois pour fakir fakir ils se sont payés ça c'était euh, sur l'Union européenne un truc comme ça c'était euh, c'était assez assez étonnant et euh, pour revenir sur ta sur ta première euh, question euh, très rapidement sur le lien qui existe entre la multiplication aujourd'hui des sondages et euh, et, les chaînes d'info, on, on continue. Mais pas uniquement euh, également les, euh, les sites internet euh, d'infotainment, euh, les petites plateformes, les agrégateurs de contenu, les trucs comme ça. Il y a énormément de, de sondages qui sont commandés euh, par des sites internet comme ça. Et, euh, et les plus gros consommateurs de sondages sont évidemment... Euh, euh, les LCI, les BFM, euh, euh, les France Info, hein. France Info, ils sont maqués, euh, quasiment maqués avec... Euh, avec la boîte du frère de Jadot, Densou Consulting, euh, il se commande euh, par un sondage par jour, mais, mais, mais quasi, quoi. Un sondage par semaine au moins. Mmh. Et euh, pourquoi Au vu des conditions de pro des conditions de production de l'information dans une chaîne info et des émissions, ça euh, revient à ce qu'on avait vu tout à l'heure avec les, les graphiques tout moisis de Pujadas euh, sur LCI. Euh, euh, et ben, c'est un sujet pas cher. C'est comme la multiplication des, des, des talk-shows, quoi. Tu mets un Zemmour, un Nolo, ils vont papoter, ça va faire un petit peu de danse pendant les Nords, ça coûte rien. Là, oui. un sondage, bon, bah, tu l'as payé dit tu as, as peut-être des prix, tu vois, parce que tu, <laughs> tu en commandes un par semaine, ils te font peut-être un tarif. Euh, mais voilà, tu as mis 10, 20 000 balles, euh, bah, voilà, en fait, c'est à peu près l'intégralité du coût de production de ton émission. Et oui. puis tu blablates pendant, pendant 20 minutes, 30 minutes. Et ces news ils sont c sur ce modèle-là. Je, 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 je vois un lien, un lien direct quoi, et clair, assez clair, oui. évidemment. Ça avait commencé avant, hein, euh, bien, bien évidemment, hein, l'hégémonie des sondages, notamment sur les sujets qui sont mis dans le débat politique. Les sondages aujourd'hui forcent euh, les, euh, les responsables politiques à se positionner sur les questions qui sont posées dans les sondages. C'est plus eux qui mettent les sujets à l'agenda politique. Mmh. Euh, ça avait commencé avant, mais aujourd'hui la multiplication des trucs et puis des sondages bullshit, quoi. Il euh, y en avait un que j'avais adoré, moi. C'est, il euh, y a euh, euh, les sites de cul ils font énormément euh, de sondages. Les pornobles, euh, les marques d'Orsay, Haute Vidéo, ils font énormément de sondages. Parce que c'est un peu rigolo, tu vois, ça va être repris dans la presse, et puis on va parler d'eux, et puis, euh, et puis, et puis, et puis, et puis c'est nul. Enfin, ça ça n'apprend absolument rien. Et ça devient quasiment un, un outil euh, fun fact, tu vois. Oh, tiens, mmh. regardez, fun fact! Il y avait un sondage sur la sexualité des Français euh, en fonction de leur euh, sympathie euh, politique. C'était trop fort. Avec une analyse détaillée du nombre de rapports sexuels euh, en moyenne par euh, semaine chez les électeurs de Bayrou. Ça n'avait aucun, aucun intérêt, tu vois. Sachant que c'est déclaratif en plus. Oui, voilà. Sachant que euh, si tu veux vraiment en plus en apprendre euh, sur la sexualité des Français, t'as les études sociologiques qui disent qu'ils sont très sérieuses. Enfin, mm. Voilà, tu, tu peux toujours avoir l'info. Euh, la vraie info, elle est ailleurs, quoi. <laughs> Voilà, mais euh, mais oui, moi je vois un lien euh, clair et direct. Hein. Du coup, j'avais une autre question tu le que bon, on, a... Alors on va dire au revoir à Mangat, euh, ce qui doit ah, il doit nous quitter. Voilà. Qu il oui. Ex Excusez-moi les amis, je vais Il souci. Merci beaucoup de m'avoir fait monter au cali. Bah, merci je de ta me participation. De venir discuter avec vous. De même. Merci, Johan, merci à tous pour à votre, votre engagement et, et l'utilité de, de celui-ci. Voilà. Merci je, beaucoup Mangat. parle loin de kali que le sais Merci. Oui, t'inquiète pas. Merci beaucoup, gars de s'être passé et à la prochaine. Salut. Salut à toi. Donc, um... euh, Slash, oui, tu voulais réagir. Et je vais vous mets le lien d'ailleurs si vous voulez intervenir. J'ai même pas mis le lien depuis le début. Euh, oui. Mais effectivement, l'antenne est ouverte. Vous pouvez intervenir, venir poser vos questions, réagir. J'aimerais bien qu'on parle un peu du PIB aussi après. Donc, on va laisser Slash poser sa question et qu'on qu revienne un peu sur cette notion du PIB. Ça me semble être important également. Et je vous mets le lien dans le chat. Slash. Et eh bien, euh, voilà, moi je vais parler un tout petit peu d'ubérisation parce que euh, bon c'est mon analyse très très simpliste, hein, mais j'ai l'impression que Macron il a ubérisé la politique. Quand tu dis euh, qu'il a, euh, quand, on, quand, on est, quand on voit le nombre de personnes qui ne se rattachent plus à euh, des grandes valeurs de droite, de gauche, etc., j'ai l'impression que les gens, en fait, ils se, maintenant ils prennent les parties un peu comme une entreprise. C'est l'idée, c'est on va vous, vous utiliser pendant un an, on va vous soutenir pendant tant de temps, puis après on va changer. Je sais pas si c'était bah, Ma petite analyse, et je me demandais euh, très spécifiquement sur le les rapport, instances de sondage. Est-ce que euh, ça a été un secteur qui a été touché par ces trucs-là, ou est-ce qu'il y a un monopole qui fait que euh, ces entreprises-là peuvent euh, rester sur le, ce secteur-là sans forcément évoluer, ou avoir des nouvelles méthodes, peut-être plus éthiques ou autres, qui arrivent Est-ce que, euh, bah, est que déjà il y, y a des nouveaux dans les sondages, ou est-ce que c'est les mêmes boîtes qui tournent sans fin et sans fin il euh, y en a des nouveaux qui apparaissent régulièrement, ouais. effectivement, euh, notamment depuis que euh, les sondages sont passés euh, en, en full internet. Il y a, quelques... Il y a une grosse recomposition du paysage, euh, de, de, de comment ils disent, de l'écosystème, c'est comme ça qu'ils disent les libéraux, euh, des, des, des entreprises de sondages. Il euh, y a un super bou... y a un mec qui a écrit un super bouquin, euh, un, docto... un, un docteur. En... C'était sa thèse de doctorat. s'appelle. Euh, un laboratoire du salariat libéral, il utilise le terme de salariat libéral, tu vois, mais c'était juste avant qu'on parle d'ubérisation. Et, euh, et euh, il, il parle de ça, il s'appelle Rémi Cavin. Il euh, y, 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 y a plusieurs choses. Quand c'était encore sur, sur papier ou par appel téléphonique, c'était des énormes euh, concentrations. De, euh, euh, du marché des sondages entre quelques entre quelques boîtes. T'avais Ifop, t'avais Ipsos, t'avais euh, un peu euh, un peu Opinion West. Euh, début des années 2000, Opinion West c'est les premiers qui ont pris le virage full internet. Donc avant ces gars-là, c'était des gros conglomérats tout à fait respectables. Ils avaient, euh, ils avaient des, des situations de quasi monopole sur, sur certains marchés. Euh, Ipsos par exemple avait le monopole sur les euh, sondages d'État. Voilà. Et, euh, et depuis, il y, y, y a beaucoup de, de petits acteurs qui, qui, qui ont euh, émergé, puisque c'est beaucoup plus facile d'avoir euh, accès à des, à des, à des outils d'enquête en ligne. Et c'est devenu euh, pas cher, en fait, d'avoir l'outil d'enquête. Ce qui est cher et ce qui est compliqué, c'est d'avoir les panels. Aujourd'hui, euh, tiens, question. Quelqu'un a déjà été appelé ou consulté pour un sondage d'opinion ah Oui, ça m'est arrivé. C'est arrivé, ouais. J'ai re regretté amèrement d'avoir accepté de répondre. Tu peux troller. Ouais, j'ai trollé un moi, petit peu, j'ai trollé gentiment. Bah, en plus, c'était un, un sondage commandé par McDo sur l'opinion que les gens avaient de McDo. Donc, t'inquiète, j'ai tout mis dans le... Voilà, oui. C'était <laughs> défavorable, mon avis était défavorable. Mais ça a duré des plombes et c'était très chiant. Ouais. Euh, ben moi ça ne m'est pas arrivé depuis très très longtemps. C'est une dizaine d'années. ouais, moi aussi, la dernière fois que ça m'est arrivé, c'était comme ça. Hum. Euh, aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est qu'ils se construisent des panels. Ils interrogent. Euh, ils ont à peu près 5000 contacts, 6000 contacts, 10 000 contacts, je ne sais pas combien ils en ont. Ils en, interrogent, ils en piochent 1000 à l'intérieur de ça, à chaque sondage. Et puis, en fait, c'est les mêmes personnes qui répondent aujourd'hui, mmh. à peu près au sondage. Mais tous... Les Français représentatifs. C'est ça. Mais avec les techniques d'extrapolation, si tu veux, avec les redressements, les machins comme ça, au final, tu crées un, 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 un artefact qui est le sondage et qui, mmh. qui bon, est décorrélé de. Voilà, de, 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 pas forcément de ce qu'ils ont répondu, mais bon... Est-ce est qu'il n'y avait ça, pas un ça, peu ça, le, ça, même, ça. le même phénomène avec les audiences télé, quand on, disait, euh, quand on dit 2 millions, 3 millions de personnes, est-ce que ce n'est pas une extrapolation aussi d'un bah, voilà, échantillon bah, Totalement, euh, Médiamétrie, euh, qui est euh, la, la boîte qui, euh, qui mesure, euh, mesurait, parce que je crois que c'est plus ah si, c'est encore eux maintenant, enfin bon, ils avaient 3000 boîtiers en France, il y avait 3000 foyers, en fait, qui, euh, qui, qui, qui faisaient des, euh, des mesures pour l'audience. Donc, euh, voilà, 3000 foyers. Quand ils disaient, en fait, euh, vous faites 10% de part de lance, en fait, il y avait 300, Et il y avait 300 personnes qui regardaient. Aujourd'hui, techniquement, 300. avec les box, tu pourrais avoir le nombre de viewers, même en live, tu vois, le nombre de, ouais, de box connectés à TF1. Il me semble euh... que c'est comme ça qu'ils font maintenant, en fait, sur le moyen technique pour concernant les box je crois alors de, de mémoire que les les, les dire euh, on transmet toutes les, les chaînes entre guillemets à du, du, dans le même en même temps c'est à dire que euh, théoriquement en tout cas jusqu'à un certain jusque pas forcément les dernières box par internet mais les box par ADSL euh, passaient ce que je dis bien que passaient que les, ce que j'ai étudié c'est des vieilles box euh, en fait on voyait toutes les chaînes en même temps donc c'était pas possible euh, Mmh, savoir qui regardait euh, quoi voilà il hein. fallait voilà installer un boîtier sur la boxe enfin mais... ouais, ça me semble pas techniquement infaisable de ah d'avoir un mais truc euh... qui mesure vraiment qui je regarde quoi, monitor, quoi en train de passer, ouais. voilà euh, après euh, c'est peut-être une... euh, peut-être aussi des questions de vie privée aussi de transmission des données je ne sais pas exactement euh, mais toujours est-il que oui. la radio par exemple euh, là c'est sûr et certain que tu ne peux pas savoir qui écoute sur la bande FM telle radio avec précision mmh. puisque voilà typiquement euh c'est compliqué une et d'ailleurs les... ces, on... ces enquêtes là sont... j'ai déjà été appelé aussi pour une enquête radio c'est absolument horrible parce qu'on te dit hier de 8h à 8h15 ouais. quelle radio avez-vous écouté ne serait-ce qu'une seule fois et es là ben euh, je sais pas France Culture de 8h15 à 8h30 qu'avez-vous écouté ne serait-ce qu'une seule fois c'est ça dure pendant des plombes comme ça ils te font toute la journée et après ils extrapolent à partir de ça le... les centaines de milliers de personnes qui écoutent quoi c'est ça et, et donc, euh... comme tu dis c'est un artefact c'est un chiffre qui est construit oui et qui est finalement très présenté en pourcentage, mais il voilà, y, y a une marge d'erreur importante, et ça ne représente pas vraiment les choses. C'est ça. Euh, et, 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 oui. et, et du coup, sur, sur, les, sur les entreprises de, de sondage et les nouveaux acteurs qui peuvent, qui peuvent émerger, les nouvelles sociétés, euh, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils se font racheter le plus souvent par les gros. Et il y, 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 y a un mouvement de concentration qui, 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 qui se remet. Euh, en marche, là, depuis, depuis quelques années. Enfin, ça, c'est dans le bouquin de Cavin, euh, où, où ils expliquent en fait, ils se rachètent entre eux, euh, ils font des énormes conglomérats internationaux, euh, et puis euh, les boîtes rachetées deviennent les, les filiales nationales. Il euh, y a Densu Consulting, qui est, est, est l'exemple qui me vient en tête, qu'on entend beaucoup avec France Info. Euh, en France, donc c'est le président de ça, je crois, si c'est encore lui, c'est Thierry Jadot, donc le, le frère de, de Yannick Jadot, qui est, un, qui est un homme d'affaires. Et euh, Densu Consulting France est une boîte de sondage qui appartient euh, à une société d'assurance japonaise. Et par le jeu de plein de filiales, comme ça, ils arrivent à faire des <laughs> à avoir des boîtes de sondage en fait. Parce qu'ils font aussi euh, de l'étude de marché et de l'actuariat. Et donc, euh, ils, se, ils, se, ils se donnent... Euh, ce petit moyen d'être un peu connu euh, de, de, et de mettre, euh, de mettre en œuvre bah, plein de techniques statistiques qu'ils ont. Ils disent, tiens, bah, c'est de la stat, pourquoi pas. Quoi. Alors qu'à la base, ils font surtout du calcul de risque en assurance. Tu vois. Ils font ça comme ça. Euh, à l'inverse, et c'est là qu'il y a une espèce un peu de lutte des classes euh, au, sein des, euh, au sein des sociétés euh, de sondage, c'est que euh, tu, tu as... Euh, euh, cette concentration entre des, des grosses, grosses mains qui se vendent, qui se rachètent euh, des, des énormes boîtes. Et à l'autre bout du, du processus, tu as les enquêteurs. Les gens qui euh, font les questionnaires, les gens qui analysent ces questionnaires, euh, les gens qui vont redresser euh, statistiquement les choses. Ces gens-là sont euh, en général des vacataires. Ils sont, ils sont employés sous le statut de la vacation. Euh, à l'époque où Cavin écrit son bouquin, c'est 2014, je crois, quelque chose comme ça, on imagine bien qu'aujourd'hui, ces gens sont auto-entrepreneurs. Euh, J'en mettrais ma main à couper. Euh, mmh. et, euh, et donc, ils, ils vivotent. Il euh, y en a qui ont une carrière complète euh, en vacation. Euh, la vacation, un, un, pour résumer, hein, c'est un, un des pires statuts de travail qui peut exister. Hein. Euh, C'était euh, le contrat de projet avant le contrat de projet, sauf que t as, t as, t as, si je me souviens bien, tu n'as ni le droit à des congés, ni à, à des avantages, enfin bref, à rien. Et euh, il appelle ça euh, du salariat libéral, euh, Rémi Cavin, dans sa thèse. Euh, puisque ces gens, en fait, c'était ubérisé avant l'ubérisation. Mmh. C'est-à-dire qu'ils euh, sont salariés, mais quelque part, ils, ils sont entrepreneurs d'eux-mêmes. <laughs> oui. Tu vois, ils, 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 ils construisent leur parcours eux-mêmes comme une profession libérale, en fait. Et, euh, et ces gens-là sont, euh, sont souvent payés euh, au questionnaire euh, ou, euh, ou au projet. Euh, donc, euh, tu arrives, euh, tu as euh, ce sondage à faire, euh, tu as une semaine, euh, et tu, fais, tu, fais le, tu fais le projet, puis tu seras payé après. Et tu seras bah, ré, forcément réembauché euh, derrière. Quoi. Et il y a un dernier truc, c'est la bataille euh, qu'il y a aujourd'hui sur les data centers. Euh, de plus en plus souvent, les, les entreprises de sondage ne sont même plus propriétaires de leurs données parce que ça coûte trop cher. Ça leur, ça leur coûte, euh, alors que ça coûte beaucoup moins cher qu'avant puisque c'est la donnée numérisée, mais ça leur coûte quand même trop cher. Et donc ils, ils délocalisent leurs données dans des data centers qui sont souvent en Europe de l'Est. Si je me souviens bien, il y a un des plus gros qui est en, en, en Bulgarie ou en Roumanie. C'était c'est OpinionWay ou Odoxa, je ne sais plus. Enfin, un gros institut sondage français qui a tout délocalisé là-bas. C'est-à-dire que c'est même c'est même plus eux qui assurent sur le territoire français. Euh, la maintenance, euh, la sécurité des données, euh, ce genre de trucs. Donc c'est un double mouvement. Mmh. C'est assez dramatique les conditions de travail dans, dans les boîtes de sondage. Hein. Oui, tu disais que c'était une des premières formes d'ubérisation et, et je repensais à ben, le, le télémarketing. Quand j'étais jeune, c'était un peu un des, des premiers petits boulots qu'on pouvait faire un peu comme ça et les conditions de travail étaient épouvantables, personne ne tenait plus de deux mois. Il y avait un turnover énorme. Et finalement, euh, quand, tu, quand tu poses des questions aux gens toute la journée par téléphone, alors je ne sais pas si c'est encore, du coup tu disais que c'était aujourd'hui plus par Internet. Ouais, J'imagine qu'il y en a encore qui le font. Ouais. Sur le sondage d'opinion, en tout cas, ça se fait de moins en moins. Maintenant, euh, ça, se, ça se voit hein, quand tu vas voir les, euh, les documents. Euh, tout de suite, c'est marqué, ce questionnaire a été réalisé par Internet en auto-administré. Mmh. Et okay. auto-administré, c'est-à-dire que c'est toi qui cliques sur, sur les boutons. Okay. En revanche, euh, pour tout ce qui va être études sur des produits... Euh, études de marché, etc. Là, c'est encore des gens qui appellent, effectivement. Et du coup, les gens qui appellent, euh, qui passent leur journée au téléphone, à répéter les mêmes phrases en boucle, avec une pression d'aller vite, de faire le plus de chiffres, etc. C'est une sur qui sont sur écoute, exactement. C'est une situation précaire euh, qui est qui est absolument euh, épouvantable aussi. Et depuis très longtemps, c'est vrai que c'était avant qu'on parle d'ubérisation, ça existait déjà euh, ce, ce type de boulot. Enfin, moi, j'ai plein d'amis qui ont ouais, fait ça, euh, et c'était vraiment euh, horrible, quoi. Vraiment des conditions de travail horribles. Il y, y a un documentaire là-dessus euh, qui a été fait sur les, les télévendeurs, en tout cas mm. un beau travail qui a été fait par oui, oui, oui. Elise Lucet. Je pense que tu as vu euh, la même chose. En tout cas. Oui, oui il, y a, il y a quelques années ouais. déjà. Oui, voilà, c'est ça. Mais même je trouve que c'est encore vachement d'actualité. Puis d'autant plus, ça concerne des entreprises dont on ne se doute pas forcément. C'était les pages jaunes. Moi, qui mm. Oui, oui, oui. la privatisation pensais... des pages jaunes, ouais, c'était tout un truc. Ouais. Bah, c'est ça. Bah, après, surtout, ce qui est, 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 est assez. Euh... C'est bizarre c'est de se dire qu'il y a euh, voilà, cette, cet objet qui a été euh, dans tous les ménages ou presque, qui est devenu aujourd'hui euh, quelque part presque inutile. Mmh. Et euh, parce qu'aujourd'hui être bien référencé sur Google, c'est quand même vachement plus rentable que d'être dans les pages jaunes, hein, je, je pense. Ouais. Je, mais je mais pense il, il me semble qu'ils ont même arrêté la production euh, cette année, je crois. Des oui. Ils ne sont plus en ligne. Mais du coup, du coup, la question est de savoir euh, qui en fait va sur les pages jaunes, quoi. Mais... Et donc, du coup, est-ce que m'est arrivé récemment bah, Ça arrive parce que, le... que, je parce que Google demandé... t'envoie vers, le... vers la page jaune, en <laughs> fait. Ouais. Non, je cherchais un dentiste, je crois, et euh, comme un con, je, me... je suis pas allé sur amélie.fr, je suis allé sur les pages jaunes. C'était stupide. <laughs> Une erreur. On fait tous des erreurs. Mais euh, du coup moi je voulais revenir sur le PIB parce que ça me paraît important puisqu'on parle de chiffres et de propagande et on n'a pas parlé vraiment, enfin on a parlé des retraites, du chômage, de beaucoup de, de choses importantes évidemment mais le PIB c'est euh, le chiffre de la propagande par excellence parce que c'est une construction et on, on l'a bien expliqué aujourd'hui que ces chiffres-là euh, ben, très souvent c'est des constructions, c'est pas des chiffres qu'un qu ordinateur va nous donner, c'est on, on va accumuler plusieurs choses et le PIB c'est emblématique de ça un peu tout et n'importe quoi dans, dans le PIB et euh, on guette la croissance de ce fameux PIB comme si c'était euh, voilà le, le, le retour du sauveur quoi du Messie si on a de la croissance tout va aller bien mais du coup la croissance c'est juste l'augmentation d'un chiffre le PIB il y a quoi dans le PIB qu'est-ce que ça représente le produit intérieur brut qui est censé être euh, l'accumulation de toutes les richesses produites euh, en France en, en une année Qu'est-ce que vraiment ça comptabilise Alors, le PIB, c'est euh, là qu'il y a déjà un twist. C'est qu'effectivement, on dit souvent que c'est la, euh, la somme de toutes les richesses produites oui. en une année dans un pays. Exemple. Sauf qu'en fait, euh, pas tout à fait. En fait, c'est la somme des valeurs ajoutées. Et euh, c'est dommage que Manga ne soit plus là en tant que friotiste qu'il aurait pu nous en parler. Euh, mais c'est la somme des valeurs ajoutées pour une raison euh, assez, assez euh, simple, on va dire. C'est que par exemple, si tu euh, mettais dans le PIB euh, ce qu'on appelait les richesses, donc les, les productions. Hein, en fait les productions concrètes euh, matérielles ou immatérielles hein, dans le cadre d'un travail salarié parce qu'il n'y a que ça qui rentre dans le PIB hein, dans le cadre d'un travail dans un marché du travail euh, ton travail bénévole il n'est pas dedans euh, par exemple eh bien j'ai frisé c'est bon c'est bon <laughs> suis avec nous euh, on t'entend et bien par exemple sur un, sur, un, sur un comment un, un journal un magazine quelque chose comme ça il va y avoir un problème, c'est que le papier sera compté trois fois. Il sera compté par la personne qui a euh, fabriqué le papier à partir de là, sur l'imprimeur qui aura imprimé le magazine et sur le magazine. Donc en fait, euh, le PIB, c'est un peu technique, mais euh, ça ne compte que la plus-value que chaque acteur a fait sur la, la production. Voilà. À partir de là, <laughs> on a commencé à faire une collection de trucs assez hétéroclites, euh, effectivement, puisque... Euh, si, ça, si ça, ça additionne les valeurs ajoutées, c'est donc dans le cadre d'une économie marchande. Seulement, dans le PIB, on ajoute également euh, tout ce que produit la sphère publique. Et donc, c'est non marchand. Et donc, c'est là qu'on a commencé à, à, à additionner euh, euh, des choux et des carottes. Euh, on fait un petit peu différemment pour ça. Là, on ne va pas prendre, euh, en gros, la facture. Euh, parce que c'est comme ça qu'on fait, hein. c'est la facture des produits euh, qu'on met dans le PIB. Et donc, comme dans le service public, il ben, n'y a pas vraiment de facture, on va mettre les coûts de production. Donc, on va mettre des coûts de production d'un côté et, et des, des factures de l'autre, des, des, des dépenses de l'autre. C'est déjà deux trucs, deux trucs un peu différents. Et euh, quand tu grattes un petit peu, tu te rends compte que... Euh, dans le cadre euh, d'un du, reflet euh, plus euh, juste, euh, plus complet euh, d'une économie euh, nationale, euh, il a été décidé par exemple au milieu des années 2010 euh, de mettre les revenus euh, estimés euh, liés à la prostitution ou au trafic de drogue, mmh. par exemple. Euh, C'est une recommandation mondiale de faire ça. Euh, donc certains, euh, je l'évoque dans la conférence, ma mais bon, certains ont pris le, le, le pli plus rapidement que d'autres. Hein. L'Italie a été parmi les premiers à, à se mettre sur le coup. Ça leur a fait deux, deux points de croissance en plus. De croissance de ce truc du PIB. Bah, mm. Parce que tu ajoutes autre chose et donc écoute, bah, tu as, as une croissance. Quoi. Nous, on a traîné un peu les pieds. Mm. Donc une croissance est liée, une croissance beaucoup, ouais. liée à l'estimation du trafic de drogue et de la prostitution dans le pays. Ouais, c'est ça, oui. C'est ça. Alors c'est fait avec les, saisis, les, 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 les montants des saisies. Euh, mmh. euh, voilà, on estime quoi. On sait est estimer euh, oui. à peu près correctement ce genre de... Tous les reçus que les dealers tiennent, par exemple. C'est ça exactement. Oui, bah, oui, oui. parce qu'ils ont des, des, des... Ils ont leur... des, ah. des, Le compte super bien tenu. Et les petits tickets, tout ça, bon. suis... c'est transparent. Question, comment on fait. On, on prend chaque, enfin, les qu'on arrête, on fait, on compte les sous et puis on se dit bon, bah il y a tant de dealers estimés en France et ça marche comme ça. Comment on fait ça, ça, ah, C'est une estimation. Non, hein. on... Je ne sais, sais pas comment concrètement ils font, si tu veux, mais euh, au, au, au vu des saisies qui sont faites par exemple par la douane, on peut estimer. Euh, en, en gros, les quantités saisies par la douane euh, représentent l'échantillon. En fait, comme dans un sondage, hein, euh, les 1000 personnes que tu interroges, c'est l'échantillon et tu vas essayer de refléter la population française. Donc les saisies, ça va être l'échantillon. Il euh, y a une valeur à cet échantillon. Euh, valeur qui est souvent d'ailleurs euh, vachement. Euh, sur, mmh. Surestimé. Oui. On entend souvent la télé, oui, alors euh, on a saisi de l'héroïne euh, ou de, du, du cannabis, euh, il oui. y en avait pourtant, etc. Et tu regardes les mecs ils ont saisi trois pieds, tu vois. Tu, tu fais « euh, tu connais un peu la valeur du shit dans la rue, tu dis non, c'est pas c'est pas possible. Oui, <laughs> ah bon. oui c'est sûr que si tu, si tu prends l'estimation haute du prix de vente d'un gramme de cocaïne dans la rue, c'est sûr que le kilo, au kilo, ça peut faire des sommes tout à fait extraordinaires alors que c'était peut-être pas du tout... Euh, oui, ça ne prend pas du tout en compte ni la qualité, ni quoi que ce soit. Donc, c'est là encore des estimations, et on va oui. peut-être rentrer ça dans le PIB aussi, du coup, on va, on va dire, voilà, un temps de... C'est complètement, ouais. est complètement ça, comme ça qu est, que c'est fait. Et mmh. les douaniers, euh, les, les services statistiques des, des, du ministère de l'Intérieur, ou des choses comme ça, euh, doivent avoir une idée à peu près, euh, si tu veux, du montant qui saisissent par rapport au montant qui oui. pas. Ça, c'est quelque chose qui, 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 qui est, qui est chopable, quoi. Donc, Mais Le PIB, tu as ça, et puis tu as, as plein de trucs. Et puis mais pour l'estimation a... du, du trafic de drogue, juste une, tu vois, vu que c'est une estimation, que tu considères que le, le gramme de cannabis s'échange dans la rue à 15 euros ou à 5 euros, tu auras un résultat sur le PIB drastiquement différent. De ça, oui, ouais. bien sûr. Donc, tu vois, c'est des petits arrangements. On peut, tu peux faire monter les PIB juste en mettant le gramme de cannabis sur ta, sur ta feuille Excel à 25 euros. Et puis, d'un coup, oh là là, incroyable. Vu que les Français ont fumé tant de tonnes de, de cannabis, quelle, quelle croissance exponentielle. Même si tout ça est illégal par ailleurs, qu'on arrête des gens pour ça, etc., on va quand même se féliciter que le PIB augmente grâce à ça. C'est formidable. Mais euh, on, on peut même aller en plus loin dans la petite fiction. Du coup, euh, il est nuisible au PIB d'avoir une lutte. Une lutte contre les stupéfiants. Ouais, on devrait encourager ouais, en fait l'usage stupé... de stupéfiants. Est que... Le PIB, si tu veux, euh, il, il, il est ni moral ni immoral, il est amoral. Il, il S'en fout. C'est un, un, un chiffre, et il additionne des trucs, voilà. Et puis bah nous, comme des cons, chaque année, on regarde si ça a augmenté ou pas. Qui le calcule ouais. C'est euh, l'INSEE qui le calcule. C'est une division euh, qui est que là-dessus. Ils sont pleins. Et c'est une tannée, apparemment, parce qu'ils ont des trucs qui viennent de absolument partout. C'est de le, l'enfer. Et c'est pour ça d'ailleurs que chaque année, euh, au premier trimestre, ils publient des PIB révisés. Parce que, en fait, il euh, y a tellement de trucs qui arrivent qu'ils n'ont pas le temps de les calculer dans. Dans, dans, dans les temps médiatiques de communication, si tu veux, il faut que les, il faut que les comptes de la nation, qu'un document euh, politique bien précis euh, soit sorti euh, à telle date, et, euh, et les mecs ont jamais euh, peuvent jamais, si tu veux, sortir un chiffre vraiment euh, bien carré, euh, calibré, dont on soit euh, à peu près sûr euh, à la bonne date. Donc en général, ils publient des, des, euh, des petites révisions. Alors c'est à la marge, hein, mais euh, mais voilà, pour euh, inclure euh, les consommations personnelles, par exemple, parce qu'on met ça aussi dans le truc. Euh, par exemple, euh, si tu as un potager, il bah, y a une certaine partie de, cette... de ta production qui va, être, euh, qui va être comptée, par exemple. Ils ne euh... savent pas ce que tu as produit, hein, ils ne savent même pas si tu as produit dans ton potager, mais ils estiment. On estime, en fait. C'est pour non. avoir une... une notion comme ça, mmh. un petit peu, de, 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 de... si tu n'avais pas... Euh... Euh, si tu n'avais pas euh, fait pousser ton poireau, tu aurais dû l'acheter. Donc, euh, mm. voilà. le PIB doit mouiller. Bah, sur sur ça, oui. Mais après, si tu veux, c'est des montants qui sont quand même vachement moins mm. que les ventes d'avions, euh, oui. les ventes de missiles ou les ventes de cognac. Euh, ou de On demande. Bordeaux. Euh, demande si le salaire des fonctionnaires affecte le PIB de manière positive ou négative. Alors pour le coup, euh, pour le coup, c'est positif dans le PIB. C'est pour ça aussi, euh, si tu veux, c'est vu comme un coût. Mais puisqu'on a défini euh, la participation au PIB euh, de la sphère publique non marchande comme euh, basée sur les coûts de production, bah là, pour le coup, ça devient positif. Mmh. Mais d'un du euh, euh, autre côté, euh, c'est réputé ne pas créer de valeur ajoutée. Donc, la somme, la somme est, est un peu nulle. Quoi, ça, ça nulle un peu. Par Parce rapport, que, ça. avec leur salaire, les fonctionnaires ils vont acheter des, des produits qui. C'est en ça que ça a un impact. Voilà. C'est sur la consommation. Donc, si demain, par exemple, on mettait, on mettait en place un salaire à vie qu'on donnait 1500 euros à tout le monde chaque mois, on pourrait générer de la croissance juste par ce fait, sans doute, puisque les gens pourraient plus dépenser et plus acheter, etc. Je ne pense pas que ce soit le meilleur argument, mais en l'occurrence, ouais. dans, dans un but de croissance. Pourquoi ne pas donner de l'argent directement aux gens pour qu'ils puissent consommer et le dépenser Mais c'est hein. une politique économique que beaucoup de pays ont, ont fait. Hein. L'argent parachute, mmh. ça s'appelait comme ça. Euh, les États-Unis l'ont États fait, je crois. Les États-Unis le fait, font. Oui. Voilà, tu, tu files du pognon pour, pour, pour que ce soit consommé. C'est pour ça. Les, 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 salaires, les salaires, normalement, du privé ne rentrent pas dans le PIB, si tu veux. Ils n'y rentrent que par leur investissement ou leur. Ou leur consommation. Voilà. C'est en ce sens que c'est un peu bâtard euh, à chaque fois de mettre euh, bah, du non-marchand dans de, du public, hein, dans, dans le PIB. Tu fais rentrer les salaires, euh, la flotte qui a été consommée, je sais pas, euh, euh, dans une école, tiens, tu as, as de la lumière, tu as ça, et tu as, as, as des coûts. Est-ce qu'on enlève normalement la valeur ajoutée dans le privé Bah là, en fait, non. Là, on l'ajoute. Parce que c'est ce qui a été mis en œuvre pour produire un service ou un bien. Est-ce qu'il existe des métriques qui seraient faites par des ONG, des entreprises, peu importe, hein, pour, euh, qui seraient peut-être plus précises Parce qu'on imagine que bon, les Chinois, les Américains, etc., n'ont pas les mêmes critères que nous. Ça se trouve, ce qu'il y a dans le public, il y en a voilà. plein. D'accord. Et donc du coup, comment on fait Est-ce que au euh, niveau international, parce qu'on est en train de, de nous casser les couilles avec les gares commerciales euh, Sino-américaine. Euh, bon, la question est de savoir est-ce que c'est vraiment euh, logique de vouloir comparer euh, les PIB en disant le premier pays, le deuxième pays, ça va être la Chine, machin. Bref, enfin, est-ce que quelque part euh, on s'en fout ou on a une métrique qui nous permettrait objectivement de comparer les deux la, la métrique utilisée, c'est le PIB par euh, par tête en parité de pouvoir d'achat. C'est une construction comme ça. En fait, au lieu de dire parce que ça n'a aucun sens, effectivement, comme, comme, comme tu le remarques euh, bien, de, de, de comparer les États-Unis euh, à, euh, à, à la Belgique, tu vois, ou à Andorre, tiens, je ne sais pas combien ils font de PIB, mais on, on, on imagine que c'est vachement moins. Donc effectivement, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on rapporte au nombre d'habitants et on, on fait une petite construction. Qui fait que virtuellement le coût de la vie serait le même. Euh, si le coût de la vie était le même dans, dans chaque pays, euh, voilà, ce est, voilà ce que serait la richesse par tête de pipe. On appelle ça en parité de pouvoir d'achat. Donc c'est une métrique qui permet à peu près de comparer euh, les pays entre eux. Ouais. Mais euh, encore une fois, sur, sur la production, si, si, si on veut regarder autre chose sur la qualité de vie, euh, qui, qui, qui n'est pas la production de valeur ajoutée, enfin, qui la dépasse largement en tout cas, euh, ou sur, je sais pas, les dommages écologiques, euh, les trucs comme ça, euh, cet indicateur ne dit rien euh, de tout le reste en fait. Ne dit, ne, cet indicateur ne dit rien euh, en dehors du, du capitalisme puisqu'il s'agit de valeur ajoutée. Il dit absolument, il, il est aveugle à tout le reste. Il s'en tape, il s'en tape une marée, une marée noire est positive. Tu vois Dans ça, ça je dis que c'est amoral. Euh, c est, c est une marée noire est positive, hein, un, un feu de forêt est positif parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui viennent réparer les conneries. Et donc c'est du travail. Et donc c'est... Euh, on produit euh, un truc, même si c'est pour euh, réparer des conneries. Mmh. Et donc il y a plein d'autres trucs. Hein. Et l'INSEE rappelle, hein, rappelle euh, à chaque fois qu'ils font une, une publication sur le PIB, euh, ils disent, il euh, y a plein d'autres indicateurs, euh, euh, le PIB est décomposé dans toutes ses composantes. Euh, par l'INSEE, c'est des tableaux qui sont très très longs, qui sont compliqués à lire, euh, vraiment. Et, mais euh, tu, as, tu as toutes les composantes euh, du truc, tu as d'autres indicateurs, le, le PNB, National Brut, qui est un peu différent, le revenu National Brut, qui est encore quelque chose de différent. Et euh, avec tout ça, quand tu regardes un peu tout, tu peux avoir une vision un peu oui, effectivement de l'économie euh, au sein d'un pays. Mais euh, se mais river comme ça à ce seul indicateur, le PIB... C'est. Oui, c'est stupide. Mais c'est nous tout ce qu'on nous donne, effectivement, euh, à regarder. Les vrais euh, dirigeants, les vrais économistes, ils regardent, pas, ils regardent certainement pas que ça. Ils regardent plein d'autres trucs. Ils sont informés. Il y a une raison. Et ils savent les lire. Il y a une raison historique pour qu'on PIB. Non, je sais pas. Plus... J'ai trouvé que c'était certainement le... un, un truc pratique, quoi. Notamment à cause de, ce, de cette métrique-là du, du emparité de pouvoir d'achat. Je pense que c'était facile pour se comparer les uns les autres aussi. Mais historiquement, ça vient de historiquement le, le, le PIB, ça vient de... des États-Unis et c'était quelque chose pour mesurer la capacité d'investissement dans un effort de guerre. C'était fait pour ça. En gros, c'est euh, Roosevelt, je crois, qui, 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 qui est allé voir ses statisticiens euh, nationaux euh, et qui a dit, voilà, je veux savoir combien me rapporte euh, chaque année euh, euh, tout l'acier que je produis euh, pour voir si je peux l'investir euh, pour aller faire la guerre. Et, euh, et ça part de ça. En fait, c'est des mecs qui ont mis des années hein, à construire le truc, hein. et ça s'affine euh, d'année euh, en année. Hein. Aujourd'hui, euh, euh, j'avais lu un truc, un truc marrant dans un bouquin, dans un bouquin déco, j'ai essayé de comprendre un peu ce que c'était. Euh, euh, au début, je crois que euh, la, la recette, un peu pour faire le, le PIB, s'il y a des définitions ultra précises hein, de chaque composante, ça faisait 20 pages. Et je crois qu'aujourd'hui, la dernière recommandation euh, euh, mondial, euh, ça doit faire plus de 400 pages, je crois, euh, le truc, euh, la recette quoi. Donc ça, ça se complexifie de plus en plus euh, et on a tout investi à peu près là-dessus quoi. Mais ça doit avoir un avantage, hein, certainement. Mais euh, de là à dire lequel précisément là, là tout de suite, euh, je saurais pas. On a l'impression que ça permet de, de justifier certaines politiques. Euh, en disant que l'important, c'est d'avoir de la croissance, donc il nous faut euh, nous moderniser, nous flexibiliser, et patati et patata, et, et c'est souvent utilisé pour justifier la croissance, même euh, j'en parle souvent, mais c'était tellement choquant, Manuel Valls, qui, pour justifier les ventes d'armes à l'Arabie saoudite, disait, mais ça crée de l'emploi. Vous voudriez que je sacrifie la croissance française euh, sur euh, une morale hein, qui serait de ne pas vendre des armes de guerre à des, à des régimes... Euh, euh, voilà, des régimes qui bombardent des civils au Yémen, etc. Euh, voilà, ils justifiaient ça euh, par la sacro-sainte croissance. Donc, ça a effectivement cet intérêt-là, je pense, pour eux, de se. Gargariser en permanence du PIB ou de justement nous effrayer en disant attention si on n'a pas de croissance l'année prochaine euh, tous les systèmes sociaux vont euh, calancher on va devoir les, les foutre à la poubelle donc il faut qu'on qu modernise qu'on flexibilise qu'on permette aux employeurs d'avoir plus de liberté plus de crédit d'impôt etc etc donc euh, des... cet argument est tellement claqué je veux dire ah oui on est d'accord on est bien d'accord c'est oui, mais les emplois, à chaque fois, en plus, en plus tu peux le prévoir. C'est ça qui est terrible. Quoi. Est -dire, ah, tu vas voir, ils vont faire un chantage à l'emploi. Mmh. On ne peut pas mettre en place des, des, des vraies alternatives écologiques parce que l'emploi, parce que ceci. C'est voilà. tout claqué. Oui. L'emploi et la croissance. C'est du même niveau que tout à l'heure, quand on disait à propos de Le On n'a jamais essayé. Pour moi, c'est du même niveau. Quoi. Mais ça montre effectivement, euh, la focalisation sur, sur cet indicateur-là, le PIB, sclérose le truc, en fait. Parce que du coup, de fait, on ne peut pas bouger. Si c'est l'alpha et l'oméga, bah on peut, ne on peut pas faire autre chose. Ça, 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 nous, ça nous contraint. Donc, voilà. Et il y a plein de trucs alternatifs. Hein. Vous avez peut-être entendu parler de l'indice de développement humain, l'IDH, par exemple, qui est un, un truc qui, qui était promu par l'ONU justement, pour, et qui synthétisait... Euh, dans une optique un peu de développement durable, tu vois, l'économie, la santé, euh, avec l'espérance de vie, pour pouvoir... Euh, l'éducation, ce genre de trucs, euh, pour pouvoir avoir un, un portrait un peu plus euh, complet, on va dire, de l'état d'un pays, quoi. T'as l'indice de santé sociale, t'as as, as plusieurs trucs. Là. Tiens, hop, je vais vous mettre ça dans, dans le chat. Et du coup, sur quels critères ils se basent, ces indices euh ces indices alternatifs on va dire enfin, sur, à ton avis sur quels critères il faudrait se baser plutôt pour euh, avoir euh, un chiffre qui ait du sens et dont la croissance ait du sens enfin, si on parle de la croissance du bien-être c'est pas du tout la même chose que si on parle de la croissance du PIB mais comment mesurer le bien-être dans un pays, c'est lié à quoi ah. Je vais, je, vais, je, vais, je vais voter en touche. Euh, je pense que ça, c'est du débat démocratique hein, qu'il faut avoir mmh. là-dessus. Euh, moi, j'ai bien hein, mes, petites, mes petites idées, quoi, mais euh, mais là-dessus, il faut qu'on se mette d'accord. Euh, ensemble, je veux dire -co collectivement, à l'échelle du pays. Et puis, il faut peut-être arrêter aussi de fétichiser le truc. Euh, euh, en mode, euh, on va regarder un chiffre. Mmh. Peut-être que la réalité sociale est mmh, ça, oui. un peu plus complexe que ça. Évidemment. Peut-être que du coup, faut pas, faut pas résumer. Hein. Voilà, tu... faut pas tout résumer sur un chiffre. Ouais. Et la croissance de ce chiffre. Peu... Et la croissance de ce chiffre. oui mmh. voilà, oui, oui, c'est complètement fou. Quoi. On guette, on guette ça. Et, et encore une fois, les politiques s'en servent vraiment à tout bout de champ pour justifier en fait toutes leurs politiques les plus dégueulasses sont justifiées parce qu'il faut que ce sacro-saint chiffre de la croissance soit en augmentation euh, et sans vraiment expliquer derrière pourquoi en fait. Quel est le... Tu vois... On, on, on s'est livré pied et poing liés à cette logique-là. Donc, euh, donc en fait ça explique même peut-être selon moi l'échec euh, des, des dirigeants. Euh, euh, de gauche ou dit de gauche, quand ils arrivent au pouvoir, hein, en fait, les mecs euh, se rendent compte qu'ils euh, qu qu bah, se pointent dans un système qui est verrouillé, en fait. Et ils ne pourront pas faire ce qu'ils ont dit. Quand, euh, quand Hollande dit que son ennemi, c'est la finance, bon, je, on le croit qu'à moitié, tu vois. Mais ça se trouve. Il était de bonne foi. <laughs> et le type arrive, hypothèse compliquée. Je suis. Se trouve, le mec arrive et, euh, et, et il se rend compte du du Degré de comment dire de, de l'incapacité physique euh, presque, de faire ce qu'il voulait, et, et pas Myriam et le mm. et pendant Emmanuel Macron, C'est euh, pour Hollande, je, je sais pas, mais pour moi, il y a un exemple qui le montre bien c'est l'exemple grec avec la crise grecque, crise de l'euro, exactement. Voilà, c'est mieux. Mm. Sauf que là, on, on les a contraints euh, encore plus. Ouais, c'est l'exemple emblématique, et même ça a été public, tu vois. En fait, cette, cette mise au pilori et ces menaces ont été quasiment publiques, et on imagine bien que Tsipras. Avec les meilleures intentions du monde, avec une élection forte, avec un référendum qui lui donnait raison, il a fait ah tout oui. l'inverse et il a dû capituler face à euh, la Troïka, comme on appelait ça. Troïka, ce qu'on a fait à ce pays, putain, c'était horrible. Mmh. Et quand t'écoutes Varoufakis euh, parler un petit peu des, des coulisses, euh, des négociations euh, qu'il y a eu, et tu vois que non, le mec ne pourra pas. Nous, nous ne vous laisserons pas faire ce que vous voulez faire. C'est ça le message qu'on leur a envoyé. Non. On ne vous laissera pas faire. Oui. De toute façon, on a tout mis en place pour que ce soit impossible pour vous de le faire. Donc, euh, donc euh, voilà, je ne sais pas sur quoi il faudrait baser les indicateurs. Est-ce qu'il faut baser euh, euh, nos, nos buts et nos objectifs communs sociaux sur, sur des indicateurs bah, Par exemple, voilà. qu'il n'y ait personne qui soit sous le seuil de pauvreté. Ça pourrait être un. Tu vois un indicateur qui est intéressant. Je prends. Comment il oh, est calculé est le, le seuil de pauvreté <laughs> C'est facile, tu, tu modifies le calcul c'est bon, tu peux passer. Hein, ah oui, ouais, donc du coup, coup voilà, c'est ta... un peu facile. Hein. <laughs> un peu trop facile. Tu, tu, mets, tu, tu mets un salaire à la qualification à 1041 euros par mois et tout le monde est en dessous du. Ouais. Ou tu mets le seuil de pauvreté à 2 dollars par jour et du coup tout le monde est au-dessus, mais ça n'arrange pas vraiment les choses. <laughs> c'est ça. Ça, c'est comme ça qu'on mesure la pauvreté euh, effectivement dans les pays pauvres comme on les appelle, là. effectivement, mmh. 2 dollars par jour, ouais. euh, 2 dollars par jour et par personne. Et euh, en dessous de ça, on considère que sur cette planète, euh, c'est impossible de, de survivre. C'est mmh. un euh... monétaire, tu t'as vu. Déjà, si, as un, si tu as un loyer de plus de 60 euros, déjà, euh, tu es au-dessus, quoi. Ouais, alors c'est dans, dans des pays où la notion même de loyer, peut-être... Oui. Euh, et, euh... Et pour prendre l'exemple de la France, par exemple, tu vois, pour montrer que c'est pas vraiment applicable à notre, euh, à notre pays oh, Celui-ci, non, effectivement. C'est un indicateur qu'on appelle absolu, effectivement. C'est ce qu'on appelle la pauvreté absolue. En France, mmh. c'est calculé un peu différemment. En France, on prend. C'est euh, calculé euh, de la manière suivante. On prend le revenu euh, médian. Alors, le revenu médian, c'est. Euh, euh, vous prenez. Euh, la Population française, vous cherchez le revenu qui sépare la population en deux. Il y a 50% des gens qui gagnent plus que ce revenu et 50% qui gagnent moins que ce revenu. Et ça, c'est le revenu médian, c'est pile au milieu. Euh, et donc, vous prenez ça, vous prenez euh, la moitié de ça ou 60%, ça dépend. Moi, je préfère en prendre 60% de ça parce que ça fait un taux plus élevé. Euh, donc, on, on, est, on est pauvre plus tôt. Euh, et euh, donc, vous arrivez à, je crois que c'était 1041 euros. Euh, mmh. Mois et par, par, par foyer, et donc en dessous de ça, bah, comme je dis dans la conf, félicitations, vous êtes officiellement pauvre. Voilà, mais n'ayez pas de honte hein, puisque vous êtes 10 millions. Et du coup, si on, on donne un salaire à la qualification de ce montant là, mécaniquement on fait augmenter le, le salaire médian, exactement. Il est là le twist, puisqu'il est relatif hein, ce, ce, ce taux de pauvreté. Dans les pays euh, qu'on appelle développés, on va dire, en France notamment, euh, on considère... Parce que c'est pas le cas aux États-Unis, par exemple, ils sont encore à, des, à un autre mode de calcul, ils sont, ils sont en absolu, ces cons-là. Euh, donc on, on, on considère que la pauvreté, c'est pas uniquement euh, quelque chose de, de monétaire. On, on parle de conditions de vie. Euh, on est pauvre par rapport aux autres. Et donc ça veut dire qu'on n'a pas accès aux mêmes, euh, mêmes choses euh, que les autres. Euh, ça, c'est un Roland de... De, de, de une ancienne pensée de, de ce pays qu'on est en train de paumer. Mais euh, il y avait une notion d'égalité devant, euh, devant les conditions matérielles d'existence. Et, euh, et donc effectivement, il augmente chaque année euh, ce taux de pauvreté. Euh, euh, ce qui est très étonnant, c'est que euh, souvent d'année en année, on a plus de pauvres quand même. Donc il augmente mécaniquement avec ce revenu médian qui augmente. Euh, donc euh, tout le monde ne le voit pas augmenter de la même manière. Je lisais un papier sur les personnels soignants, par exemple, qui eux voient leur, voient leur salaire net baisser hein, en parité de, de pouvoir d'achat. En fait, ils perdent, ils, avec l'inflation, ils perdent du salaire eux chaque année. Alors c'est pas beaucoup, mais ils perdent quand même. Mais ils ont eu euh, une médaille. Mais ils ont, oui, 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 ils, ils ont une médaille. Ils pour, ils, je ne sais même pas si ça se revend ici, si, s'ils si, pourraient se faire 10 balles pour, 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 pour effacer la note euh, le déficit qu'ils ont connu. Euh, mais donc, oui, ça, ça augmente chaque année. Et donc euh, là, on était à 1041 euros euh, en, en 2018. J'imagine que ça va passer à 1045, 1048, euh, quelque chose comme ça euh, en 2019. Le problème de la pauvreté, c'est qu'en plus, on a les chiffres avec deux ans de retard euh, deux ou trois ans de retard euh, parce que c'est le merdier euh, pour avoir toutes les informations fiscales des gens. Donc, euh, donc voilà. Et donc, ce, ce taux de pauvreté est calculé euh, voilà, de manière relative. On... Avec un taux comme ça, on aura toujours des pauvres. Euh, le but, c'est euh, d'essayer de réduire ce nombre hein, et d'essayer d'augmenter euh, petit à petit le, 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 le taux de pauvreté. Et c'est la galère à faire baisser. Euh, parce que, fatalement, si tu as euh, une croissance des salaires, un truc comme ça, 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 ça va augmenter à donf. Donc, faire baisser ton taux de pauvreté, on comprend bien que si c'est calculé par rapport au revenu médian, ça ne peut pas baisser drastiquement. c'est pas possible. Alors, je vais vous proposer d'intervenir une dernière fois, parce qu'on approche des 18 heures. Je pense qu'on a déjà dit beaucoup de choses et euh, de toute façon, on se retrouvera. C'était un plaisir de discuter avec toi, Johan, aujourd'hui, donc j'espère qu'on euh, qu qu pourra parler de, de la réforme du chômage quand on aura fait une vidéo. Euh, vraiment, euh, n'hésite pas à venir, on, on en parlera ensemble, on fera la, la promo pour ta, pour ta chaîne. Déjà, il y a quelques personnes qui sont abonnées à ta chaîne, donc euh, voilà. Oui, J'ai vu ça, merci beaucoup, c'est très gentil. Maintenant, ils attendent, ils attendent du contenu, donc euh, à toi de m'envoyer. De, de de m'envoyer euh, la semaine prochaine. Euh, donc après avoir fait les graphiques de Jean Castex, les chiffres de la délinquance, on va sauter sur Darmanin la semaine prochaine. <laughs> et je prépare, un, je prépare une, une vidéo donc sur l'assurance chômage et euh, sur la situation de l'hôpital public qui arriveront après. Excellent. Bah, je remets le lien de, de ta chaîne, que tout le monde aille s'abonner. Et ben on, on suivra ça de près, euh. évidemment. Et n'hésite pas à revenir quand tu veux pour, pour nous parler de... De voilà, tes dernières vidéos, qu'on en discute ensemble, vraiment avec, euh, avec grand, grand plaisir. Parce que c'est important de faire ce décryptage, euh, surtout des chiffres qui nous sont balancés euh, voilà à, à toute la journée, avec le Covid en plus, c'est ça. Hein, je veux dire, ouais, le, la une, euh, j'utilise Google News, mais j'utilise de moins en moins parce que c'est infernal, en fait. La première euh, une chaque jour, c'est nombre de morts, nombre de gens en réanimation. Ouais, c'est euh, ouais, voilà terrible. Euh, On se mange ça, ça toute la journée. Utile, quoi. Euh, ça m'a été super utile quand je faisais des recherches là-dessus, mais. Euh... Je Préfère tomber dessus quand je le cherche, mmh. plutôt que effectivement, mmh. tu vas de, de l'avoir automatiquement sous les yeux, c'était terrible. voilà, c'est ça le, le but de la chaîne c'est voilà, on se pose 15-20 minutes, on regarde un truc, euh, un chiffre, on en parle euh, posément, et puis on, on j'espère qu'on peut découvrir d'autres trois trucs euh, ensemble. Et eh ben oui, avec plaisir. Euh, du coup, on va laisser peut-être la conclusion à, à Slash. Si vous voulez intervenir, c'est vraiment maintenant. Allez-y, hein, parce que, voilà, a priori, euh, on a quand même euh, eu le temps de parler de beaucoup de choses. Ça fait 3h20 qu'on est en live, ok Donc... Euh... oui. Quand même, c'est passé vite, hein, mais, mais quand même. Ça fait, euh... ça commence à faire beaucoup. Alors, euh, Slash, est-ce que tu es là On ne t'entend pas. Moi, je ne t'entends pas. Et si. Ah si, c'est bon. Euh... Tu es là. Alors, bah, moi, il y avait. Bah, C'est marrant ce qu'on a parlé pas mal de... Enfin, moi non, parce que je pense pas être suffisamment euh, informé sur le sujet pour pouvoir euh, être vraiment pertinent. Mais euh, en tout cas, sur l'usage des mots, je trouvais ça intéressant. Sur le, le salaire, même si je suis pas forcément d'accord, mais j'ai pas lu Marx ni autre donc je peux pas vous contredire là-dessus. Il y a un moment où. Euh, voilà. C'est pas mon, mon domaine non plus. Euh... Euh, je trouvais que c'était intéressant, en tout cas, ce, ce débat sur la, la valeur des mots de savoir qui, a le, de, 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 qui, dit, dit, qui déclare que tel mot, tel mot ou tel mot est, euh, est entre guillemets utilisable ou représente bien quelque chose est-ce qu'on doit se fier à un dictionnaire ou pas enfin, c'est assez intéressant et qu'est-ce qu'on place comme marqueur commun qui nous permet de communiquer parce que bon, on le voit aujourd'hui euh, ne serait-ce qu'avec le, le, euh, le mot le, le grand, l'infâme, raciste, systémique parce que là alors d'un côté euh, c'est une réalité, d'autre côté c'est pas une réalité mais à chaque fois on parle pas de la même chose donc c'est vraiment... Euh, Quelque chose. De... Enfin, je, je vous avoue que maintenant, dans un genre où un débat où on parle de racisme systémique, je me casse parce que je sais très bien que euh, de chaque côté, on va, on va jamais avoir la même définition du mot. Euh, mais je, je pense que ce serait pas mal un jour de faire une émission là-dessus. Je pense... Alors je sais pas si jamais as dans tes contacts des gens qui pourront vraiment répondre à cette question de manière euh, euh, peut-être pas forcément institutionnelle, mais avec un peu d'histoire euh, là-dessus, sur la sémantique. Mmh. Euh, bon, je pense que c'est assez compliqué aussi d'avoir quelque chose où tout le monde arrivera à y trouver son compte, parce que forcément, on défend tous un peu nos positions ou même ne serait-ce que notre éducation. Mais déjà, se mettre d'accord sur les mots, tu vois, c'est déjà une bonne partie du chemin. Mais c est, c est... Même si on n'est pas d'accord à la fin, tu vois, au moins, on est d'accord sur de quoi on parle, et c'est déjà pas mal. Ouais, ça, oui, tu peux pas avoir un débat apaisé si tu, 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 tu parles pas des mêmes trucs, hein, tout simplement. Tu te on se comprendra jamais. Mm. Mais c'est pour ça que je pense que le débat gauche-droite, quand on, quand on dit euh, « oui, euh, on doit faire débat, je sais pas, Mélenchon et, euh, et Marine Le Pen », je trouve que c'est quelque chose où... Même Macron, quoi. Macron a une novlangue qui n'a rien à voir avec celle de Marine Le Pen, quoi. Donc euh, c'est vrai que je, je pense que ce serait pas mal de faire une émission là-dessus. Le truc, c'est qu'on sait que s'ils si sont au second tour tous les deux, il y aura un débat entre les deux, quoi. C'est ça, mais justement, ce débat va servir, enfin, de, de mon point de vue, pas à grand-chose. Parce qu'ils vont pas du tout être dans les mêmes référentiels, quoi. Il y en a un qui va te dire, oui, mais euh, voilà, la planète. On va parler du cycle de l'eau avec Mélenchon. Il avait fait une, une, euh, quelque chose là-dessus. Puis tu vois, euh, Marine Le Pen, elle va être là, ouais, mais l'islam. Donc si tu veux, on va pas être sur la même chose. Donc oui, Ça va sûr. pas marcher de toute façon. Ou alors, ou alors, on va te dire, oui, mais c'est parce que je sais pas. Euh, elle va te sortir, elle va nous sortir un truc genre les Arabes vont dans les forêts, j'en sais rien. Tu vois, elle va te sortir un truc complètement euh, à côté de la plaque. Et inversement, je pense que si on mais après est-ce que, est que le but d'un débat politique comme ça, en mode politique-spectacle, est-ce que le but, c'est vraiment euh, de partir d'une base commune et d'avoir une discussion pour aboutir, tu vois, à une réflexion, ou euh, de mettre en scène... Moi, je pense que c'est plutôt ça, hein. c'est une mise en scène euh, des différences entre les deux candidats et avec euh, voilà, un côté plus théâtral, en fait, que vrai débat où on va chercher à construire tu vois, une pensée commune. C'est pas du tout le but du débat présidentiel, c'est euh, un affrontement, quoi. C'est la culture du clash avant l'heure, hein, au final, euh, ce débat. C est, c est vrai. Le, le but, c'est de persuader euh, les spectateurs. Il n'est pas de débat comme nous, on mmh. peut faire euh, dans le cadre quotidien, tu vois, ou là, effectivement, d'essayer de comprendre... Euh, L'autre est d'avancer, c'est pas du tout ça. Effectivement, ouais. eux, eux, ils sont là pour exacerber les différences et, 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 et pour convaincre les autres. Ils ont tous lu leur petit Schopenhauer. L'art d'avoir toujours raison. Mmh. L'art d'avoir toujours raison, voilà, ils ont tous lu ça. <laughs> le problème des mots, c'est que les mots filent. Et c'est vrai que je connais un ouvrage qui est vraiment cool pour connaître la signification des mots ça s'appelle Un dictionnaire. Le fait est que le dictionnaire, s'il est utilisé, euh, enfin, tu sais, dans un dictionnaire, pour chaque mot, tu as plusieurs définitions selon les sens et tout. Oui, oui. Quand on parle de croissance négative, tout le monde sait ce que c'est la croissance, tout le monde sait ce que c'est le négatif. Le fait est que c'est des communicants, entre autres de, de l'Élysée et tout ça, qui, qui balancent euh, balance ce genre de termes pour éviter de perdre la face. Parce que j'ai envie de dire, c'est pas un échec, ça n'a pas marché. Tu vois, on en a en permanence des trucs comme ça. Donc, les mots s'affilent. Le seul truc, c'est qu'il faut d'abord il faut faire la démarche de les analyser de dire et d'essayer un peu de voir où, où est-ce qu'on essaie de nous la coller, quelque part. Hein, quand on parle de croissance négative, ça passe dans un discours. Ouais, ben, bah, il faut se pencher sur les, les implications du truc pour, euh, pour pouvoir euh, comprendre de quoi vraiment on parle et de, euh, de comment on se fait avoir. Est-ce que, est que tu as Qualité, un linguiste ou quelqu'un dans tes contacts, je sais pas, ce serait intéressant. Je, je serais très très preneur d'une con, enfin, conférence, d'un débat là-dessus avec quelqu'un qui s'y connaît mieux que nous, je pense. Mmh. Euh, pourquoi pas J'en ai pas comme ça en tête, mais, mais bon, ça se trouve. Hein. Il faut chercher. Il y en a plein des linguistes qui, je suis sûr, aimeraient bien parler de l'usage de la langue aujourd'hui, de, de plein de choses. Il y a bon qui est assez connu, hein, qui est un youtuber qui te fait ce travail-là. Donc, Peut-être avec lui ou quelqu'un d'autre, ça pourrait être intéressant, effectivement. Je vous écoute. En tout cas, si ça vous intéresse, il y a le travail de linguistique Linguisticae, qui a traité beaucoup de sujets, et qui justement, en fait, réussit à sortir un peu de, de certaines polémiques vaines, et à expliquer vraiment qu'est-ce qui est en jeu, notamment sur l'évolution de la langue, etc. Il a un discours qui est très intéressant, qu'on n'entend pas très souvent, et qui sort à des clichés un peu habituels, du genre, il ne faudrait pas utiliser les mots de telle ou telle manière, mais il explique bien que c'est l'usage aussi qui fait que on se met à utiliser tel ou tel mot, et que tout le temps revenir à l'étymologie, ça peut être très intéressant, mais c'est pas forcément euh, l'alpha et l'oméga de la compréhension de la langue, tu vois. Euh, comme les gens qui disent tout le temps, mais antisémite ça ne veut rien dire, parce que les arabes sont sémites aussi. Oui, mais ce mot est utilisé pour parler de, de la haine contre les juifs, et c'est comme ça en fait, C'est peu importe l'étymologie, tu vois. Enfin c'est un exemple comme ça, mais il y en a plein d'autres. Donc... Euh, ce intéressant en tout cas d'avoir un débat autour de ça et de, de peut-être pouvoir poser quelques petites bases quoi qui permettrait au moins de de pouvoir pas forcément se reprendre mais tu vois dire bah mais alors attends c'est marrant ce que moi je n'accorde pas la même tu vois signification à ce mot-là et du coup pouvoir oui. se mettre d'accord sur la définition ou même pas forcément se mettre d'accord mais être au moins conscient qu'on ne parle pas de la même chose quoi. Ah oui tout à fait tout à fait et là il y a des trotskistes. <laughs> en embuscade, qui disent non mais de toute façon on est... <laughs> même la gauche on n'est pas d'accord. Oui, c'est sûr. Et bon, on a été relativement d'accord aujourd'hui, je pense que c'était une discussion de, de qualité. Je te remercie vraiment énormément, euh, Johan, et je remercie l'ours aussi, qui quand même euh, a mais aussi oui. beaucoup travaillé dans la coulisse. L'ours, no pesto et Soapi, je crois qu'ils ont. J'oublie personne, l'ours. Qui ont mmh. contribué. Euh, merci. Euh, notre superbe affiche, tout de même. Et The Philosophes, exactement, évidemment. Donc, un grand merci à vous de votre contribution, de votre participation. J'espère que le résultat vous a plu, que l'émission vous a plu. En tout cas, moi, j'ai passé vraiment un très, très bon moment, très intéressant, et j'aimerais bien qu'on renouvelle ça aussi. Enfin, je dis ça à tout le monde, parce qu'on n'a que des gens passionnants. Mais voilà, justement, ayons le plus grand réseau et n'hésitons pas à, à se revoir et à rediscuter de tout ça. Sur ta chaîne, ici même en live, euh, enfin voilà tout ce que tu, tout ce que tu veux. C'était un plaisir vraiment de parler avec toi. J'ai mis évidemment le lien de ta chaîne où il y a ta conférence gesticulée, euh, une version avec le son bon qui voilà peut poser problème sur certains, certains dispositifs acoustiques, mais il euh, y a une version aussi qui est beaucoup plus écoutable et où euh, voilà on, on parle, euh, tu parles de, de tout ce dont on a parlé aujourd'hui et plus. Et je vous invite vraiment à aller la voir. Et il y a aussi du coup des vidéos qui vont euh, commencer à apparaître, il y en a déjà euh, deux ou trois, et qui vont continuer à apparaître sur ta chaîne euh, au sujet ben, de ces chiffres avec lesquels on essaie souvent de nous manipuler. C'est ça. Alors, du coup un, un immense merci euh, Johan pour ta participation aujourd'hui. Euh, merci à toi, merci à vous tous d'être venus euh, nous voir. Je suis passé un très bon moment. De même. Merci à Slash également. Merci à Mangat qui était là avec nous tout à l'heure. Merci à tous les gens. Dans le chat qui ont euh, débattu, qui étaient là. Merci Drazit, SDF Proprio, Tobio Kageyama, notre modo, Monsieur Hibou, etc. etc. Merci, euh, merci à vous pour votre participation. N'hésitez pas à aider la chaîne si vous en avez les moyens. Et on se retrouve eh bien, lundi soir. On parlera sans doute de cette réforme du chômage parce que là, il y a vraiment un, un loup qui arrive et il va falloir euh, s'en occuper et commencer à en parler sérieusement. Donc je pense que lundi. On entamera cette discussion et voilà, bah, ce sera peut-être l'occasion, Johan, euh, plus tard d'en re reparler avec toi si tu si t'attaques tu aussi à cette, à cette réforme. Et je pense qu'il va falloir euh, faire un max parce que les médias n'en parleront pas beaucoup. Donc, euh, donc voilà, on peut compter que sur nous-mêmes, les automédias, les, tous les gens de, de bonne volonté. Donc, euh, donc voilà, faisons ce boulot-là. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. Ouais. Oui, et oui. Un très bon week-end à tout le monde. Euh, Reposez-vous bien et rendez-vous lundi. Et encore merci à tous. On va, on va se quitter avec la musique de Evolup. Evolup Song. Je vous mettrai le lien évidemment aussi dans la description. On va écouter le morceau. Follow. Et merci à lui. follow me follow me